Si j'ai vu passer un grand sur un canapé tout noir. Ah bah oui, j'ai vu passer. Ah, il a pas l'air commode. Ah, il a pas l'air commode. C'est un grand bonhomme habillé tout en noir. Ah, il est habillé tout en noir avec et chapeau noir, et gabardine noire, tout noir. Même le chien, il était noir. Ah, j'ai vu passer. Hein. Il dit qu'il s'appelait Salomon Quint. Salomon Quint, ça se dit. Ouais, il est passé, il a bu un coup, là, vite fait. Là. Et après une chambre, j'ai entendu crier toute la nuit, dis donc. Ah, il avait un petit martini, il se fouettait le dos comme ça. Là. Il se fouettait, dis donc. Il disait, ah, Jésus-Marie, il se fouettait, là. Ah, là, il cherchait. Une espèce de mec avec des grandes mains. Il disait, pas vu un gars avec des dents un peu pointues, des cheveux orange, tout ça, là. Ah, l'alcoolique, quoi. Un mec un peu paumé, je pense, hein. Un Salomon, tiens, ah, c'est ça, c'est tout en noir. Ah, c'est ça. Bon, alors, les copains, comment vous allez bien? Tout le monde est là? Ah, ils sont là, hein. Vous avez vu? Pour peindre un aubergiste. Il faut être habillé en aubergiste. Ouais, mais c'est ça, il faut se plonger dans le personnage. Ouais, c'est ça les copains. Et oui, mais c'est le premier truc de la peinture. Tu peins un gobelin, tu te mets dans la peau du gobelin. Je peins un aubergiste, je me mets dans la peau de l'aubergiste. Principe de base, acteur studio. Ouais, si vous ne faites pas ça, si vous voulez progresser en peinture, il faut se donner les moyens. Hein. Si vous ne donnez pas les moyens, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, moi? C'est comme ça, hein. Oh, il a fait tomber mon verre. Ne plus rien, tiens. Bon, on va mettre ça là. Bon, allez, j'espère que vous allez bien, les copains. Vous m'entendez bien? Le son, il est bon, là? Vous avez vu, j'ai pas touché. Chose promise, chose due, pour le cul. J'ai pas touché au bonhomme. Ouais, on va le peindre tous ensemble. 7 pouces seulement. Joanne Museau. Ah, si, moi, s'il n'y a pas 10 pouces, j'attaque pas. Je m'en fous, je fais rien. S'il n'y a pas 10 pouces, je fais comme s'il y avait un problème de connexion. S'il n'y a pas... Il le fait bien. Hein. Ouais, on a l'impression que c'était coupé, mais non, c'est moi. C'est moi qui ai fait semblant que c'était coupé. Alors les copains, son nickel, tout va bien. Bon bah super. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir Maou. Bonsoir Ledfaos. Bonsoir Benley. Bon, il y a des noms nouveaux que je connais pas. Le vert naturel sur la webcam, on voit bien qu'elle n'est pas finie la figue. Oui, bah c'est normal. J'ai dit que on la peignait ensemble. Salut tout le monde. Bonsoir. Mais qu'il est beau notre Zozo. Oh, c'est gentil, Maxime. Obi Maquette, bonsoir. ADC Models, bonsoir. Mathieu Véré, bonsoir. Z Attitude, bonsoir. Salut Zoz, la matrone. Comment ça, la matrone? Je suis pas déguisé en matrone, je suis déguisé en aubergiste. Pas vrai, ça. Mathieu Véré, Kenava. Non, Kenavo. Kenavo. C'est quoi, ça veut dire bonjour en suédois, ça, je crois. Tu peins avec la feuille? Ça y est, ADC Models, s'il est déchiré. On n'a pas commencé, qu'il y en a déjà qui ont... Parce que pour les nouveaux arrivants, on a une communauté assez particulière. Il n'y a pas que des gens équilibrés. Il y a même essentiellement des gens qui sont pas loin de... Que t'as fait tomber ma pétoune? Bon, vous voyez, tu peux faire du bruit maintenant que t'as fait du bruit. C'est foutu, hein, qu'est-ce que je te dis? Bonsoir Mathieu Véré, j'ai dit. Michael Bergerot. Que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, il va passer un gros truc à peindre. Ah, est-ce qu'il va passer à peindre? Tadam! Gurgesbusque, Gesgul Traca. Il pouvait s'appeler Pierre ou Patrick, il a préféré s'appeler Gesgul Traca. C'est un mec qui a beaucoup de soucis. Gesgul Traca. Bonsoir les gens, bonsoir Marc Gervais-Levent, bonsoir Adeptus Barbouillus. Pourquoi il y a un zob en lieu et place de Zoz? Eh ben bravo, ça part. Eh ben allez, 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 allez. C'est un chat qui va pas durer longtemps ça. Hein. Là on va se faire censurer par YouTube. YouTube. On se met ça. Il y a que les déséquilibrés ici. La preuve, mais la figue n'est pas de travers, c'est ma main. Qui est de travers. Ouais, un peu l'écran. Bon, et regardez. Vous avez l'impression que c'est de travers, mais si je fais ça. La magie du cinéma. T'as pas dire bonsoir à Corlo.
À Color Mini Tuka? Ah ouais, mais je l'aime pas lui. C'est normal, je l'ai sauté volontairement, je l'aime pas du tout. Mais non, bonsoir. Bonsoir, alors moi je dis son nickel, mais on dit pas bonsoir. Bah pardon, pardon! Bonsoir, old man. Old man, vieil homme en English. Voilà. Et alors, plusieurs choses à dire. Il y a un gars, j'ai plus le nom, merde, que je voulais remercier. Ben ouais, mais voilà, on a fait tout à l'arrache, on s'y est pris tard. Alors C'est attendez, pas Michael? je sais pas, Non. attendez, attendez, je vais retrouver, je vais retrouver, je vais retrouver, je vais retrouver Monsieur Herpin. Alors, je crois qu'il m'a dit que j'avais le droit de le nommer. Monsieur Guillaume Herpin. Eh ben, Monsieur Guillaume Herpin, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un truc de gueudin, Monsieur Guillaume Herpin. Ah bah justement, il est sur le chat. Coucou Ah, t'es sur le Guillaume. chat? Ah ben, coucou Guillaume. Eh ben, Monsieur Guillaume Herpin, il a fait un best-of de toutes les conneries qu'on a fait depuis peut-être pas les débuts de la chaîne, mais en tout cas, il y a des vidéos. Voilà. Et 20, pas loin de 30 minutes, hein, le truc. Hein. Je l'ai regardé, j'ai bien rigolé. Bien rigolé, je me suis dit que. En fait, je me On suis a bien dit. rigolé, j'ai regardé la Oui, t'as fin. regardé un bout, toi. T'as pas tout J'ai regardé. pas vu toute la. Ah, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ouais. Ce qui est bien, c'est que je me rends compte que dès le début, j'avais touché le fond. Ça, c'est inquiétant quand même. Mais bon, c'est très rigolo. Alors, évidemment, ce que je ferai, parce qu'il m'a donné la. Excusez-moi, on va pris un peu sur le côté. C'est pas grave, ça mord pas. Hein. Crotte de nez, ça mord, c'est naturel. Surtout venant de mon corps. Eh ben, je la mettrai sur mon YouTube. Donc voilà, je te remercie en direct, Guillaume Herpin, parce que j'imagine que ça a été du boulot. C'est super gentil d'avoir fait ça. On a bien rigolé et je la mettrai sur le YouTube. Voilà, c'était super rigolo. Donc ça, remercier les tipeurs aussi, parce que regardez, vous voyez un petit bout de ça là? Vous voyez ça, ce petit truc là, que vous voyez là? Bah, Eh ben, c'est grâce à c'est avec votre vous. pognon. C'est avec votre pognon. J'ai pris ça, les tubes là. Ouais. Et c'est bien pratique parce que vous voyez, je peux bouger là parce que vous voyez pas l'envers du décor. Mais bon, il y a un chinois là, il y a un truc, il y avait un mec qui me tenait là, le truc pendant que je peignais. Ouais, bon, il avait un peu la tremblote et puis il coûtait cher. Alors après, il était cotorep. Bon, des histoires de fiscalité, c'était N'importe intéressant, mais bon, quoi. on l'a remplacé par ça. Voilà. Bref, à la base, tu devais dire merci et pas des conneries. Mais non, mais je dis merci. J'ai remercié ma communauté. Merci à toute ma communauté de tipeurs, Il d'accord? n'a pas tout pris ce qui était prévu pour Non, la il en restait beaucoup figurine, rassurez-vous. parce que pour mon anniversaire, on m'a envoyé l'argent. Je ne peux plus savoir qu'en foutre, j'ai une piscine de billets, c'est extraordinaire. Et je vais m'acheter un petit bout de plastique avec. Hein, une figurine. Une belle figurine. Et on va essayer de la peindre en live. Hein. On fera peut-être pas tout en live parce qu'il y aura peut-être des passages chiants, mais en tout cas, on fera un certain nombre de choses en peinture avec vous pour que vous puissiez partager. Puis après, on montrera je mettrai une photo et évidemment, ce sera la figurine des tipeurs, quoi. Ah, merci. Oh, dis donc, bah, tu verrais qu'est-ce qui parle. Il envoie du message, hein. Ouais, mais je vous vois tous à me dire bonsoir. Bonsoir à tout le Oui, monde, je bon, vous fais il y des a gros Madame bisous. Tipeee. Hein, donc voilà, donc on parlera peinture essentiellement tout le début. Et puis après, dès que Madame Tipeee reviendra, parce qu'elle va s'absenter pour faire des trucs. Avec Joanne Musso. Ça ne me regarde. De toute façon, j'ai laissé tomber, j'ai bien compris que voilà, quand même trompe avec Musso. Et après, elle reviendra quand tu auras fini de me tromper et de faire la vaisselle, quand même, hein, et de faire C'est ça. tout truc de bonne femme, quoi. Bah, de Cosette, ouais. Voilà. Et voilà. C'est gentil, Guillaume Herpin. Il dit avec grand plaisir d'avoir rendu honneur à cette chaîne. C'est trop gentil. Ah, ben merci. Ouais, non, franchement, c'était un super boulot, Guillaume Herpin, parce qu'il a choisi des morceaux, il a fait un montage et tout. Enfin, c'est du boulot, quoi. Du boulot, du Bonsoir boulot, du boulot. Thierry. Bonsoir Mathieu Véret. Bonsoir Bon. Pterodactyl. Eh Tony bien, tout est là. Robert. Je vais balancer une petite musique en fond, quand même. Alors, attendez. Hop là. Hop, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bonsoir Alice Modeste, Adeptus, Marc Gervais, Ils t'entendent pas, la Manon, musique est trop forte. coucou. Oh bah mais pas trop fort, on n'entend rien après. On s'est aperçu d'ailleurs hein, sur un bout de son best-of à Guillaume Oui. qu'il y avait une vidéo, en tout cas au moins une, Ouais. où on entend vachement fort la musique quoi. Ouais, mais ça devait être de ta faute, ça, sûrement. Bien sûr, ouais. C'est surtout qu'ils t'ont rien dit parce que c'était très peu intéressant ce que tu racontais. Voilà. Donc la prochaine fois que tu as envie d'être méchant avec moi, tu réfléchis. Bon, alors j'ai préparé ma palette. Tiens, Thierry, il dit avec le torchon qu'il a sur la tête, c'est à lui de faire la vaisselle. C'est pas un torchon, c'est un fichu d'aubergiste, figurez-vous. Bonsoir Jean-Jacques Olive.
Me bien. Hein. C'est Pierre Villard, il dit Johan Musso. Je dirais que c'est un chapeau. Ben oui, voilà, merci ma pépette d'apprécier à sa juste valeur le costume de ton père. Qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Et oui, à chaque fois, j'oublie, là, je vais vous montrer ce que j'ai peint cette semaine. Alors ça, on va le continuer ensemble. Ben, il reste pas tant de trucs à faire que ça, hein. Mais bon, on va les faire ensemble, hein. Voilà, normalement, il y a des mises au point qui se feront. Voilà, donc on peindra ça ensemble. J'ai fait quoi de beau cette... J'ai fait pas mal de doublettes. J'ai fait des jumeaux. Vous allez voir. Là, il y en a un. Voilà. Si j'arrive à faire ouais, la mise au point parce que... Mise au point. Ah, voilà. Là. Voilà, donc là, il y a un jumeau. Hein. Et vous allez voir, il y en a un deuxième. J'aime bien ton socle, il est beau avec ton champignon. Ouais, c'est pas moi, ça a été sculpté. Moi, j'ai fait celui de la neige, là. Celui de la neige, c'est moi. Et voilà, et là, il y a le deuxième. Non, mais sculpté, bien sûr, mais c'est toi qui l'as peint, quand même. Ah bah oui, c'est moi qui l'ai peint. Ah, bah, oui, quand... enfin, c'est... Je me demande ce que tu fais, sinon. T'as vu les petites traces de sang, là hein. Sympa à faire, ça. Avec, on en fera sur l'aubergiste, je vous montrerai comment on fait un peu du sang qui ait l'air un peu... Qui fasse pas trop poser artificiel, quoi. Qui fasse un peu... Je pense, et ben toute modestie, un peu plus naturel. Dans la peau. Ça, c'est la neige Games Workshop. Très très bon la neige Games Workshop, ça marche bien. Donc on avait ça. Là, ces deux jumeaux-là. Et j'en ai d'autres, des jumeaux. Allez. J'ai un client qui me fait des commandes de barbares. Il me commande pas mal de barbares, beaucoup de barbares. J'ai un peu tardé à les faire d'ailleurs, je suis toujours un peu en retard sur mes Mais commandes. Malou a dit les joues rouges, c'est la bibine ou c'est le maquillage de Dame Tipeee? Alors c'est un peu les deux. Non, c'est le maquillage, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Figurez-vous que Zeus maquille très bien. Donc quand on est à Halloween et compagnie, c'est lui qui maquille. Ouais, c'est moi qui maquille ma femme. Ouais. Quand on sort, hein. Je lui mets du rimmel, rouge à lèvres, tout quoi. Ça. Voilà. Donc on a fait ça aussi. Voilà. Des barbares. Et là encore, c'est des jumeaux. Vous préférez lequel d'ailleurs, tiens? J'avais fait sur Facebook, j'avais demandé. C'était plutôt lui qui ressortait là. Socle glace. Romain, je comprends pas. Il dit Dame Tipeee, tu m'as toujours pas répondu sur Instagram. C'est quelle gamme de fixes et barbares? Dame Tipeee? Ah, ça, alors je sais pas c'est quelle gamme. Parce... Ah, si, regardez, c'est marqué dessous. C'est pas moi. Bah oui, c'est pourquoi t'as pas répondu? Mais j'ai pas Instagram, moi. T'as pas Instagram, toi? Alors je sais pas qui t'a parlé des barbares, mais pas. Il a dû parler à mon ex. Alors regardez. C'est... Alors vous remarquerez aussi une chose, la caméra est à l'endroit. Je sais pas si vous relevez le truc. Hey, musique. Donc la caméra est à l'endroit. Ben oui, mais vous remarquez pas tous les efforts qu'on fait là. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver des efforts. Hein. Grâce à vous, hein, tipeurs. Bon, je suis obligé de mettre de ma poche parce qu'il y a encore des gens qui typent pas beaucoup. Hein. Des gens qui ne typent pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, bah on est obligé de compléter. Mais voilà, on fait des trucs. Donc il y a ça. Préfère le vert, dit Marc Gervais. Préfère le vert, et ouais. Jeanne Musso, socle glace. Ouais, souvent c'est ça, on me disait la peinture du verre avec le socle. Glace. Toi, tu préfères le socle. Ouais, mais toi, c'est Pascal Mauglace. Je te connais. Ouais, Reine des Neiges. Pascal Mauglace, toi. Moi, bon, le voilà, pareil, avec un peu du sang. Il y a une hache qui brille plus que l'autre, vous avez vu? Dingue, hein. Bon, voilà, on a fait ça. J'ai un autre barbare, là, que je peux vous montrer viteuf, et puis après, on va pas. Romain, j'ai compris. D'accord, j'avais pas compris. Qu'est-ce qu'il dit qu'il a mis Dame Tipeee pour que je vois le message parce que toi, il est pas sûr. Il dit ça. Alors, oui, j'ai pas dit le nom du coup. Alors, celui-là, j'ai pas de nom, je sais pas. C'est une impression 3D. Sur l'autre, je vais vous dire le nom. Parce que c'est le client qui me les envoie. La peau du barbare au bouclier bleu est super. C'est Sutungre. Sutungre. S-U-T-U-N-G-R. S-U-T-U-N-G-R. Vous voyez pas bien, mais voilà, c'est écrit dessous là. S-U-T-U-N-G-R. Sutung. Après, on petit, je vois pas ce qu'il y a. Tu vois, François Pichy dit miniature. J'aime bien le champi. Alors, le champi, il était déjà sculpté. Hein, sur le. C'est pas moi qui l'ai fait ça. Moi, j'ai fait le socle glace entièrement, par contre. Alors, Stoïc le Corbeau, il dit si on apprécie l'effort, ça me perturbait beaucoup la caméra inversée. Ah! Ça te perturbait beaucoup. Ah ouais, donc là, du coup, vous allez être content. Là. Et celui-là. Voilà. J'ai son petit frère à faire. Et son petit frère, je ne l'ai pas fait parce que j'ai regardé dans la boîte. Et j'ai pas trouvé la cape. Et ça, ça m'a envoyé la cape. Donc on va. Excusez-moi, des fois, ça fait le flou. Mais voilà. On va faire un peu le focus là-dessus. Corlo, il dit voilà. Le NMM n'est pas dans le même sens sur les deux H. Oui, sûrement, oui. Oh oui, c'est fort possible. Moi, quand je cherche, quand je fais des trucs, surtout en matière de NMM, je suis pas forcément dans une logique pure et dure de pose de lumière.
Je suis souvent dans la recherche de l'effet graphique. Ou alors, souvent je peins, je réfléchis pas. C'est une possibilité aussi. Oui, très forte. Guillaume dit c'est Romain qui les a peints. Et Romain dit je les trouve très réussis. Merci beaucoup les copains. Je crois que Mathieu Véry, on l'a déjà perdu. Pourquoi? Mais je sais pas, vu les étoiles, réflexions, il a craqué. Il a craqué, Mathieu. Qu'est-ce qui t'arrive, pays Mathieu? Pays merveilleux, étoile ou dénel. Oh là là, qui pue, oh là là. Mathieu, faut que t'arrêtes là. Faut que t'arrêtes l'alcool. Mathieu. Là, ça va trop loin. Là, Mathieu, tu... Alors, on va essayer de régler notre caméra, un petit peu la mise au point. Cambo, il dit avec la caméra à l'endroit, on va tous parler de peinture ce soir. Ah, oui. Alors, voilà. Bon, la mise au point va être bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer notre aubergiste. La peau, c'est fait. Il nous reste la beba. La beba à faire. La musique est pas trop forte, vous me dites. Hein. Si la musique est trop forte, je règle. Et sinon, bah, on va commencer. Donc, on avait fait la peau, la chemise bien blanche, avec un petit ombrage derrière hein, pour creuser le dos, hein, et puis bien monter en lumière aussi sur les épaules. Donc on va déjà essayer de retrouver les couleurs de base qu'on a utilisées. C'est déjà pas mal. Alors, il y avait de ça. Donc je vais me mettre ça dans ma palette. Alors caméra palette, je sais, je vous promets à chaque fois, ça arrive, mais pour moi, c'était pas la priorité. Je voulais déjà installer ça, et il faut que je trouve maintenant le setup caméra palette parfait. Parce que là, j'ai galéré pour, avec ça, plus ça, essayer de tout mettre à l'endroit et que moi, je ne sois pas gêné, que je puisse bouger, vous voyez. Ouais. Fht, voilà, je peux peindre. Et c'est mieux qu'avant, non, de oui. Ce côté-là, sur ta position. Ah oui, 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 c'est beaucoup plus pratique. Et puis la lumière est désolidarisée de... Ah oui, ça n'a rien à voir pour moi, c'est quand même plus confortable. Ouais. Donc ça, c'est bon. Donc ça, qu'est-ce que je voulais dire? Coucou, Mika du 24. On s'en fout. La petite... Donc j'ai mis, voilà, je mets ça... C'est les peintures que j'avais utilisées. Donc ça, c'était du brun foncé. C'est ma couche de base de ma barbe. Si je me souviens bien, me semble-t-il. Donc ça, je vais utiliser un peu... C'est vrai, Tissi BZH, il dit, sur les premiers lives, on lisait beaucoup Chris Neumeyer et Elisabeth Isadoro, mais disparus, ils sont partis ensemble. Bah peut-être. Non, je pense que... Christian nous a lâché. Il a une PlayStation 5, c'est fini. Fini, ce que vous voulez jouer. Elisabeth, c'est vrai, ça fait un Oui, Elisabeth, je pense qu'elle s'est mise en ménage avec quelqu'un, sûrement. Ah, il y a Thierry Barre qui dit 58 viewers et que 28 pouces. Oh, les gars. Oh, ça dort, là. Oh. Et comment ça se fait 58? C'est pas assez 58 viewers. J'en veux plus. Moi, sinon, je peins pas. Il attend son manger, Mathieu Véret, c'est pour ça. Ah. Ah, elle te donne son... Oh, merci mon cœur, allez, ça fait 59 pouces. Ouais. Donc ça, les couleurs de base, il y avait un peu de strong tone pour ombrer un peu les machins, là. On va se prendre, voilà, je mets les couleurs par-devers moi, puis après je vous dirai ce que j'utilise. Hein. On va faire comme ça. Là, un peu de marronasse. Dépêche, arrête de parler, peins, ta fille, elle veut te voir aller au dodo. Je fais ce que je peux. Bah oui, mais il faut pas qu'elle se couche trop tard. Regarde leur qu'il est, oh. Non, d'une pipe en bois. Oh, 20 minutes d'introduction, c'est long. Non, mais plus c'est long. Plus c'est long. Bon, d'accord. C'est quoi, ça? C'est du noir? Il dit, je rêve ou je vois la ligne de moulage sur l'épaule. Oui, oh bah, c'est une figurine de jeu, les gars. Calmez-vous, hein. Pas non plus... pas là pour... Richard of Blackwood, là non plus ça me parle pas, moi, ça c'est un nouveau aussi. Richard of Blackwood, non ça me parle pas non plus. Coucou, Richard Fabien of Blackwood. H. Donc ça, Elisabeth Isadore aussi, je suis là mais plus silencieuse. On pensait que tu boudais. C'est vrai que Tissi BZH il avait raison, hein. Bah oui, on s'entendait plus trop. On s'est dit, oh elle boude. Elle boude. Ah, John Musso, il dit pour dépasser les 100 viewers, peint. Quoi? Il faut peindre du Cursed City ou du Warhammer. Ouais. Non, mais il dit, mais mets Cursed City dans le titre de la vidéo. Ah bah oui, je sais. Bah, on va faire ça la prochaine fois. Allez, on fait un Cursed City. Allez, Joanne, il a une bonne idée. Il y a Guillaume qui a mis un message et ça apparaît pas. Faut que tu... Ah bah il a dû mettre une saloperie, qu'est-ce que je te dise? Non, ça va. C'est sur lui la saloperie, il s'autoflagelle. Guillaume, mais... Attends, affiche. Moi je fais l'inverse, j'enlève les lignes de moulage et je peins comme un flan. Affiché. Il doit y avoir un gros mot. Ah, voilà, Tissi BZH, d'accord, c'est Christian Tissi, ok. Donc ça c'est bon. Un peu de marronasse, on en a mis. D'accord, pour pas interférer avec Christian Neumeyer, il dit. D'accord, oh, c'est gentil, ça dit. Donc, t'as vu comme c'est mignon les attentions qu'ils ont les uns envers les autres, là. Oh, Malou, moi, ça m'émeut. Elle dit, d'où l'intérêt de regarder le live en couple, aucun risque de nous voir partir, Romain et moi. Et ouais, regarde tous les deux. Ah oui, c'est vrai. En fait, tu les perdras pas.
Donc ça c'est bon, là je vais mettre un peu de... Voilà, je me suis mis un peu plein de couleurs, je vais vous montrer les couleurs que je me suis mis dans la palette. Je vais peut-être pas tout utiliser, mais c'est pour éviter de faire des allers-retours. J'ai pris de ça, c'est une espèce de gris-vert, un vert-gris, très exactement, pour faire ma base de métaux. Parce que je préfère les gris colorés pour les bases de métaux, tout simplement parce qu'un gris coloré est une couleur. Alors qu'un gris n'est qu'une nuance de noir et de blanc sans couleur, donc un peu moins intéressant à mon sens. Du blanc, il faut toujours du blanc et du noir dans la palette, donc du blanc et du noir, la base, hein. Voilà. Un peu d'ivoire, parce que j'aime bien monter mes éclaircies à l'ivoire. Peut-être avec, avec une pointe de jaune. J'utilise pas beaucoup le jaune, je vais me forcer à mettre un peu de jaune dans ma palette. Pourquoi? Parce que comme ça, on fera monter nos lumières avec des petites touches de jaune, et ça suggère un éclairage un peu plus chaud, un éclairage un peu auberge, vous voyez? Un peu genre lumière d'auberge, vous voyez, un peu près du feu, aux choses. Bon, rien à foutre de ce que je raconte. Oui, voilà. Tais-toi, j'arrive pas à en placer une. Donc, Maxime Buzio, il dit, je t'ai refait un Tipeee car je crois que j'avais annulé celui de ton anniversaire. C'est gentil, oh, Maxime. Bah c'est gentil, hein. Stoïque très gentil. Corbeau, il dit, j'attends de voir si la jambe coupée est assez horrifique avant de mettre un pouce. Guillaume, il dit, de l'Iroquois, du bras moyen. Oui, vas-y, continue. Sinon, tu mets, pour ta vidéo, tu mets ma femme sous la douche à la fin. Ah, bah, mais j'essaierai. Et Guillaume, qui a craqué, dit, c'est fion, 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 le mot gros. Il faut que t'affiches parce qu'il apparaît pas, du coup. Mais c'est pas vrai. Mais je peux pas afficher toutes vos conneries tout le temps. En même temps que je clique, je perds du temps, les gars. Hein. Ouais. Essayez d'avoir un langage châtié. Hein. Du brun foncé, donc une petite série de bruns. Et du strong tone, mais bientôt tout ça vous le verrez grâce à la caméra palette, parce que figurez-vous que je vais avoir une autre caméra pour filmer là de base, n'est-ce pas? Et celle-ci que vous voyez en caméra principale va passer en caméra palette sur le côté avec un bras articulé de manière à pouvoir capturer la palette pendant que je peins et avoir une autre caméra avec une focale qui me permet d'avoir une bonne lumière sur les figurines. C'est toi. Bon. Allez, on y va. Il y a Doc Data qui dit, bonsoir, il paraît que t'es une des meilleures chaînes françaises, Dixit le culte du dé. Du coup, deuxième participation à ton live pour ma part. Oh, oh qu'est-ce qu'il bah est merci sympa, à toi Fred. Et merci à Fred. Ouais, mais Fred, il est pas objectif, c'est un vendu et il a été invité, forcément. Cambo, sinon tu peins des centons pour les 100. Non, je déconne. Non, jamais de la vie. Alors, la mise au point, ça va, c'est correct. Joanie, allez, on est parti. Demande quelle figurine tu vises pour ton anniversaire. Alors, j'hésite. Donc, je vais pas dire parce que j'hésite. Bah, comme ça, tu auras les avis des uns des autres. Ouais, deux trucs. Mais, bon, mais j'ai pas les noms en tête, il faudrait que je retrouve. Mais ah je bah, vous dirai. J'avais noté, moi. Ah oui, alors. Bon, je regarderai après. On va peindre, parce que sinon ça... Le papier, tu l'avais pris? Oui, mais j'ai dû le jeter. Oh. Non, il est là. Il est là. Dans à côté, parce que je me suis installé un petit meuble aussi, à 10 euros. Alors. C'est vrai, 10 euros, c'est moi qui l'ai assemblé. Pas cher. À quoi Intermarché. Alors, donc ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer sur les choses, tiens. On va mettre déjà un petit jus sur mes choses. Alors, je vais mettre un petit strong tone sur mes choses qui sont trop blanches. D'autant qu'en plus, elles sont en bas. Je pense que je les avais basées, ces choses, de souvenir, avec une espèce de couleur ivoire, un sable ou un truc dans le genre. J'avais compris, Guillaume, t'inquiète pour la coquille. Là, j'utilise pas un beau pinceau pour faire mon... j'utilise un pinceau un peu quelconque parce que là, il s'agit de faire juste un lavis. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser un beau pinceau pour faire un lavis. Matessel, il dit, Zeus, tenteras-tu un jour un registre très différent, genre de l'historique? Ça m'attire pas, l'historique. Bah, si ça vous branche... Il est teubé, alors l'histoire... Ouais, c'est pas trop ce qui m'attire, moi, l'historique. Il y a sûrement de belles figurines, hein, mais j'avoue que c'est pas ce qui m'attire. Oldman, il dit, contrairement à certains, Zeus, tu n'utilises que très peu de citadelles. Elle ne semble pas avoir tes faveurs. Ouais, alors c'est pas tant... Je sais pas si c'est vraiment volontaire. C'est plus que le conditionnement citadelle me gonfle un peu, quoi. Ce côté peau... parce que les pots qui sont pas en pipette, ça sèche quand même assez rapido. Hein. Tous ceux qui ont des citadelles, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu tendance à préférer des peintures Valero, c'était pour le conditionnement. Et du coup, après, j'ai pris l'habitude de peindre avec des pots type Valero, modèle color et autres, plus que des citadelles. Et du coup, voilà. Mais sinon, non, les peintures citadelles sont très bien. Hein. Voilà, nos choses, c'est fait. Je vais baser aussi... Là, les cheveux. Les cheveux, je crois que c'était ça, la couleur de base.
Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Bah, elle est triste parce que je lui dis qu'on va pas lire d'histoire, mais il est tard, oui. Elle peut pas et regarder un bout de Et oui, mon cœur, c'est parce qu'il est tard. Bah oui, mais hier soir aussi tu t'es couché tard, mon loulou, quand on se couche tard, parce que hier c'était tu jouais beaucoup avec les copines, on peut pas non plus tout faire, tu vois. Alors là t'as voulu regarder peindre papa, du coup ça commençait tard, on peut pas tout faire, mon loulou. Et demain il y a école, ma puce. Eh oui, demain il y a école. Et demain il y a école, les copains. Zos historique, il s'en fout, il efface même pas. Allez, dis bonsoir à son porn. Oui. Tu dis bonsoir. Bah oui, bah pas besoin. Addictus Barbouillus. Tu sais, revoir les anciens lives où Madame Tipeee est d'une timidité ingénue en pesant. En pesant cacahuète. Maintenant, elle monopolise le chat. Pardon, je vais me taire. Cela suffit. De toute façon, elle va s'absenter, elle va coucher la fille de notre amour. Profitez-en, reposez-vous les oreilles. Et après, elle va revenir nous embêter. Ouh, c'est pas sûr. Bonne nuit, ma petite perlounette. Bonne nuit, mon petit cœur. Te fais un bisou à Papounette. Tu fais un petit bisou à Papounette ou tu boudes un petit peu? Voilà. Tac. Ah, t'as des bonnes nuits en plus. Au dodo, 4 ans aussi. Toi, t'as 5 ans maintenant, c'est vrai, hein? Bonne nuit, elle a dit bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit, ma petite amourinette. Fais de beaux rêves. T'es triste, c'est dur la vie d'enfant. Donc ça c'est bon, on a fait nos choses, c'est fait. Je vais régler, je pense, la caméra peinture. Configurer la vidéo. Ok. Hop, on va la régler de manière à avoir, je pense une mise au point manuelle. On va se faire ça. Mise au point. Voilà, on est bien. On ne touche plus. Donc, Madame Tipeee nous manque déjà, mais elle va revenir, Letfaos. Vous inquiétez pas, les copains, elle va revenir. Elle va revenir, elle s'est juste absentée un petit peu. Pour les coucher, le fruit de notre amour. Donc là... Voilà, cheveux, c'est basé. Donc là, bon, on a fait une petite base. Ceinture. Ceinture, on va se faire une petite base un peu marronasse, hein, tranquillou. On va se faire une petite base un peu marronasse, tranquillou. Et, tiens, ça, c'est quoi, ça? Oui, bras moyen. Mais je l'ai déjà mis, là. Donc, voilà. Allez, hop. C'est bien, ça, pour une couleur de ceinture. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Voilà. Donc là, pareillement, sur les bases, j'ai pas forcément besoin d'utiliser J'ai pas forcément besoin, je veux dire, de diluer énormément ma peinture. Donc, j'en profite. J'applique, voilà. Sur des couches de base, ça sert à rien de diluer énormément votre peinture. D'accord ? Si je déborde un peu, avec de la flotte, je viens enlever le surplus. Après, voilà. Vous voyez, je prends quasiment ma peinture sortie de peau. Elle est juste diluée avec l'humidité de la palette. D'accord ? C'est-à-dire que là, c'est ma peinture sortie de peau. En fait, il faut que vous diluiez votre peinture uniquement à partir du moment où c'est nécessaire. C'est-à-dire, on ne dilue pas pour diluer, on dilue pour atteindre une certaine consistance. La consistance étant... pour une couche d'aplat, ben c'est pas de la flotte. On ne cherche pas à faire un lavis. On ne cherche pas non plus à faire un glacis. On cherche à mettre un aplat. Donc, il faut juste une peinture fluide. Donc, voilà, ça ne sert à rien de surcharger en flotte. Si ce n'est que vous allez devoir faire beaucoup de passages pour baser. Et puis, en plus, vous perdez le contrôle. Quand il y a beaucoup de flotte dans votre pinceau, malheureusement... votre brush control, le contrôle du pinceau, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible parce que, ben ouais, il y a beaucoup de flotte, donc c'est pas simple. Bon, je vais venir avec une pointe de pinceau un petit peu plus fine. Voilà, donc je change de pinceau à la volée. Hein. C'est un peu, on change d'outil, quoi. Il n'y a rien de bien complicado là-dedans.
Voilà. Vous me dites si la musique c'est chiant ou pas. Je vais regarder, j'attends que vous répondiez. Et je vais regarder dans les commentaires parce que c'est un truc dont je me rends pas compte. Si finalement vous préférez pas juste le silence et le son de ma voix, ou si la musique quand même intéressante pour vous apporte un petit plus, quoi. Voilà. Bon, après, c'est des musiques particulières, hein. C'est des musiques de un peu country que j'ai mis. Il n'y a pas de musique. Ah, vous entendez pas de musique? C'est fou ça. Ah, c'est parce que je l'ai peut-être trop baissé. Alors, je vais la monter un tout petit peu. C'est bon pour la musique. Ok, ça va. Ah, ben nickel. Allez, on reste comme ça. Donc voilà, là j'ai basé ici, j'ai basé ici. Maintenant, on va baser là. Alors, ce que j'ai bien envie de faire là, je sais pas ce que vous en pensez, les copains, c'est de faire un petit effet genre métal rouillé ici, sur ce flanc-là. Et après, d'avoir un tranchant. Ouf, quoique. Non, je vais faire tout métal, si ce n'est que je vais rajouter plus de rouille sur le dessus. On va faire ça. Alors là, on va se faire cette petite lame ici. Donc je vais commencer déjà par baser tout en gris. Bon, c'est pas bien compliqué. Sachant que moi c'est un gris vert, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Donc là pareil, pas besoin d'utiliser un beau pinceau. Moi j'essaye tant que faire se peut d'économiser mes belles pointes hein, pour du travail de précision. Et quand je suis sûr de la base ou des choses un peu de cet ordre-là, bah, voilà quoi, j'y vais avec un pinceau de base. Paf, paf, paf. Ensuite là. Voilà, donc technique de base. On base. Elle est sympa cette lame parce qu'elle est un peu texturée. Les figurines sont toutes très sympas, je trouve, hein, de ce jeu. Là, franchement, on a été gâté par Mythic Games. Parce que pour des figurines de jeu, il y a de quoi vraiment se faire plaisir pour les peintres. Parce que c'est des pièces, moi j'aime bien leur côté simple, elles sont pas, il n'y a pas un milliard de fioritures dessus. Et du coup, ça nous laisse de la place à nous peintres bah, de traiter des matières, de faire des dégradés, des choses comme ça. On a de la place pour peindre, quoi. Parce que des fois, il y a tellement de détails que, à part mettre de la couleur sur chaque petit détail, on ne peint pas vraiment, quoi. Là, vous voyez, on a de quoi, une belle surface de chemise, il n'y a pas 50 milliards de trucs dessus, une belle surface de pantalon, enfin voilà, quoi. Là, il y a de quoi s'amuser. Je vais reprendre une couleur un peu sable. Celle-là, là, je vais m'en mettre un peu là. Voilà. C'est une couleur. C'est pas tout à fait de l'ivoire. Ça se rapproche plus de la coquille d'œuf. Donc je me rajoute ça dans ma palette parce que je pense que c'est cette couleur-là que j'ai utilisée pour faire ma chemise. Or ici, vous voyez, c'est un peu trop dans l'ombre. Alors même si on va avoir tendance à ombrer les parties basses de la figurine. Il faut quand même rajouter de la lumière là, déjà pour une première chose, c'est que si vous regardez, c'est le volume, il est parallèle à ce que j'ai là sur le ventre. Donc la logique voudrait que j'ai une luminosité équivalente sur ce volume-là à ce que j'ai ici. D'accord? Parce que je suis sur le même plan d'exposition. Par contre, comme c'est le bas, je peux me permettre de l'éteindre un petit peu plus, d'autant que je peux imaginer qu'il y a l'ombre portée de la ceinture. Bon, voilà. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma couche de base ici. Je vais mettre une petite pointe de marronasse. Qui traîne dans ma palette là, voilà. Et on va se faire juste ce petit truc là. Voilà, c'est tout. Bon, je pense que ça ira très bien, ni plus ni moins. C'est juste histoire de dire qu'on n'a pas oublié ce petit passage là. Voilà, ça c'est fait. Ceinture c'est fait, ça c'est fait, chapeau c'est fait. Eh bien, on va commencer à éclaircir et à ombrer notre chapeau. Je pense que notre cordelette aussi, là, on va y apporter un peu de couleur à notre cordelette. Alors là, vous voyez, sur la cordelette, je pourrais être tenté de faire une couche de base et un petit lavis pour la détourer. Mais ça n'a aucun intérêt parce que c'est déjà très fin. Donc je pense qu'on va plutôt prendre une couleur ici de corde. Alors attendez, je vais déjà rebaser avec une couleur un peu sombre ici, ma cordelette. Voilà. Donc je refais la base de ma cordelette. Je commence toujours par les couleurs sombres, parce que c'est plus facile ensuite de venir rattraper les volumes
avec mon pinceau, d'accord ? C'est plus facile de venir rattraper les volumes avec mon pinceau que d'aller chercher les creux. Donc il vaut mieux déjà, dans les premières couches de base, aller taper les creux, dans les premières couches, ici, comme je fais. Vous voyez, là, je viens taper des creux. Voilà, c'est-à-dire, je vais mettre de la peinture dans les creux que j'ai besoin de traiter. Et après, ce sera plus facile pour moi de venir taper les reliefs. Alors qu'une fois que j'ai tapé les reliefs, si je dois aller chercher les creux, c'est compliqué. Hein ? Voilà. Alors, je lis un peu votre chat, là. Oh, il y a du marronasse. Donc, Adeptus, ce qui importe, c'est pas la taille, c'est la pointe. Tout à fait, Adeptus Barbus. Il faudra un buzzer avec une sirène chez lui pour attirer son attention. Et ouais, mais vous savez ce que je vais faire ? Prochaine vidéo, on va activer le chat parce que j'ai un collègue qui m'a montré du Discord. Donc je vais créer un Discord spécifique où ceux qui voudront intervenir pourront venir. Au début, on va faire que un par un hein, parce que sinon c'est trop compliqué. Et ceux qui voudront, bah, ils envoient un petit coup de téléphone là, sur le Discord. On va créer un petit onglet spécial pour ça et j'ouvrirai et puis ils pourront discuter avec nous en live. On fera ça. Je peins du 28 mm, c'est chaud les copains. Ouais, c'est petit. Hein. Le silence des agneaux ou le silence des oiseaux, il y a deux... il y a un des deux qui me fait flipper. De Tissy. Mathieu Véret, baffre, baffre. Donc je pense que Mathieu Véret a reçu son plat. Si seulement il avait un Discord pour d'une maîtresse, lise les questions en attendant Madame Tipeee. Bah ouais, ouais. Bah le souci, c'est que Madame Tipeee, elle était pas trop chaude pour que je garde mon ex. J'aurais bien voulu, moi, ça a été sympa quand même, mon ex aussi. Hein. Bon. On peut pas, soi-disant. Comme... Zoz a pris un coup de soleil ou alors du pinard. C'est pas du tout, j'ai pas vu. Ah non, c'est pas le cas du tout. Je parle pas si balam. Romain et Malou pourront pas venir car ils sont deux. Ah bah ils prennent un micro pour deux. C'est sexy un micro pour deux. Enfin voilà, ça va être sympa ça, discuter sur le Discord. Allez, on retourne à notre bonhomme. Donc, ce que je fais, là, j'ai ma cordelette qui est basée. Je mets d'abord la couleur sombre, parce que ce sera plus facile pour moi d'attraper les volumes. Ensuite, sur un petit volume comme ça, ça n'a pas de sens de faire des dégradés très poussés. Je vais tout simplement venir texturer ici, comme si c'était de la cordelette. Donc, je prends mon pinceau, pointe fine, et je fais des petits... Tac. Voilà, des petits points comme ça. Un petit peu en traviole. Et voilà. Bingo, la corde, c'est fait. Terminado. Voilà, c'est tout. Voilà, on fait de la petite corde, hein. On fait croire que ça ira très bien. Ensuite, je vais reprendre mon... j'utilise beaucoup, moi, les Army Painter, les Quick Shade, les trucs comme ça, parce que je trouve que ça fait gagner un peu de temps quand même, donc je m'en prive pas. Je vais mettre ici une petite dose de Army Painter tout du long, d'accord ? Parce que maintenant, ça a séché ici, ma couleur de base. Donc ça va me permettre d'aller choper les creux. Quand j'ai un peu débordé, ben je prends mon pinceau humide, n'est-ce pas ? Puis je vais remonter un peu ça sur le côté, là. Excusez-moi, je suis sur le cadre. Voilà. Ici. Voilà, on va venir taper un peu ici. Voilà. Pouf. Là, ici. La viscosité de l'Army Painter est un peu plus importante que celle des shades de ces Games Workshop. Ce qui fait qu'elle a tendance à mieux s'intégrer dans les volumes et ne pas forcément aller se stacker que sur les creux. Elle va venir aussi un petit peu, je pense, elle va aussi avoir tendance à un petit peu plus venir ombrer nos volumes et pas uniquement aller chercher que les creux. Donc c'est pas inintéressant. Là, vous voyez, ça a séché là, nos choses presque. Donc c'est pas mal. Je vais en mettre un peu sur le chapeau là, parce que mine de rien, le chapeau, il y a des petites textures là. Voilà, donc l'Army Painter va venir aller les chercher toute seule comme une grande. Donc là, ouais, je fais une petite application un peu partout. Hein. Voilà. Pouf. Voilà, on va faire le tour ici. Voilà. Voilà. Excusez-moi quand je sors du cadre, faut me le dire. Hein. Vous criez, vous dites, oh qu'est-ce que tu fais là ? Faut pas que t'es hors champ là ? Voilà. Notre petit bâton là, il est un peu tordu là, notre manche en bois. Je vais prendre une couleur. Qu'est-ce que je vais prendre ? Tiens, du Moonfun Brown. Bonsoir Rémi Tyrod. Ouais, tu dis que t'arrives un peu tard. Ben non. Voilà.
Joachim, final, je vais éclaircir toutes mes figurines, trop de la vie. Ah, si on peut, je parle à vous donner la parole à une femelle quand même, pas chez au studio. Dis plutôt que tu veux pas nous entendre, Guillaume. Non, mais si, je veux vous entendre. Peut-être pas tous. D'où l'expression chapeau de zozo. Ah ben, je vois que vous êtes en forme, les gars, je vois que vous êtes en forme. Donc là, sur ma palette, je mets un peu de Mold Front Brown. Un brown de chez Citadel, donc oui, j'utilise quand même de la Citadel, hein. Ils ont des bonnes couleurs, hein, Citadel, hein. Le Mourn from Brown, maintenant vous pouvez le lire puisque la caméra est à l'endroit maintenant aussi. Ouais, les gars. On n'arrête pas le progrès. Je pourrais l'utiliser pour faire mon parquet aussi, tiens, ce Mourn from Brown, hein. Allez, j'en mets un peu plus, comme ça on va faire notre parquet aussi, hein. On va en profiter, on va venir baser notre sol. On va s'économiser un peu des allées et venues. Si, ouais, autre astuce, mais bon, c'est une astuce qui vaut ce qu'elle vaut, parce que je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour la trouver, celle-là d'astuce. Si vous voulez peindre assez rapidement vos figouses, essayez de fonctionner avec des palettes réduites. Hein. Ça vous permettra d'aller plus vite. Comme ça, vous traitez tous vos marrons. Ben voilà, et vous y revenez pas, quoi. C'est fait, c'est fait. Quand vous sortez un pot de blanc, ben partout vous avez besoin de blanc, vous mettez le blanc, quoi. C'est un peu ça l'idée. Bon, je déborde sur ma casserole parce que j'ai pas envie de tournobicoter autour. C'est long. Après, bien sûr, on viendra un peu traiter cette casserole nette. Là. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal. Là, ça m'a l'air pas mal. Voilà, les pierres, on va les faire grises. Quel gris on pourrait utiliser? Oh, bah, je vais utiliser le même gris que pour ma hache. D'accord? Si ce n'est que vous verrez qu'on n'obtiendra pas le même effet. Du tout. Donc, voilà, là, donc là, le but, c'est de faire une couche de base. Donc, n'hésite pas à aller... aller chercher, voilà, je peins d'abord ce qui est compliqué à accéder, vous voyez, donc c'est à dire que la petite souris là pour l'instant je m'en fous, hein. Si je passe dessus c'est pas très grave, de toute façon je viendrai la repeindre après, et comme je joue pas sur la transparence de mes couches inférieures pour poser mes ombres et mes lumières, je me fous complètement d'avoir perdu mon éclairage pseudo zénithal qui dessinait mes 2-3 volumes, surtout que sur des petits volumes petits comme ça, honnêtement, l'éclairage génital ne sert pas à grand-chose, on sait très bien que la lumière elle vient de là, et que là on aura moins de lumière parce que c'est le flanc, et que dès que c'est dessus on aura plus de lumière, et pareil pour notre petite souris. Sur des volumes faciles comme ça, l'éclairage zénital, si vous repassez dessus, vous en tapez le coquillard, hein. On est bien d'accord, hein. Parce que c'est tellement facile à gérer. Voilà, donc là ça a séché, maintenant il faut que je retrouve la couche que j'avais mis sur le pantalon, et ça c'est un peu la merdasse les copains. Je sais pas du tout ce que j'avais utilisé. Je sais pas si c'est pas du sombre africain. Ou de l'Indian Shadow. Oh là là, je sais plus. Je crois que c'est du sombre africain. J'espère que je vais pas me faire kicker en disant sombre africain. Mathieu s'en va. Comment ça, Mathieu s'en va? Fatigué, moi? Bah, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas nous lâcher à 2 mètres du bol de sangria quand même, Mathieu? Je crois que c'est ça. Écoutez, on va tester, hein. Donc c'est une espèce de violet african, sombre africana de scale color. Vous voyez, ne pas hésiter à utiliser toutes les gammes. Hein. Vous tapez partout. Hein. Chaque gamme a ses avantages, ses inconvénients. Et dans une même gamme, certaines teintes ont des comportements différents. Hein. Vous n'avez pas forcément tout le temps les mêmes comportements dans toutes les gammes. Hein. Vive les petits bonhommes! Bah ouais, ouais les copains. Je regarde juste un truc. Si tout fonctionne bien, voilà, musique j'ai un peu monté parce que vous entendez peut-être pas grand chose, c'est quoi que je voulais voir, c'est ça, voilà, ça y est, c'est bon, allez, en avant Guingamp. Donc une fois que j'ai fait ça, on va venir, ma barbe, est-ce que je l'ombre davantage? Oui, je vais faire un petit strong tone aussi sur ma barbe, tiens, allez, on passe en viteuf. Ça mange pas de pain. Ça me permettra d'avoir quelque chose d'un peu cohérent au niveau des tonalités. Hein, ça va aller chercher un peu les petits creux. Bon, ils sont pas bien énormes, hein, ces petits creux. Hein.
C'est pas indispensable d'utiliser le strong tone à ce moment-là, mais bon, allez, tant qu'à faire, j'y suis. Donc on va se faire un petit coup de strong tone. Ça vaudra ce que ça vaudra, c'est-à-dire que ça ira chercher un petit peu les petits creux là. Donc ça viendra me rajouter un petit poil d'ombrage qui va bien. Voilà. Donc bon, c'est pas inintéressant. Pas inintéressant quand même. Voilà. Allez. Ça, c'est fait. Notre bourse derrière, on va la faire comment? Eh ben tiens, si on utilisait un peu une contraste. Hein? Ça, vous voyez qu'on peut faire tout et n'importe quoi un peu. On peut tout mélanger assez là. Allez, je vais prendre une contraste, je vais prendre une Snack Beat Laser. Ou une. Ça me fera un marron de plus parce que. Qu'est-ce que j'ai là qui tombe sous un. C'est ça. Un orange, ça n'ira pas. Allez, un Wildwood. Pas mal ça, Wildwood. Allez, on va utiliser un Wildwood. Donc j'utilise ça pour faire ma petite bourse derrière. Ma petite bourse. Pas ma petite bourse à moi, hein. La petite bourse de la figurine. Hein. Vous aurez compris les copains quand même. Allez, bim. Hop, on se fait ça. Voilà. Et il faut que je base mon petit poulet aussi. C'est un petit poulet qu'il a. Alors, le petit poulet, j'ai dans l'idée, moi, que ce serait intéressant. C'est peut-être un peu sombre, j'irai l'éclaircir. Cette bourse, on devrait, je pense, la faire plus claire. Vous voyez, parce que ça fait trop sombre, là. Je pense. Donc, on va voir ça. Tiens, là, j'en profite pour faire le manche aussi, là. Vite fait. Bim, bam, boum. C'est pas trop peint. Est-ce que j'arrive à l'atteindre? Ouais, compliqué. Hein. Compliqué, je touche un peu mon fut. Je vais effacer ce que j'ai fait en trempant mon pinceau dans l'eau. Donc quand je déborde, je trempe vite fait mon pinceau dans l'eau et puis je viens absorber là où j'ai débordé. Excusez-moi, je suis sorti du cadre. Voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est fait. Ça c'est bon. Voilà, nos chausses, ça a bien séché, nos chausses, je pense. Allez, eh ben on va revenir sur nos chausses en attendant. Ah, j'ai mon poulet aussi que je dois baser. Alors, mon poulet, je vais le baser avec un marron rouge. Pourquoi je vais baser ça avec un marron rouge, mon poulet, là, derrière? Parce que je veux qu'à la fin, ce soit un peu rosé. Hein, je veux un poulet qui fasse un peu rosé. Donc, si je pars sur du marron rouge et que je monte ça avec de la chair, je vais rester dans les tonalités un peu rouges. Et le marron rouge, ça va me faire ma... Oh putain, si j'arrive à le faire tomber... Excusez-moi, excusez-moi les copains, je fais du gros bruit. Oh ben voilà, il est sorti. Il est bien sorti d'ailleurs, j'en ai mis un bon paquet sur ma palette. Ça c'est fait. Alors, on va baser notre pouletos là. Voilà. Allez, bim le poulet. Bim le poulet. Voilà. Un bon petit poulet des familles là. Avec la tête qui dépasse là un petit peu. Coco. Voilà. Allez, on dirait qu'il est cuit là le poulet du coup, avec cette couleur. Il a un poulet cuit le mec, à la taille. Allez, je vais revenir avec ma couleur sable un peu et je vais retravailler mes choses. Donc là, sur des petits volumes comme ça, le dégradé, il n'a pas forcément un grand intérêt, mais je vais en faire un petit peu quand même. Alors regardez comment je fonctionne. Je trempe mon pinceau dans l'eau, vous voyez, il est chargé en eau. Je le fais tourner sur mon sopalin pour enlever l'excédent d'eau. Il y a encore de l'eau dans les, dans les poils. Je prends avec la pointe ici un peu de couleur. D'accord. J'enlève l'excédent de couleur toujours sur mon sopalin. Et là, j'ai la quantité qu'il me faut pour peindre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire des petits traits comme ça. Là. Hop. Voilà. Sachant que c'est là où mon pinceau finit son mouvement que vient se caler les pigments, voilà, et j'essaye de faire remonter donc mes pigments là, ici sur devant.
Il y a des endroits où je vois que ça n'a pas ombré des masses. Eh ben, je viens les redessiner avec mon petit marron, là, ici, vous voyez, là. Là. C'est des endroits où la vie n'a pas fait bien son job. Oh, ben là, j'ai débordé, c'est pas très grave. Bon, voilà. Hop, allez, je reviens avec ma couleur de base. Toujours le même principe hein, que je vous expliquais, sauf que je vais un peu plus vite, là. C'est-à-dire que je ne vous réexplique pas ce que je fais. Voilà, donc je vais un peu cleaner, vous voyez, je ramène... Vous voyez mon pinceau, je fais plein de mouvements et je ramène à chaque fois hop, les pigments sur le haut du volume. Ici, ils sont mollets. Alors pour l'instant, ça ne se détourne pas des masses. C'est assez normal. Parce que c'est très proche de la couleur de base. Mais vous verrez qu'après, on va monter en couleur. On va faire monter un peu la luminosité sur ces choses. Sur les endroits où je veux un peu plus d'ombre, bah, je peux tout à fait venir ici avec cette même couleur dans laquelle j'ai rajouté une petite pointe de marron. Et je viens tout simplement le travailler un peu plus dans l'ombre, d'accord? Puisque la chose c'est dans l'ombre. Et sur les volumes qui reviennent perpendiculaires à la lumière, comme ces deux plis là, eh bien je vais prendre ma couleur de base. Et là j'essaie d'attraper vraiment juste les plis hein, pour garder mes creux. Donc là, il s'agit d'avancer tout doucement le pinceau jusqu'à effleurer le volume. Voilà, et c'est tout ce qu'on veut, effleurer le volume, tout à fait. Voilà, là je reviens ici, apporter un peu de lumière, là aussi. Là sur l'intérieur, vous voyez, je vais essayer de rallonger un peu les plis, et faire un peu accrocher la lumière, même dans l'ombre. Et toujours, je termine mon mouvement de pinceau, vous voyez. Au milieu ici parce que c'est ici que vient se poser la lumière pour moi au milieu de ce volume là. Voilà, ça c'était le premier traitement, c'est fait. Second traitement, je vais prendre cette couleur là, donc celle là hein, cette espèce de coquille d'œuf là, je vais rajouter une petite pointe d'ivoire dedans à côté. Je me fais mon petit mélange sur ma palette humide, voilà, et avec ça je vais faire mon premier éclaircissement. Donc je vais venir apporter un peu de lumière ici, là, sur le devant de ce volume-là. Voilà, des petits traits comme ça, sur les plis. Voilà. Je ne vais pas tout traiter, vous voyez. Je traite vraiment les plis qui sont sur le devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Hop. Voilà. Et le bord de ma chausse, là, ici. Et ici. Voilà. Et un peu là où je refais un autre passage. Alors des fois on a l'impression au premier passage que c'est un petit peu fort, mais en séchant ça s'estompe, vous voyez. Voilà. Est-ce que je vais faire sur la deuxième? Oui, mais beaucoup plus discrètement parce que la jambe est un petit peu en retrait, vous voyez, cette jambe là elle est un peu en retrait par rapport à celle-ci. Donc je vais vraiment faire juste quelques plis vraiment principaux qui ressortent. Il y a celui-là qui ressort pas mal, ça, et surtout les plis du dessus là. Voilà, le dessus du pied, évidemment. On change d'angle. Le pli est perpendiculaire à la lumière qui vient du haut. Donc là, évidemment, je viens attraper la lumière ici, avec ça. Voilà, sur l'arrière ici, eh bien, on va le faire un peu sur le haut, là. Ici, voilà. Vous voyez, je finis toujours mon mouvement un peu au milieu. Droite, gauche, en concentrant. Je retire mon pinceau vraiment quand je suis au milieu du volume là, ce qui fait que la lumière vient se déposer là. Et après, juste le centre de mes plis, pas tous. Ici, là. Tac, tac, tac. Voilà. Ici. Là, on va le faire aussi, mais un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Juste ici. Tac, tac, tac. Voilà. Un peu sur ce pli là, un peu là, un peu là, un peu là. Voilà. Là sur le côté, je vais refaire une petite propreté parce que vous voyez, c'est pas très clean. Donc je reprends ma couleur de base et puis je fais un petit espèce de petit filtre là, couleur de base juste un peu diluée. Alors, ça me permet de faire une petite propreté. Je vais accrocher les petits volumes là. Voilà, c'est une espèce de petite boule de tissu là qui dépasse. Voilà, bon, je
je viens les attraper. Donc même si c'est des choses hein, et qu'on comprend bien qu'elles sont pas très clean, il faut quand même essayer de faire un travail de pose de lumière qui soit assez, assez juste. Voilà. Je pense que pour les choses, ça ira. D'autant que c'est le bas de la figurine. Voilà. Là où je pense avoir perdu un peu mes ombrages, ben j'hésite pas, vous voyez, je me fais un petit jus avec mon marron là, truc très dilué, un lavis. Voilà, j'estompe un peu, je décharge mon pinceau et hop, voilà, je fais un petit passage là comme ça pour venir juste rattraper, vous voyez, juste que ça vienne se glisser un peu dans mes creux là. Tac, tac, voilà. Vous voyez, ça va, ça fait le boulot tout seul par capillarité. Donc vous avez compris, en fait, tout est affaire de dextérité un peu au pinceau et de consistance de peinture. Avec le volume d'eau. Voilà. Une fois que vous gérez ça, vous êtes le roi du monde. Le roi du monde. On va dire que vous arrivez à faire un peu ce que vous voulez. Voilà, et des fois, vous avez besoin de plus de précision et plus de consistance pour aller faire un pliant précis. Et bien là, déchargez un peu en eau. Voilà. Donc là, on est bon sur la chose. C'est pas mal. Je vais traiter ma ceinture ici aussi. Donc là, c'est pas très compliqué. J'ai mes volumes qui sont dessinés. Donc je vais venir attraper, hop, hop, voilà, tac, tac, hop, hop, voilà, je mets un peu de flotte sur ma pointe, un petit peu de peinture, et voyage avant d'arriver sur ma figurine, je vais toujours faire un tour sur mon sopalin, vous ne le voyez pas, hein, parce que évidemment, pas de caméra palette, mais je fais toujours un petit tour sur mon sopalin, avant de revenir sur la figurine. D'accord. Allez, là, pareil, je viens récupérer ici. Hop. Voilà. Et voilà. Un petit passage encore là aux endroits où j'ai pas trop marqué. C'est mon passage, là, pour avoir une couleur un peu uniforme. Et voilà, ma corde, elle est correct. Ici, ici. Voilà, je m'accorde surtout à mettre vraiment mon point de peinture ici, tac, et à le faire fuir en bas, quitte à ce que mon trait rétrécisse un peu en tombant vers le bas. Voilà. Ouais, je fais un petit coup comme ça, hop, et quand je descends, mon trait, voilà. Voilà, là j'ai fait ma ceinture. Peut-être un petit peu trop affiché cette ceinture, bah, à ce moment-là c'est pas grave, je vais faire un petit marron par en dessous là, voilà, pour donner un peu plus le côté arrondi, donc j'ombre un peu le bas, vous voyez, avec un marron que j'ai dans la palette là, un petit filtre là comme ça, voilà, ça ombre un peu le bas de la ceinture, voilà. Allez, on va venir ici aussi. Voilà, avec notre marron, on vient récupérer les volumes. Tac. Ouais, cette bourse, elle est trop sombre. On va venir l'éclaircir parce qu'elle ressort pas. Elle se noie trop. Voilà. Là, la couleur est bien. Ici, elle est pas mal. Là, on va la diminuer un peu parce que c'est le côté. Donc, voilà. Je regarde parce que j'ai sur le côté le dessin. J'ai récupéré le dessin de cet aubergiste pour essayer niveau couleur d'être un peu cohérent. On n'est pas obligé de respecter à la lettre, hein, évidemment, on fait ce qu'on veut. Hein. Et bon. Voilà. Très bien. Voilà, pour la ceinture, ça suffira pour le moment. Ça c'est good, ça c'est good, ça c'est fait. Mon petit chapeau. Alors mon petit chapeau, je vais l'éclaircir peut-être après parce que... Oui, je vais l'éclaircir après mon chapeau. Mes brailles, c'est fait. Il me restera les chaussures à faire. Mais en tout cas, les brailles, c'est fait. Le pantalon. Alors le pantalon, je pense que c'était ça la couche de base. On va de suite tester. Je vais essayer d'attraper. Ouais, c'est ça, vous voyez. Bon, bah très bien. Alors, donc c'est une espèce de violet un peu là. Un violet un peu éteint. Avant de le faire, je vais quand même lire vos messages. Je me fais juste un petit mélange. Je rajoute un peu d'eau parce que les peintures scale 75, elles sont vraiment bourrées de médium, ce qui fait que ça les rend des fois un peu pâteuses,
pas forcément facile à bosser, mais bon, avec l'habitude, on y arrive. Bon, allez vous servir, vous croyez quoi? Je suis pas un aubergiste, non. C'est Guillaume, il a craqué. Mika du 24, une bud, une. Guillaume servi, je suis à la Coref Rousse. Ah bah, je vois que vous faites plaisir, les gars, c'est bien. Oh, j'aimerais bien avoir... J'ai demandé un petit pis. Ah non, j'ai bu à midi. J'ai bu à midi, j'ai bu ce soir. C'est pas bien. C'est un peu trop. Ah merde, un tavernier alors. Yado, bonsoir Yado, bienvenue. Guillaume, je dis ça, je dis rien, mais Mathieu, il est barman. Ah bon, c'est vrai? C'est bon ça. Beau travail, Zoz. Merci et bonne soirée. Le chat, peinture, fig power. Eh bien, merci Joachim Barberou, j'espère que tu as passé un bon moment. Je crois comprendre que tu t'en vas. Qu'est-ce que je te dis? On va pas te retenir, tu dois partir, tu pars. Guillaume, t'as étendu un drap derrière toi? Non, pas du tout. Zoz, t'as étendu un drap derrière toi? Non, j'ai pas de drap derrière moi, qu'est-ce que vous dites, les gars? Les craqués, quoi. Non, j'ai pas de drap. Aubergiste, avec une jambe au sol. Eh ouais. Dans le scénar, il fait peur, cet aubergiste, hein, pour ceux qui ont joué le scénar. Donc là, j'avais mon pantalon. Je pense que sur ce pantalon, j'ai dû faire une couche de base de Indian Shadow. Et ensuite, j'ai dû mettre un gros shade parce que comme les creux étaient bien marqués, ça m'arrangeait bien. Et bien maintenant, je vais tout simplement déjà, avant de faire mon premier éclaircissement, déjà revenir avec mon Indian Shadow, rattraper les volumes. Et ce sera déjà mon premier éclaircissement parce que finalement, en mettant mon lavis un peu partout, et bien de manière naturelle... J'ai quand même aussi ombré un peu mes volumes. C'est logique. Donc là, je vais juste revenir avec ma couleur de base. Et vous voyez, déjà, ça me fait un premier éclaircissement. Juste avec cette couleur de base. Et c'est assez logique, finalement. Voilà. Donc je viens ici. Voilà. Rattraper. Donc les petits plis. Vous voyez, j'attrape les petits plis ici. Ce petit pli-là. Celui-là. Là, ici, là. Là, je vais faire remonter ma lumière sur la cuisse. Donc, je vais partir plutôt du bas. On va faire des petits jus, des petits filtres, comme ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ici. Voilà. Là, ici, ça vient prendre la lumière, là. Là, ici, sur le côté, là. On va essayer d'attraper ces petits... Hop, pas simple, là, de les attraper, hein, parce que... Voilà. Et on va. Voilà. Après, quand ça disparaît derrière le bras, là, faut pas trop s'emmerder la vie des rats non plus. Hein. Ça se voit pas. Ce qui ne se voit pas, hein, comme on dit. Là, c'est un pli un peu planqué. Là aussi. Voilà. Hop. Je vais arrêter. Vous voyez, je peins pas ces plis-là de dessous. Parce que ces plis-là, ils sont déjà dans l'ombre. Ils s'incurvent dans l'ombre. Donc, je veux vraiment juste. Voilà. Repasser ma base. Que sur les plis qui sont soit sur le dessus, soit qui sont face à moi. D'accord? Là, c'est face à moi, là, je fais. Là, c'est face à moi, je fais. Et là, par contre, ça disparaît dans l'ombre. C'est légèrement incurvé vers le bas, donc ça ne prend plus la lumière pour moi. Donc, je fais pas. Je vais venir attraper. Et après, ici. Là, ici. Là, ici. Là, la logique veut normalement que je fasse ce creux-là. Et oui, les copains, vous savez pourquoi je fais ce creux-là, là, ici, ce petit trait-là? Parce qu'au fond du creux, j'ai un volume plat. Donc ce volume plat, ben, de manière très logique, il vient récupérer la lumière. Donc, pareillement ici, regardez, dans ce creux-là, ici, là, hop, là, et voilà. Donc... On n'est pas dans l'école heavy metal où les creux, les creux c'est de l'ombre et puis les volumes c'est de la lumière. On raisonne à la logique, c'est-à-dire que si là j'ai de la lumière qui vient se poser sur ce pli, au fond de ce creux, j'ai un plan d'exposition qui est le même que là, c'est-à-dire qui est face à moi, là c'est face à moi aussi, et bien ça prend de la lumière. Par contre les côtés ne sont pas face à moi, donc ils peuvent prendre de l'ombre. C'est pour ça qu'on se retrouve avec le fond des creux éclairé. D'accord ? Retenez bien ça, parce que ça, en peinture sur figurine, c'est un élément aussi important. Si vous pouvez gérer ça quand vous peignez vos figurines aussi, c'est pas plus mal. D'accord? C'est raisonner aussi, pas se dire creux, ombre, nécessairement, et volume, lumière, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Faut être un peu, faut, en fait, il faut être logique. Vous avez vu, c'est ni plus ni moins que de la logique.
Ici, pareil, vous voyez, j'ai un creux. Mais étant donné que ce creux-là vient exposer un plan qui est perpendiculaire à la lumière qui vient du haut, bah, évidemment qu'il prend la lumière. Donc voilà. Alors après, on vous demande pas d'être au cordeau, d'être hyper juste là-dedans, mais d'avoir une certaine logique. Voilà. Bon, c'était mon premier éclaircissement sur ce pantalon. Eh bien, on va venir faire notre deuxième éclaircissement. Et pour cela, bah, je vais prendre cette couleur de base et je vais utiliser, bah, tiens, la couleur que j'ai utilisée pour ma cordelette va me servir à éclaircir mon violet. J'essaie de fonctionner avec une palette réduite. D'accord ? Voilà. Et j'essaie, tant que faire se peut, bah, d'utiliser ce que j'ai déjà dans ma palette. Je suis sûr que comme ça, ma figurine sera cohérente, puisque bah, j'ai des teintes limitées et qui sont utilisées ailleurs, en l'occurrence pour les cordes. Donc là, j'ai réutilisé cette couleur-là, vous voyez. Voilà, que j'ai utilisé pour faire éclaircir mes cordes. Bah, c'est aussi cette couleur-là qui est venue un peu éclaircir mon violet. Donc je me suis fait mon petit mélange. Et là, je vais venir dans moins de zones, d'accord ? Je vais venir attraper des volumes, d'accord ? Mais moins, d'accord ? Donc ici, c'est-à-dire je réduis ma zone d'intervention, donc sur les volumes les plus hauts, voilà, je vais venir attraper un petit peu ici, voilà, là c'est fait. J'ai une lumière qui est un peu surexpose, donc des fois j'ai du mal à voir, mais je pense que ça doit être assez correct ce que je fais. Voilà, j'ai débordé. On m'a fait déborder là. Ici, c'est la hache, j'ai tapé dedans. Et la hache, quand j'ai tapé dedans, elle m'a fait déborder. La coquinette. Voilà. Ici, c'est bueno. Voilà, là, ça vient reprendre de la lumière. Vous voyez, ça revient dans l'axe là. Donc, allez. Pas de raison. Ici aussi, ça revient dans l'axe. Là aussi. Donc, bah, fort logiquement. Voilà, là c'est une cuisse qui disparaît un peu dans l'ombre, donc on va peut-être voilà, allez, légèrement éclaircir, mais voilà, on va pas pousser davantage. Là aussi, voilà, c'est tout. Parce que cette cuisse-là, vous voyez qu'elle est un peu plus en profondeur, donc on va vraiment se concentrer sur ici. Je peux faire un second passage, parce qu'un second passage va venir confirmer l'éclaircissement. Et un seul passage, des fois, ne suffit pas. Hein. C'est-à-dire que n'oubliez pas que la peinture, c'est ni plus ni moins que des filtres. Donc, bah, c'est comme sous Photoshop, hein, un calque. Il y a une opacité plus ou moins importante. Plus vous superposez ce calque, plus il va être prégnant et moins il y aura de transparence, donc plus il va s'affirmer. Bah, là, l'idée, c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'éclaircis ma figurine, le simple fait de repasser une deuxième fois avec la même couleur pour éclaircir, bah, va intensifier cet éclaircissement. Donc avant de changer de couleur et d'éclaircir avec une deuxième couleur, c'est-à-dire d'éclaircir encore votre mélange, n'hésitez pas, une fois que vous avez fait un premier passage, à en faire un deuxième avec cette même couleur d'éclaircie sur une zone peut-être un peu plus réduite, et vous verrez que ça va intensifier votre éclaircie. Déjà. Avant de changer de couleur. Hop, voilà. Là, pareil, hein, sur ce plan-là d'expo, nécessairement, où je sois logique, si j'éclaircis là, bah j'éclaircis évidemment dans le creux aussi, toujours pareil. Et là, je vais éclaircir ici et ici. Voilà. Là, un petit peu là, mais pas trop. Et là, juste ce pli ici et ce pli là. Voilà. Allez, je peux refaire un petit tour ici, voir si ça marque davantage. Et oui, qu'en séchant, hein, mon éclairci s'estompe toujours un peu. Voilà, je pense que niveau pantalon, on est pas mal. Vous voyez. On pourrait aller, on gratte encore un éclairci. Comment ça, un supoyoli? Qui c'est qui veut faire un supoyoli? On la met quand, la teinte jaune? Ouais, c'est vrai, j'ai pas mis. Je la mettrai sur le chapeau. Tiens, ça m'y fait penser. Où je peux rajouter un peu de jaune dans mon mélange, là, tiens. Allez, je me rajoute une petite pointe de jaune dans mon mélange d'éclaircie. Allez, sur mon violet, là, je suis revenu rééclaircir avec ma couleur de cordelette et une petite pointe de jaune. Voilà, pour jaunir un peu mon truc. Voilà, une fois que c'est fait, je nettoie mon pinceau. Voilà, je reviens avec une belle pointe. Un peu d'humidité dans le réservoir. Je passe un peu sur mon doigt ici. Et là, on va restreindre encore. Hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous avez compris,
au fur et à mesure que j'éclaircis, bah, j'interviens dans moins en moins de zones. Hein. Sinon, je perds ma progression dans la lumière. Si je recouvre à chaque fois ce que j'ai fait avant. Oui. Voilà. Donc là, j'ai vraiment, vraiment juste traité des... Voilà, des petits endroits. Ici, là. Pof. Ici. Voilà. Je pense que ça suffira. Peut-être un peu ici, là. Allez. Un peu ici. Voilà. Ici. Ouais, j'hésite pas à remettre un peu d'humidité dans mon pinceau. Alors, soit à la bouche, hein, il y en a qui n'aiment pas trop faire ça à la bouche, mais vous pouvez remettre ça dans la palette. Hein. Voilà, vous voyez, comme c'est monté là avec le petit point de lumière là qui commence à apparaître là. Ça suffit hein, pour le pantalon, on n'a pas forcément besoin de monter plus loin. Hein. N'oubliez pas qu'il faut rester aussi dans la logique d'attirer l'attention plutôt vers le haut. Hein. Là, je vais peut-être pas en faire du coup, parce que la jambe disparaît dans l'ombre. Donc je vais revenir ici sur mon côté. Je vais plutôt faire ici, voilà, le haut de ce pli-là. Alors il n'y a pas de jaune hein, à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément du jaune là. Mais il y est dans mon mélange. Donc ça suffit à faire un éclaircissement un peu chaud. Et c'est tout ce qu'on veut. Le but, c'est pas non plus de tomber dans le jaune. Alors, on aurait pu hein, faire un OSL, enfin, monter ici au jaune. Mais ça voudrait dire que tout le reste doit aussi être retraité au jaune. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une lumière jaune vienne se poser là et pas sur le reste, hein, évidemment. Donc, on va rester mesuré. On va juste rajouter. On a juste rajouté une petite pointe de jaune. Vous voyez, je fais un deuxième passage. C'est-à-dire, comme je vous le dis à chaque fois, deuxième passage pour confirmer, hein, avant de changer de couleur d'éclaircie déjà. Confirmer l'éclaircie, c'est déjà très bien. Voilà. Là, ici, ça va être intéressant de faire apparaître ici une pose de lumière un peu plus costaud d'ici. Voilà. Voilà. Ici. Et là, peut-être juste là. Là tiens. Allez, hop. Voilà. Ça suffit. Pas plus parce qu'après ça disparaît un peu dans l'ombre. Bon bah voilà, pantalon c'est fait, pas trop l'intérêt d'en rajouter, on va rester comme ça sur notre pantalon. Pantalon c'est fait, ça c'est fait. Tiens, là je vais creuser un peu le volume, petite touche de noir, petite touche de marron, hop, ça me fait une espèce de marron foncé et je viens juste faire un petit lignage là. Tac, pour bien dissocier ma corde du reste. Voilà, c'est plus propre. Là, c'est pareil, là, les deux cordes ici. On va un peu les couper. Là. Voilà, mon petit nœud là aussi. Là. Tac, 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 tac. Voilà, on va faire sortir un peu ce petit nœud. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Chose, c'est bon. On se fait le petit nœud meumeux là. Ou le poulet. Je vais éclaircir un peu ma bourse aussi. Hein, éclaircir un peu ma bourse. Avec de l'orange. Je vais faire un cuir un peu orangé. Donc cuir un peu orangé, bah, c'est pas compliqué. Je rajoute de l'orange. Hein, un orange qui me tombe sur la main. Là, j'ai un orange. Orange goupillère. Chair mat. C'est même pas de l'orange, c'est de la chair mat. Oui. Hein, je vais prendre un orange plus. Tiens, c'est pas. Faudrait que j'utilise ça. En chair mat. Aurore. Pas mal ça. Allez. Hop. Donc là, avec ça, je vais venir mettre un peu d'aurore ici. Oula, bien le mélanger. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau, les copains? Mathieu, 3h du mat. Sniper Wolf, Zoz, est-ce que tu as déjà participé à gagner des concours de peinture ou pas? Oui. Oui, plein. Non, pas plein, mais j'en ai pas fait beaucoup, en fait. Parce que très vite, j'ai fait de la peinture pro et du coup, j'ai raté les concours. Alors, non pas que ça me fait peur ou que j'ai peur de ne pas avoir de médaille ou de passer pour un guignol. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment le temps. J'avais fait Octogone. J'ai fait un concours hier près de chez moi et je crois que c'est tout après. Après si j'en avais fait un sur internet avec des photos, je crois que c'est tout. Et à chaque fois oui j'étais primé, bien évidemment. Médaille d'argent, médaille d'argent aussi mais en catégorie confirmée, médaille d'argent master et j'ai pas une médaille d'or, non.
Et je sais plus ce que j'avais fait à l'autre. Je sais plus. Le poulet. Bah oui, je vais faire le poulet, les gars. Oh, je se goûte. Toujours éclaircir ses bourses. Mais oui, toujours éclaircir ses bourses, les gars. Vous avez compris. Masterchef, carrément. Tu l'as reconnu? C'est mon tablier Masterchef. Ah, je suis un Masterchef, moi. Je fais des coquillettes, mon gars. Coquillettes jambon. Je peux te dire que c'est des coquillettes jambon de haut vol. Ah, je suis un vrai Masterchef. Allez, j'ai réussi à sortir du orange, non sans mal. Tiens, orange pur, voir un peu ce que ça donne. Donc là, je vais à l'orange pur, je teste un peu, là, en éclaircie maximum, parce que, par la transparence, évidemment que une couleur, quand elle est orange dans ma palette, quand je la pose, ça va pas faire du orange. Ça va faire un truc qui ressemble... qui se rapproche du orange mais qui est pas de l'orange. Voilà, donc là je teste, c'est un orange très violent, mais voilà, c'était pour but de tester un peu où c'est qu'on allait. Et maintenant je vais un peu estomper tout ça. Boum 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 bim bam bim bam boum. Voilà. Ici. Hop. Un petit peu. On va revenir avec un petit peu de marronnasse sur le dessous là. Voilà. On mélange, on fait un peu ça dans le frais. Ça donne de la texture à notre bourse. C'est pas plus mal. Voilà, pour ce premier passage. On va laisser sécher. On reviendra plus tard. Ça c'est bueno, ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Là, je vais passer un petit jus pour ombrer tout ça. Donc, j'ai mon petit jus là que j'avais fait là, de Strong Shade. Là, c'est pas mal ça. On va continuer avec le Strong Shade. Strong Shade. Strong Shade. Ici. Allez, hop. Donc, je prends pas mon beau pinceau. Toujours pareil. Quand je fais des lavis, des glacis, j'essaie plutôt d'utiliser mes pinceaux One Again. C'est quoi ça? C'est plus mon beau pinceau. Je sais plus ce qui est mon beau pinceau, pas mon beau pinceau. C'est pas bon signe, ça. C'est-à-dire que je suis en train de flinguer mes pinceaux, les gars. Ça. Oh, je crois que c'était celui-là. Il me semble. Je ne suis pas tout à fait celui-là. En tout cas, c'est pas celui-là. Allez, hop. Où c'est que j'ai mis le shade? Là. C'était pour faire quoi? C'était pour faire ça. Hop. Voilà. Première chose, déjà. Un bon petit shade des familles bien chargé, et après on viendra faire la propreté de tout ça. Voilà les copains, c'est bon. Ah, il y a la caméra qui s'est coupée. Oh, j'ai eu souci. Alors, je sais pas ce que c'est. Je vais régler, hein, vous inquiétez pas. Désactiver, activer. Ok, caméra freeze. Je crois qu'il faut que je débranche. Je sais pas pourquoi ça arrive de temps en temps. Depuis aujourd'hui, ça m'inquiète un peu. Parce que de là, devoir acheter une nouvelle caméra, ça va vite me les briser. Alors, on va essayer. Désactiver. Activer. Ok. Ça marche? Non. Ça marche pas. Ok, il me bat. Ça marche pas? Oh non, mais dites pas qu'on va avoir... On va pas planter le live à cause de ça quand même. Attendez. Je redébranche. Restons calmes. On rebranche. Ici. Allô? Oh non, me dites pas que ça marche pas. Désactiver. Ok.
Oh, fait chier ça, dis donc. Coucou les gars, vous allez bien? Mec qui meuble. On va essayer de faire redémarrer. Pas grave, bah si, c'est quand même un peu chiant. Si on a la caméra qui frise, c'est quand même un peu chiant, les gars, quand même. Je vais essayer de la changer de trou. Peut-être c'est mon USB qui est foireux. Alors, qu'est-ce que ça dit? Mon Dieu, ça ne détecte plus la caméra. Alors là, on va être emmerdé, les copains. Bien comme il faut. Bien comme il faut, bien comme il faut. Bien comme il faut, bien comme il faut. Comment je peux faire? EBS utilise le micro, oui, c'est logique. Masqué. Je vais essayer un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui utiliserait ma caméra? Des fois que. Non, 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 non. Ça, fin de tâche. Photo, non. Bon, a priori, on est bon. Je retente. Croisant les doigts. Il faut que je vois ici, peut-être. Désactiver. On va rebrancher ça. Oh, chier, tiens, ça reboot la cam. Bah, c'est ce que j'essaye de faire en fait. J'essaye de rebooter la cam. Ouais, c'est bizarre en plein live carrément. Ouais. C'est l'autre caméra qui me l'avait fait là, où je sais pas si vous vous souvenez, sur la palette. On avait eu ces soucis une fois. Activer. Oh merde! Fait chier ça, putain! Désactiver. Ok. Et si je change de scène? Non, c'est pareil. Ah bah ouais, carrément que ça casse les couilles. Caméra peinture. C'est webcam 901. D'accord. Bon, bah là, elle apparaît plus du tout. Donc là, tout va bien. Là, tout va bien. C'est pas le câble, il serait tordu ou quoi. Il n'a pas l'air cassé le câble du tout. Il n'a pas l'air d'avoir souffert. Alors, on va réessayer. Caméra peinture activée. Oh là là, c'est dingue. Est-ce que ça peut se rebooter une cam? Là, il n'y a carrément plus rien qui bouge là. Pourquoi ça marche pas? Ok. Oh, je suis désolé les copains. Comment on va faire? Tu vas devoir peindre devant une caméra visage. Ouais, oh, super. Hein, caméra peinture. Ou alors, attendez, je vais tenter un autre truc. Bon, je tente une dernière fois un truc. Ok. C'est un truc de dingue. Alors attendez, je vais essayer d'arrêter le streaming et de relancer. On va voir. Ouais, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Alors, je reviens dans 30 secondes les copains. J'essaye de voir si ça... Si... Coucou les copains, normalement c'est revenu. Bon,
Ben écoutez, j'espère que ça a repris normalement. Ça fonctionne? Je pense que ça marche. Oui, ça marche. Aïe, nickel. Putain, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, ce qui m'emmerde, c'est que je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Ça, c'est un peu casse-bonbon. Bon, écoutez, on va continuer. Alors, j'en étais où? En croisant les doigts que ça aille au bout, les copains. Là, j'ai basé, là, j'ai fait, là, j'ai fait. Je vais me faire un petit jus là aussi, mais je vais prendre un autre jus. Je vais prendre un jus un peu plus marron de l'Agrax Earthshade. Il est où mon Agrax Earthshade? Il est où mon Agrax Earthshade? Il est pas là. Ça, c'est du gloss. On s'en fout. C'est pas ça que je veux. Là, j'ai de l'Agrax Earthshade. Alors pourquoi je prends de l'Agrax Earthshade? Parce qu'il est un peu plus marron. Donc je pense que ce sera plus intéressant. Parce que j'ai envie de me mettre un petit jus marron là partout. Donc pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne prend jamais son beau pinceau pour faire des conneries dans le genre. Hein. On prend toujours son pinceau un peu défonce. Voilà. Allez hop. On est parti, mon kiki. Donc là, bah, hey, pas de secret, on badigeonne. Vous voyez, le socle est hyper texturé. Donc faut pas s'en priver. Hein. Voilà, donc j'en mets partout. J'en mets partout. Donc j'en mets partout. Voilà. Je vais en mettre aussi ici sur mon sol. Hein. Allez, il y a des creux là dans mon bois. Là. Ça va venir les chercher tout seul. Mais oui. Donc on se prend pas la tête. Pouf. Voilà. Ça, c'est fait. Ça va sécher tranquillement. Voilà, j'ai mon sol qui commence un peu à être refait. Qui commence un peu à être refait. Tiens, j'en ai oublié là-bas, là. Pouf. Voilà. Bon, eh bien, on est pas mal. On est pas mal. On va éclaircir notre chapeau. Alors, sur notre chapeau, c'était quelle couleur? J'avais utilisé ça. Là, je vais mettre un petit peu de jaune. Je vais éclaircir avec du jaune mon chapeau. Donc, je prends mon marron que j'ai utilisé en couleur de base chapeau. Je reprends un peu de jaune. Là, je me fais un mélange. Et on va venir travailler mon chapeau avec ça. Allez, on est parti, mon kiki. Bonsoir les pintouilleurs, bonsoir la gâchette. T'as du bol la gâchette, je sais pas si tu viens d'arriver, on a eu la caméra qui a planté juste avant les copains. Ça y est, ça marche. Ben ouais, ça marche, mais j'espère que ça va pas. Oh, oui, revenu, faudra penser à changer de cam. Ben ouais, je sais pas pourquoi elle rend l'âme, parce que je l'ai pas. Pourtant, je m'en occupe bien de ma caméra. Ça m'inquiète un peu. C'est chiant. C'est chiant, parce que si on doit investir dans une cam, les gars, là pour le coup, ça va être un peu rush. Ou alors, peut-être que j'ai fait exprès de faire croire que ma caméra ne marchait pas pour vous obliger à typer. Ce serait malin, ça. Ça, ce serait malin, dis donc. Bon, si ça recoupe, ben, on retentera la même manip. Et si c'est vraiment chiant, ben, on finira en chat vocal, les copains. Hein. On se racontera notre vie et puis j'essaierai de régler ça pour la prochaine fois. Voilà, là, j'ai refait ma bourse. Hein. Voilà, je mets un petit peu de noir aussi, là. Pouf. Aller chercher un peu les creux là, ici, un peu les creux là. Voilà. Et après, voilà, ici, ici, ici. Ou alors c'est peut-être Madame Tipeee qui a tenté de saboter mon. Ce serait possible, hein? Tellement fourbasse. Tellement les fourbes. Elle a le mal en elle. T'aimerais pas que ce soit elle, tiens. Voilà, là je viens piocher dans mes oranges, mes marronasses, voilà, pour faire un peu de bourse. J'hésite pas à faire des petits tapotis, pour la texturer un petit peu. Voilà, en séchant ça rendra un truc intéressant, je pense. Là ça va sécher tranquillement mon chapeau. Donc déjà je vais revenir avec ma teinte de base. Je vais essayer de ramener la lumière au centre du visage, donc ici. C'est-à-dire que le côté du chapeau je ne vais pas trop y toucher. Je vais ramener ma lumière sur le devant, là, ici. Là. Donc là, c'est plus moins que la teinte de base. Sur le dessus, là aussi, là, il y a une petite bosse. Là. Voilà. Il y a des parties là qui sont un peu molletonnées là du chapeau si on regarde bien. Donc on va essayer de les toper. Là, 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 là aussi. Là,
Là, il y a une belle partie lumineuse, là. Voilà, premier éclaircissement assez rapide. Ah, je vais refaire la mise au point. Non, ça y est, elle s'est faite toute seule. Second passage, couleur plus claire. Hop, pareil, je centre l'attention ici, donc j'éclaircis pas tous les côtés. Je ramène la lumière au centre, vous voyez, ici, là. Ici. Donc je pars de là, je viens là, je pars de là, je reviens là. Et c'est toujours là où finit mon pinceau, son mouvement, que le plus de pigments se dépose. Donc ça, j'en tiens compte dans ma manière de bosser pour ramener hop, un peu les pigments ici sur le devant. Voilà. Là, on va quand même un peu travailler ce côté-là aussi. Là, sur l'arrière, pareil. Hop. On va essayer de centrer l'attention là, sur le centre. D'accord ? C'est-à-dire, je ne fais pas qu'une luminosité haut-bas. J'essaie aussi de centrer l'attention sur les côtés, c'est-à-dire sur les extérieurs, ramener la lumière un peu vers l'intérieur quand les volumes s'y prêtent. Hein. Là, ça s'y prête bien. Après, quand il y a des bosses, je les traite, hein, évidemment. Hein. Pour rendre le côté un peu molletonné de certaines parties du chapeau. Mais toujours, paf, paf, voilà, gauche, droite, pour centrer la lumière ici. Pour l'instant, ça se voit pas trop, mais... Voilà. Encore un petit coup, là. Petit passage. Un peu sur le bas, là. Voilà. Et un peu le dessus du chapeau. Voilà, j'ai pas à faire remonter un peu mes pigments à certains endroits. À les pousser sur l'extérieur à d'autres. Voilà, toujours un peu le principe de là où mon pinceau finit son mouvement, les pigments viennent se déposer. Je me refais encore un petit... Alors, attendez, je vais regarder juste un truc. Voilà, je me refais encore un petit passage là, ici, plus clair. Vous voyez, hop, on commence à monter un peu en lumière. Je viens fondre ça pour que ce soit un peu plus... Voilà, là sur le dessus. Là. Voilà. Là, la lumière commence à se concentrer un peu. Je fais des petits coups de pinceau parce que ça donne de la texture, donc c'est pas inintéressant d'avoir un peu ce côté texturé. Là, le bord du chapeau, là, c'est bien aussi d'avoir un petit bord de chapeau qui se dessine. Voilà. Vous voyez, on est doux dans les éclaircissements, on monte petit à petit. Hein. On va pas... On n'hésite pas à faire des petits traits qui descendent, ça donne un peu de la texture. Sur les bosses, ben, on va taper les volumes. Tant pis si c'est pas super bien fondu, on pourra faire nos fondus après. L'essentiel, c'est d'aller attraper notre lumière déjà. Voilà, excusez-moi si je suis un peu hors cadre. Voilà. Allez, on monte encore. À chaque fois, là, vous ne voyez pas, mais je rajoute un petit peu de la couleur que j'ai utilisée dans mon cordage. Ici, petite pointe de jaune aussi. Tiens, j'ai oublié de faire les pointes de jaune. Ouais, j'ai oublié de faire la petite pointe de jaune, c'est pas bien. Hop, là, j'ai pensé à le faire. Voilà, ici. Sur l'arrière, tac tac, les petits volumes, voilà, ici et le dessus du crâne. Ah, c'est un peu flou peut-être. Il faudrait que je règle la caméra pour faire un fixe. Ouais, je vais régler la caméra. J'espère que ça va pas la faire bugger. On touche, je croise les doigts. Caméra peinture. Configurer la vidéo. Ouais, ok. Pour l'instant, ça bug pas. Mise au point.
Ouais, c'est un peu flou quand je traite le dessus, donc je suis obligé de passer en automatique hein, sur la mise au point. Ouais, appliquer, ok. Ouh, ça n'a pas bugué. Là, c'est là que je vais porter la mise au point. La mise au point sur mon doigt, tu veux pas? Salopard. Non, il veut pas, hein. Ah si, ça y est. Alors, hop. Petit point de lumière ici, tac, 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 tac. On a des petits points, hein. On n'a pas besoin d'être très précis. On veut suggérer une matière qui est un peu vivante, un matériau. Donc, c'est pas très grave si c'est pas clean. Parfait, parfait. C'est pas le but. Hop, hop. Et hop, voilà. Ça ira pour la lumière. Voilà, on a ramené la lumière à l'avant du chapeau. D'accord ? Voilà, ici, avec un point de lumière ici. Vous voyez, centré ici. Et ça me va très bien. Et ici, petite pointe de lumière là. Pof. Voilà. Voilà. Très bien. Ça suggère un peu l'arrondi, vous voyez, avec une lumière qui vient se poser ici, au milieu là. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on ne fait pas qu'un éclairage au bas, on fait un éclairage gauche-droite. Et vous voyez, là encore, on peut attirer l'attention sur le visage, et puis ça donne de la rondeur au sujet, d'accord? Ça lui donne, ici, de la rondeur, cet aspect arrondi, hein. J'exagère un peu avec mon pinceau pour montrer le mouvement. Mais du coup, je vais augmenter ma luminosité ici, là, tac, pour bien rendre, suggérer cet effet arrondi. Voilà. En séchant, ça va s'estomper, hein. Vous allez voir. Pouf. On voit d'ailleurs même à l'œil nu apparaître un petit peu. Vous voyez comme ça s'estompe quand ça sèche. Ça disparaît presque. Voilà. Bon, ça c'est fait. Sur l'arrière, on peut faire un peu la même. Ouais, vite fait, parce que c'est l'arrière, c'est pas non plus. Voilà, donc on va juste un peu pousser là. Là. Donc vous voyez, je ne fais pas tous les plis, je fais juste là. Et là. Pour concentrer ma lumière. Ici. Et on va faire pareil ici. Hop, amener un peu de lumière ici. Voilà, donc là je fais mon bord de chapeau. Voilà, et c'est tout. Donc, si en séchant, ça va tranquillement s'estomper. Parfait. Voilà, ça souffle là. On a une progression, ça va bien. On a notre chapeau là. Et puis très bien. Chapeau c'est bon, chemise c'est bon. Il nous restera les traces de sang à faire. Le petit nœud-meumeux là. Allez, on va se faire le petit nœud-meumeux. C'est quand même ça important aussi de faire le petit NMM. Sur des surfaces planes comme celle-ci, il va falloir choisir un angle particulier. On ne va pas s'intéresser à ça pour l'instant, parce que ces petits zigouigouis, là, ils nous ont gêné plus qu'autre chose. Ouais, casserole en cuivre. Je n'ai pas trop, d'idées sur la couleur pour faire le cuivre. Ça fait longtemps que je n'ai pas peint de cuivre. On va improviser quand on sera à la casserole en cuivre. Voilà. On verra bien, les copains. Là, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense qu'on va amener de la lumière ici. On va essayer... Tiens, de faire sur la pointe ici, pas une grande lumière. Ici, pas forcément une grande lumière non plus. Voilà, on va essayer de la faire un peu comme ça. Je crée un espèce de petit pattern là, pour me rendre une lumière, avoir une idée un peu d'une lumière que je pourrais bosser. Un truc un peu arrondi comme ça, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. On va laisser sécher ce truc-là. Poser un peu de noir, là. Vous voyez, j'ai pas laissé sécher complètement. Du coup, quand je suis revenu avec mon pinceau, ben, j'ai tout salopé. C'est pas très grave. Je reviens ici avec un verre un petit peu plus clair. Ici. Voilà. Et on va se le faire en NMM un peu... un peu, comment dire, un peu texturé. Allez, on va se faire ça comme ça. Hop, hop. Là, dans le frais, je viens taper avec un peu mon gris clair. Voilà, je vais venir ici, hein, marquer une démarcation. Ici, c'est bon. Ça, c'est fait. Je vais venir ici après avec mon gris que je vais éclaircir avec une petite pointe de crème. Je me fais un petit mélange là sur ma palette. Gris et crème. Voilà.
Vous m'entendez changer de pinceau, hein, vous entendez clic-clac, c'est que je change de pinceau. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'essaie de garder mes beaux pinceaux pour faire plutôt des travaux un peu soignés. Et les pinceaux pas terribles. Toc, toc et toc. Voilà. Un peu dans cette idée-là. Voilà, ici, il va falloir un petit peu plus de lumière. Ici, là, sur tout ce plan-là, hein, finalement. Ouais, sur tout ce plan-là. Ici, du coup, on va dégrader un petit peu. Ici, on va dégrader encore un peu. On va venir ici après avec un peu de noir, là aussi un peu de noir. Voilà, je pense qu'on va pas être trop mal ici. Petit liseré blanc ici pour le tranchant. Voilà, on atténue un peu. Voilà, quand c'est un peu trop, quand c'est trop tranché, on atténue un peu. On a un peu ce qu'il faut dans notre palette pour corriger tout ça. Allez, on vient mettre en valeur nos tranchants avec du blanc. Ici, donc là, c'est pas du blanc, c'est de l'ivoire, mais. Toujours après important de revenir taper les arêtes. Est-ce qu'on reste sur ce tranchant là? Ouais, c'est pas mal là. C'est pas mal. T'arrives en retard, mais c'est pas grave. Alors Guillaume, j'ai sorti la mini enceinte, je suis à fond du son sur l'ordi et sur YouTube, à moins de sortir mes enceintes de studio, je peux pas mieux faire. Ah, le son est peut-être un peu faible, sinon coupez la zic chez vous, Romain et Malou. The Studio, si tu peux remonter un poil le son de ta voix, mais aussi je t'entends moins bien depuis le reboot. Ah, d'accord. Eh bien écoute, on va monter le son de ma voix, il n'y a pas de souci. Je vais faire ça. Hop, après je parle peut-être un peu moins fort aussi. Là, est-ce que c'est bon les copains? Là. Là, normalement, vous devriez mieux m'entendre. Hein, vous n'hésitez pas à me dire. Mais normalement, ça devrait être meilleur. Après, je parle aussi peut-être un peu plus doucement. Quand je me concentre, j'ai tendance à baisser le son de ma voix. C'est vrai. C'est une erreur. Ce n'est pas bien. Il ne faudrait pas que ça arrive. Mais malheureusement, ça arrive. Voilà. Un petit peu de noir. Hein. Hop. Voilà, j'essaie de sculpter un peu du NMM qui me plaise, mais bon. Alors, des fois, je tricote un peu, vous voyez, des fois, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. J'y vais jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui apparaisse qui me fasse dire, oh, tiens, c'est pas mal cette manière de faire, là. Voilà. On va revenir ici. Tac. Voilà. Ici, ça m'a l'air pas trop mal. Moi, je pense que je vais garder comme ça. Là, ici, on va faire un peu blanc sur le dessus, là. Et puis, on va descendre au marron. Au noir, pardon. Donc on va faire notre petit NMM comme ça. NMM assez court là. Sur une petite surface. Tac, tac, tac. Voilà. Pardon, je recadre. Pardon. Ici, de l'autre côté. Hop,
nous arrête ici, là. Bim. C'est juste pour avoir une idée un peu de l'imprimé général, parce qu'évidemment, on va pas garder ça comme ça. Voilà, ça donnerait un truc dans ce style. Pourquoi pas, on pourrait presque le garder comme ça aussi. Là, je vais faire remonter ma lumière ici en pointe. Voilà, un peu de marron ici. Un peu de gris ici, pardon. Je dis marron alors que pas du tout du marron que je traite, bref. Et là, excusez-moi, je suis recadre. Je me déconcentre là. Hop, voilà. C'est ça qui m'intéresse de traiter. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, c'est un peu flou. Voilà. Là, c'est fait, là, c'est fait, là, c'est fait. Et là, on va ramener un peu de lumière ici quand même sur la pointe. Voilà. Pas clean, c'est pas propre. Mais on s'en fout, je cherche pas forcément à faire un truc très propre. Je vais venir tapoter avec du orange pour suggérer un peu de rouillasse. Un peu de rouillasse avec un pinceau pas trop au bon état. Donc je prends un espèce de marron là que j'ai dans ma palette. Là, ça fera très bien le job ça. Voilà, ici. Ouais, je tape un peu de marron là, ici. Voilà, là, je l'enlève un peu. Je vais venir surtout le tapoter de là, là. Ici. Là. Voilà. Marron là, moi ça me va bien. Voilà. Et on va venir faire la même chose ici. Un marron. Ici, je viens bien le tapoter parce que j'imagine qu'autour de ces rivets métalliques, vous voyez, on a notre rouillasse là qui peut bien se caler là-dedans. Hein. Donc ce serait pas étonnant. Voilà, qu'on ait un peu rouillasse comme ça. Là, j'utilise un pinceau un peu défoncé. Un peu foncé, pardon, parce que ça suggère d'autant mieux le côté anarchique de la rouille. Alors, aux endroits où, bien sûr, j'ai perdu ma lumière, je viens la retrouver, hein, je viens remarquer ici ma zone de lumière, parce que la rouille, sur les éclats, je dois toujours rester en clair. Hein. Donc, je vais revenir ici, taper en clair, là. Voilà. Là, ici. Là, ici. Ça vient prendre la lumière ici aussi. Voilà, là ça marche. Là de ce côté, on va devoir faire pareil. Petit éclat ici, c'est bon. Il faut aussi que j'ajoute maintenant des petits points, des petits surlignages noirs là pour suggérer le creux des lignes là que j'ai créé là. D'accord, j'ai voulu créer des petites aspérités donc. Le dessous prend la lumière, l'arrête, mais le dessus, petit trait noir. Là, pareil, hop. Voilà. Il y a des endroits où c'est bien fait. Là, ça va, là, ça marche. Là, il faut le marquer, là aussi. Quand c'est un peu trop marqué, bah, c'est pas grave. Je viens réduire ici. Avec un petit trait. Quand j'arrive à l'attraper. Voilà. Ici, là, par contre, là c'est noir. Donc là, tac. Voilà, après, vous voyez, bon, après on rentre dans le détail parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait notre imprimé général, on va aller chercher les petits détails. Mais vous voyez, on va chercher ces petits détails que vers la fin. Là, je mets des petites pointes de blanc, vous voyez, des petites accroches de lumière. Là. Là, ici. Là. Hop. Là ici là, petite lumière là. Voilà. Là ici aussi. Voilà, un petit point de lumière là. Et après, j'hésite pas avec un pinceau très fin. Donc là, je dis, je trempe mon pinceau, je vais chercher un tout petit peu de peinture blanche, je viens bien essuyer mon pinceau sur le sopalin et je garde vraiment
du très blanc assez fin et je vais venir faire des petits. Des petits oui comme ça. Voilà, pour suggérer un peu. Donner un peu de la texture au métal. Oui, ça marque à peine, hein. En séchant après ça disparaît même. Hein. Et c'est le but. Voilà. Là c'est fait. Ce que je peux faire, je vais en rajouter une toute petite pointe de noir ici pour créer un beau noir quand même un peu plus profond, là, un peu en arrondi là. Voilà. Là, ça me plaît un peu plus. Voilà, j'essaie d'aller chercher un petit effet noir un peu plus arrondi là, qui épouse un peu la forme de du métal. Voilà. Voilà. Là, c'est un peu plus joli. Bon, ben voilà, on n'est pas trop mal. Pas trop dégueulasse. Là, on peut aller chercher aussi un petit effet noir, là. Discret. Voilà. Pareil, ça marchouille, c'est l'intérieur. Là, ici, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, le petit effet lumineux, là, on est allé chercher. On va se créer un petit peu plus de profondeur là dans ce NMM. Voilà. Ici, je vais venir tapoter. Vous voyez, je tapote ici hein, vraiment pour créer un petit dégradé vite fait, voilà, histoire d'avoir une progression un peu plus souple ici. Voilà. Et là, les petits points blancs vraiment finaux là, tac. Voilà. Petit trait blanc comme ça pour aller chercher notre lumière. Bon ben là c'est pas mal, ça me va bien. Voilà, critchek vivement le prochain confinement qu'on puisse peindre. Ah bah ben oui les gars. Alors des petites, bon la caméra marche encore. Tape un peu critchek, marque l'arête du dessus, manque l'arête du dessus à l'intérieur. Manque l'arête du dessus à l'intérieur. Je ne vois pas de quoi tu parles. L'arête du dessus. Ah là tu veux dire peut-être. Là, il faut que je vienne chercher. Il est un peu trop grand, ce blanc-là. Donc, je vais venir un peu rajouter un peu plus de marronasse. Voilà. Ici, ça me plaît davantage. Et je vais réduire un petit peu mon petit trait lumineux, là. Pouf, il était un peu épais. Bon, après, ça reste une figurine de jeu, pas non plus. Pas non plus y passer la vie des rats les copains. Voilà et voilà. Alors pour intensifier un peu notre rouille, parce que là notre marronasse il est un peu tristoun, on va venir tapoter du orange un peu à certains endroits. Tac, voilà, pas partout. Voilà des petites pointes comme ça qu'on peut après un peu estompé. On peut faire le tour avec de l'orange très dilué. Orange très dilué pour aller taper un peu le tour des rivets, là, comme ça. Voilà. Et quand c'est trop marqué, après, on vient l'estomper. Voilà. Donc, en fait, vous avez vu ma technique, je mets la dose et après, je viens retirer. Chasse de marron ici. Voilà, ça me fait un petit peu un truc un peu plus graphique. Voilà, je peux en faire un peu. Alors, je suis pas obligé de surcharger non plus parce qu'après le problème c'est que ça peut attirer un peu trop l'attention. Voilà, donc on peut se faire juste des petits trucs comme ça. Voilà. Voilà, on les fait ici. Ça ira très bien. On va pas pousser davantage. Et un peu de sang, mais ça je le ferai
Après ou maintenant? Ouais, j'ai fait les choses, j'ai fait le petit manchon de hache là. Faut que je l'éclaircisse quand même. Le petit morceau de bois qui sert de manche. Donc j'avais utilisé cette couleur là. Faut que j'en remette, c'est sec. Donc je vais remettre un peu. Hop. Et on va éclaircir un peu ce petit manche là. Voilà. Hop. Donc là, on va pas pousser très loin le délire. On va juste suggérer la forme avec un petit éclairci ici sur le dessus. Voilà, ça suffit. Pas plus, pas moins. Ici, ici. Voilà. Qu'après, ça aurait pas trop d'intérêt de venir faire un peu plus ici. Ouais, je peux ombrer un peu, mais bon. Rebonjour ma pétounette. Figure-toi que la caméra s'est arrêtée, dis donc. Arrête. Ouais, une petite pause de 2-3 minutes. Ah bon? Ouais, je sais pas d'où ça vient. C'est-à-dire c'était figé? Ouais, figé, complet. Ah bah Tu n'aurais pas idée de ce qui s'est passé par hasard. Non, j'avais pas trop le temps de m'occuper de ta caméra en D'accord. fait. Par contre, j'ai plus l'écran là. Ah, faut allumer la télé. C'est plus sur le verre. J'en sortais plus. Voilà. Le retour de la patronne. Et voilà. Avec une petite pointe C'est quel ici. niveau de peinture cette figouse demande Mika du 24. Oh, il n'y a pas trop. C'est assez, c'est compliqué à dire parce qu'en fait, il y a différents niveaux de peinture sur une même figurine. C'est-à-dire que si tu prends le gilet, mon gilet, je l'ai bien poussé, je suis sûr du niveau 2-3. Si tu prends la peau aussi, après, si tu prends le reste, le NMM, c'est du niveau 2, par exemple, plutôt. Il y a un peu tout. Quand je fais des figurines pour moi, je suis pas très objectif sur les niveaux, puisque je fais des trucs qui m'inspirent plus ou moins. Et je pousse un peu, des fois plus, des fois moins. Donc il y a un peu tous les niveaux là. Guillaume, il a dit, je crois un peu plus haut, moi je mettrais du sang sur le bide un peu, non? Oui, on va le faire. On va le faire. Avant de faire ça, je voulais juste faire. Je fais mon poulet. Bah tiens, vous allez me dire, on fait le Tu poulet fais ou on du fait le poulet sang? ce soir, mais il est tard, mon gars, pour cuisiner. Mais c'est une bonne idée pour faire un poulet Est-ce que je demain. fais le poulet ou est-ce que je fais du sang? Ce que vous voulez, les copains. Vous me dites si vous les chefs, hein. Si vous les boss, hein, les gars. Vous ramenez des bières, Madame Tipeee. Non, je ramène du fromage parce qu'on n'a pas fini de manger tout à l'heure. On a été un peu à la ramasse aujourd'hui. Je vais mettre un peu de bouillasse marronnasse dans Guillaume, les creux. comme si Dame Tipeee savait pas allumer la télé, le gars. Non, mais tu sais, il connaît mon côté boulet, hein. Tu vois que je t'ai pas vu? Donc là, je fais un peu de filtre marronnasse parce que ça va salir un peu les creux et ça fait un peu la boue qui s'est posée entre les interstices Du sang, du sang, du sang, du du sang, du sang de sang. Vous voulez du pichy. Et sang? Guillaume, il dit le poulet et le sang. Malou, Bon, elle dit le poulet. bah allez, j'attaque le poulet, je fais le sang. Corlo, il dit la jambe par terre. Ah ben, on peut pas tout faire. Bon, je fais le poulet et je fais le sang. Alors le poulet, j'ai mis un marron rouge en base. Je vais maintenant faire un mélange de marron rouge avec une couleur de chair. D'accord? Donc je mets un peu de chair. J'ai pris du golden skin. Vous prenez n'importe quelle chair qui vous tombe sous la main. D'ailleurs, je vais pas prendre le golden skin. Je vais prendre plutôt le Le poulet dit au skin Romain. tone. Allez, le poulet. Donc on a fait une base rouge parce qu'on veut rendre un peu le côté rosé du poulet. D'accord? Donc c'est pour ça que je suis parti sur une couleur de base sombre qui est un marron rouge. D'accord? Ça va me faire ma base sombre de ma peau. Adeptus, il dit comme tu veux, il paraît que tu finis aussi tard que Iggy ce soir. Ah Bah bon? sans moi les gars. Ah bon? Marc Gervais, la jambe et après le sang. Le ver naturel, le sang de poulet. Le sang de poulet. Alors voilà, là j'ai fait un mélange de marron rouge et de roro beige, couleur de peau. D'accord? Je vais maintenant, grâce à ceci, attraper les premiers volumes de mon poulet. Ici, ici. Dit comme ça, c'est très étonnant, hein, cette phrase. Comme... Bref, Ici. attraper les volumes de mon poulet, c'est quand même Voilà, étrange. j'attrape les volumes de mon poulet.
Avec un Guillaume pinceau. Dit, alors moi je voudrais faire part de mon mécontentement, les oeufs. Vous voulez savoir? Oui, dis-moi. Oh oui, narlanou, narlanou. Qu'est-ce qui va pas? Confiez-vous, tiens. Si vous avez des soucis, parlez-nous-en ce soir. Des soucis avec votre patron, votre femme, parlez-en. Non, on va. C'est avec nous. Hein, il n'est pas content. Ah. Oh, j'ai pas pris une assiette pour le fromage. Comment je vais faire pour le petit chef? C'est un cruel problème, ça. Ah oui, on avait dit le friand Adidas sur les baskets. Mais de quoi vous avez parlé? Quel truc Adidas? Ah bah, j'ai pas su, puis ça, friand Adidas, je devais être en train bah de... Bah voilà, alors ma je suis pas là, et c'est n'importe quoi, tu lis plus rien, quoi. Donc comment je vais m'organiser? Il n'y a pas de quoi poser un plateau de poulet... Un plateau de poulet, un plateau de fromage et du pain, ici. Mais c'est quoi, voilà, ça? Voilà, premier éclaircissement sur le poulet. Vous avez vu, pas compliqué. On prend une teinte un peu entre les deux. Hein, du 50-50. On croule un peu trop sous les commandes, mon cœur. Il y a trop de cartons dans cette mezzanine. Non, mais dis pas ça, les gens, ils vont croire que j'ai plein d'argent. Non, mais c'est un truc de dingue. On dirait que tu fais une revente de cartons. Je sais pas. Oh, dis donc, ça schmouque. Ouais, ça pue. Hein. J'ai ouvert le truc de fromage. Oh la vache. Ouais, je crois que c'est le. Oh, ça sent la petite fille qui se néglige. Oh, j'aime pas cette expression. C'est nul, c'est crade. Voilà. Alors Guillaume il dit je suis en manque de review chez Iggy car on a aussi des pitous à montrer chez Iggy. Ouais, il fait aussi des review figues. Moi j'en ai fait un avec Fred du culte du dé qui peut-être est là d'ailleurs parce que souvent le jeudi soir il pindouille et puis il me met en fond. Il me met en fond, il me respecte plus. Il me met en fond comme ça, comme il y a Josette. Donc voilà, première base du poulet, ça me permet de rester sur des tons rouges, vous voyez, c'est-à-dire que ça monte en lumière avec une couleur chair, mais comme l'ombre est un petit peu rouge, ben votre œil il perçoit encore cette teinte rosée là dans la chair. Hein. Ça permet d'accentuer un peu le côté rosé. Je vais encore monter, avec cette fois-ci en rajoutant un peu de blanc. Parce que vous savez, le poulet, quand il est mort, il est un peu blancasse. Oh, écoute, on va manger le fromage. Hein, hein? On va manger le fromage, c'est dur ce que tu racontes là. Ah oui, oh bah oui. Ça, c'est le bec de poulet, je pense. Je ne devrais pas faire cette couleur. Non. Bon, c'est pas mal. Le bec de poulet, c'est quoi? C'est orange, un poulet, hein? C'est quoi? Un bec de poulet. Rien. J'ai plus trop les couleurs. Hein. Je ne sais pas, mais parle pas de ça, Burk. Donc voilà, donc là. Alors, Mika du 24, il dit quand on n'a pas de tête, on a déjà Madame Tipeee pour l'assiette de fromage. C'est vrai. Marc Gervais, Solène a trouvé le problème, Madame Tipeee. Le problème de quoi? Check. Je suis là depuis peu et je vois un caleçon à l'envers sur la tête de Zeus. Pas du j'ai tout. J'ai manqué un truc. C'est... Pas du tout. Guillaume, c'est nul. En voilà. Plus, ça sent poisson, les petites femmes qui se négligent. Oh. 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 Oh, les copains, vous êtes dragoûtants. C'est plutôt dans les tons marronnasses, je pense. Quand Louis l'a dit, poulet. Fred a dit qu'on était des brutasses, je cite. Ah, en peinture? Pardon. Oh, sûrement. Guillaume, bref, review Iggy, alors Zeus, on fait quand? Ah, bah, je sais pas, bah, ça c'est Iggy le patron. Hein. Déjà, faut qu'on va faire une émission avec Iggy, faut que je l'invite. Comme j'ai invité Fred, on va essayer de caler un truc avec Iggy. Mais d'habitude, c'est pas Iggy qui invite? Si, si, aussi. Hein. Mais là, bon, il a fait d'autres trucs. Hein. Il a fait d'autres émissions. Je n'ai pas trop suivi ce qu'il a fait. Je crois qu'il a fait une émission un peu périodique, là. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, ça parlait de jeu, j'imagine. Voilà, j'ai éteint un peu le bec de poulet parce que j'imaginais que le bec de poulet. Je sais pas trop quelle couleur c'est. Bah, va chercher. Va chercher. J'ai pas mon portable là. Tape-moi tête de poulet oh, mort. Non, mon cœur, je suis sur le chat en même temps. Il est où mon portable? Avec mes copains. Il n'y en aurait pas un qui me dirait quelle couleur on fait une tête de poulet mort. Ouais, je suis étonné. Alors, tête de poulet pour mort. Pour l'instant, mange ton bout de fromage. Qu'est-ce que c'est ça? Blonde forte poitrine. Je oh. Que c'est pornub. Alors attends, voilà. Tête. Poulet. Mort. Photo de tête. Guillaume, de il dit, il m'a donné ses dates. Ah. Ah, c'est un peu. Ok, je vois. Je vois le genre. Ouais, c'est un peu rouge. C'est un peu marrant. Un peu rougeasse. Alors, écoutez, on va revenir avec un peu. Tissi BZH, bon je te dis Tissi, hein, Christian, ouais. Tissi, tu m'excuses. Hein. Madame Tipeee, beurre salé au caramel, avec le fromage.
T'as des drôles de principes. Voilà, un peu rouge comme enfin, ça, là, apparemment. Possible, hein. C'est un peu plus ça, la tête de couleur poulet. Je vais l'éclaircir un peu au blanc, là, pour faire de petits traits blancs. Touk, touk, et tu voilà. Caramel avec le fromage, ça se fait, ça? Je pense qu'on va être là, hein. Il n'y aura pas beaucoup plus... Problème de la caméra, dit Marc Gervais. Encore? Bah, je sais pas, il y a que lui qui te dit, alors... Non, non, là, là, ça marche la caméra, me dites pas, me dites pas. Me... Peut-être qu'il parle d'autre chose parce que je suis un petit peu. Ne me dites pas, me faites pas quoi. Voilà, il est fini notre poulet là, hein, ça suffit, pas besoin d'en faire plus. Adeptus, voilà. Il dit les bandes Adidas, on en a gros, le peuple gronde. Non, mais je vais pas faire des bandes Adidas sur les choses de mon bonhomme, vous avez craqué ou quoi? C'est ma figurine quand même. Ce serait pour une commande. Bah ouais, en plus c'est pour notre jeu, non? Je le ferai, oui, oui, c'est pour notre jeu. Ah bah non, il faut qu'il soit beau. Pour notre jeu. Elle est où ma tartine de. Bah elle est là, dis donc, on râle pas. Ça dépend la race du poulet, il dit Krychek. C'est vrai, c'est vrai. On dirait un poulet industriel. Allez, comme ça. On a fait ça, on va faire un peu de sang. Alors, on va démarrer avec. Guillaume, oui, tous les 15 jours, il fait figue, un JT sur le hobby. Voilà, c'est ça. Merci, Guillaume. Jeune délavé, dit Taurus Aurus. Oui, moi, je pense que c'est ça aussi. Mathieu, salut, je suis nouveau dans le monde du modélisme, mais je kiffe beaucoup trop de regarder... des figurines peintes ou des dioramas, un compliment de plus, mais oh, je kiffe bah ton c'est... travail, ah, continue. Bah c'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil, Mathieu. Plus un pour Mathieu. Voilà, voilà un bon élève. Alors voilà, donc là on va se faire un petit peu des tachasses, les gars. Alors ce qui peut être intéressant... Guillaume, il dit que ça fait cartoon comme ça. Le poulet? Ouais, je crois. Mais de toute façon, la figurine, elle fait assez cartoon parce que j'ai fait du surlignage noir avec des couleurs assez satues. Donc ouais. Forcément, ça fait un peu style cartoon. Mais moi, ça genre, me va bien. Genre, ce qu'il dit, c'est ce que tu avais prévu. Parfaitement. Mais genre. Parfaitement. Ah, tout ouais, est calculé, là. Hein. Rien n'est laissé au hasard. C'est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Les tachasses de sang. Ce qui c'est peut être intéressant pour faire les... Ah, je crois que c'était toi. Non, non, je dis ça. Vous savez, elles sont très bon, ma femme. Ah, bon. Elles sont la rose. Tu sens la fleur de lys, mon cœur. Tu sais quoi? Tu sens mieux que, encore meilleur que le parfum de Johnny retient la nuit. Ça ne me fais pas des compliments quand t'as un torchon sur la tête et du rouge sur les joues et le nez, s'il te plaît. Romain, Madame Tipi, vu les soucis récurrents de caméra, je pense plus à un souci de réception d'informations type port USB ou carte mère. Ah. Ah. Ah non, mais attends, comment ça se fait? Attends, t'achètes du matos et il y a des problèmes encore. Parce que c'était pareil avec la caméra palette, hein, ça devait être génial, ils l'attendaient tous, hein. Oui, ben... En janvier. Tu l'as mis quoi, trois fois? On va la remettre, je peaufine mon installation au fur et à mesure, ou si c'est pas simple. Bah oui, ça pour prend de plus en plus de place et ça marche de moins en moins bien, il n'y a pas un problème là? Alors le rouge, ce qui ouais, peut être intéressant les gars, vous prenez, moi j'ai pris de l'encre rouge là. Parce que l'encre rouge, ça aide. Et je la sature d'eau. Et je vais essayer de faire des auréoles. Pourquoi? Parce que regardez, quand je fais une auréole, là. J'ai fait une auréole. Oui, elle est belle, hein. Je vais encore plus saturer d'eau. Là, je vais faire une autre. Méfie-toi, tu les écoutes pas. Et voilà. Les bandes Adidas vont te coûter cher. Vous voyez, là, j'ai fait de l'auréole. Sache-le. Je souffle un peu dessus. Ils ont dit qu'ils allaient mettre des pouces négatifs. Mais non, faites pas ça, bande d'enfoirés. Pourquoi vous faites ça? Ça sent la marée. Alors là, évidemment, vous allez me dire, mais c'est beaucoup trop marqué. Mais je tente un truc. Je tente un truc, je l'aurai. Voilà, je la crève après. En cours de séchage. Non, j'ai pas compris. Et voyez ce que la ça fait. La solution de la caméra, ça trouvait Solène. J'ai pas compris la phrase. Ouais, ça fait. Ça fait des auréoles. Mais des auréoles de sang. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Ah, si, si, BZH. Comme tips. Tout le monde envoie des tips pour l'anniversaire de Monsieur Zoz, mais un petit colis gourmand de Bretagne pour le 18 mai, ça ferait plaisir, non? Ah, oh ben, je dis pas non. Ah, oui, non, mais après, non. Les gars. Ah, bah ça... oui, mais il me pose une question, je réponds. Ah, oui, ça ferait plaisir, mais après, j'ai pas envie de vous rire. Plus gourmand que moi, il n'y a pas, hein. Voilà, et après, je vais faire des petites tachasses comme ça. Mais voyez. Et tu peux me les dessiner, me les envoyer. L'auréole séchée, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant d'utiliser un peu un défaut, ce qu'on considère être un défaut de la peinture. Et ben là, on le met à notre avantage, parce que finalement, ces auréoles séchées, c'est pas inintéressant, oui. On va en mettre là, là. Et on va laisser ça tranquillement sécher. C'est une grosse goutte d'eau, vous voyez. Donc on va donc mélanger ces techniques. Donc je commence avec du rouge assez dilué, vous voyez. Et on essaie de... Non, Krychek, Zoz, il est du 14 mai, c'est moi dont participe.
J'ai dit 18. Bon, review voilà. Fig avec Iggy, lundi en 8, le 10 mai, demande Guillaume. Bah, je sais pas, moi, faut que je joue avec Iggy, je sais pas quand est-ce qu'on peut caler ça. Oui, il y a un poil là. Adeptus, bah quoi, c'est pas assez classeux, peut-être Adidas, monsieur veut lui faire des pompes, Loulou et Boutin, c'est ça, on en a gros. Parfaitement, monsieur. Romain, Dame Tipeee, justement, je pense que le problème ne vient pas des caméras, mais de la manière dont le PC reçoit ou traite les informations reçues. Ouais, j'ai bien compris ce que tu disais. Ouais, mais je du pense coup, aussi, mais je sais pas. Je comprends pas, il achète du matos et le reste part en live, quoi. Donc. Non, mais là, il n'y a pas eu. J'ai pas branché le matos que j'ai utilisé encore. C'est la caméra que je dois brancher. C'est la même caméra. C'est la tienne, là, que t'as mis au bout de. Oui, du bras. C'est la mienne. T'as installé que le bras, là. Oui, c'est que le bras, là, aujourd'hui. J'avais pas envie de t'enseigner. Oui, parce que pas de bras, pas de chocolat. Ouais. D'accord, donc t'as. Et oui, parce que tu l'as reçu aujourd'hui. Donc bah oui, pas c'était un peu court pour. Non, sans mal, je vais vous dire. Avec la flotte qu'on a eue, on a failli la retrouver sous l'eau. Je me refais encore trois auréoles là. Je vais laisser sécher un peu. Et une fois que ce sera sec, je vais venir les crever pour garder en fait que le côté auréole. Et je pense que ça va être sympa. Sans faire une un peu en haut là. Ned Faos il a craqué aussi. Azoz, avec ton histoire de sentir bon, je pensais que tu voulais expliquer au peuple le sexe rodéo. Mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il raconte lui? Tissi, non, Zoz du 14 et midi 18 comme Yannick Noah. Ouais, c'est vrai, Jean-Paul II, tout à fait. Voilà, on va laisser Karl sécher un Max peu. C'est moi. Là, oui, ici, hop, on va venir crever ici. En voilà. Plus, Tissi, sache que dans la famille, on adore la Bretagne. Tiens, Roman d'ailleurs a été conçu en Bretagne. C'est vrai. Et mes parents adorent la Bretagne, ils y vont chaque année. Guillaume, c'est super comme ça, j'en voyais pas autant. Alors ça doit faire référence un peu plus haut. Mais... Peut-être le sang. On va laisser sécher un peu et on va se faire des petits. Moi, 4 jours après, j'accepte aussi les gâteaux, c'est clair. Ça fait plus tablier de boucher. Oui, bah, c'était ça hein, que je voulais, moi. C'est un nouveau Dark Julius, non? Ou c'est encore quelqu'un qui a changé de pseudo? Non, je pense que c'est un nouveau. Marc Gervais, plus à Solène, a expliqué le problème avant que Madame revienne. Hop. Et oh, maintenant, je crève Marc, je comprends les rien. Trucs. C'est trop haché. Donc j'enlève voilà, le surplus. Mika du 24, il est ici. Du 19, lui. 19 mai. Voilà, ça me fait des auréoles. Ça fait déjà du monde en mai, les tipis vont chauffer. non, mais envoyez pas de tipis. Non, hein. Mais... On si. Peut juste se souhaiter un bon anniversaire, vous savez. Bah oui. Ça se fait, hein, juste ça. Corlo, tu aurais pu faire une marque de main comme s'il s'était appuyé, essuyé la main sur le tablier. Ah oui, c'est vrai. Ah voilà, oui, c'est vrai, c'est trop tard maintenant. C'était une bonne idée, ça. Ouais, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Voilà, première phase, c'est fait. On peut en rester là ou rajouter un peu de. Ce qu'on peut faire si on va prendre du vrai sang. Ah, j'en voyais pas autant, c'est ça, Guillaume. Ah oui, bah moi je charge. C'est tout. Ah, puis en plus, on a du mal à se contenir quand on fait du sang. Oui, je suis là, Mathieu, verrai, je suis revenu. Il est où mon sang? Je suis revenu tard, tu vois, mais je suis revenu. On s'en ferait, là, on s'en ferait. On dirait ma chemise après avoir fait une sauce bolognaise, dit François Pigy. Beaucoup de sang, gros poulet alors, dit Kritchek. Ben, je vais pas rester longtemps, moi, dit Mathieu Véré. Bon, ben, on va faire dodo Mathieu, si tu as besoin de faire dodo, vas-y. Hein. Chambefrog, c'est qui? C'est un nouveau aussi? Ouais, Chambefrog, ça me parle pas, je connais pas. Ah, coucou, pas mes figues. Voilà. T'es pas bien, Mathieu? T'as un souci? Il dit pas bien, moi. Désolé, les gens, pas bien, moi. Ah, bah ah ouais, merde. Un petit souci de santé. Vomis deux fois et super sommeil? Oh là ah, dis donc, là ouais, ça va pas fort. Ça va pas fort, mon gars, là. Ça sent le corona, ça, non? Non, il y a autre chose, hein, vous savez, monsieur Vachkik? Oui. Dans la vie et sur Terre, il y a autre chose que le corona. Je suis traumatisé, moi, je pense que c'est le corona. Dark Julius, c'est intimide, j'ai sauté pas mal de live, problème perso. Ah, ok. Ah. Ok. Guillaume, il dit c'était pas voulu, les auréoles, si? Si. J'aime bien le côté auréole, moi. Alors, des fois, c'est peut-être plus ou moins réussi, mais
C'était pour tenter de faire un petit effet, comment dire, un petit effet sans sécher en auréole, justement. Il y a Judicaine Charbonnier, bienvenue déjà, parce que j'ai pas vu passer ce, voilà, ce pseudo. Quelle peinture conseilleriez-vous pour débuter? Pour débuter, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise gamme, hein. Tu prends les gammes qui te font plaisir, hein. Franchement, il n'y a pas trop de règles, je dirais. Peut-être éviter quand même les scales 75, parce que c'est des peintures assez techniques. Donc, attends, finis de coucher. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Parce que si on se fait comme ça, ça sera faire que ça ne parle pas de mesure. Donc, ça sera, c'est ça. Donc, quand ça se fait, est-ce qu'on va me faire, ça aura vu. Voilà, comme ça. Et là, voilà, si tu respectes ces quelques principes-là, t'es bon. Tu ne peux pas faire d'erreur. Une autre question? C'est mauvais. Non, il n'y a pas de, vraiment de mauvaise peinture. Moi, je te conseillerais d'éviter les scales 75 parce qu'elles sont un peu techniques. Elles sont un peu chargées, un peu huileuses. Donc, pour les débutants, c'est pas facile, même si on peut faire des choses intéressantes avec. Mais sinon, tu peux aller chez Games, les Citadelles, quoi. Avantage, souvent des peintures assez faciles d'application avec un bon pouvoir de couvrance. Des inconvénients, ça sèche très vite parce que les contenants sont pas tip top. Voilà, c'est ça. Moi, je considère que le mieux c'est encore en pipette, comme ça. Voilà, et là tu peux aller chez Valero, chez Model Color, chez voilà, y a plein de marques. Et franchement, toutes les marques en pipette c'est assez correct. Mais je te conseille quand même de prendre des peintures acryliques spéciales figurines, hein, de pas taper dans n'importe quoi. Pour commencer, personnellement. Il y a Tissi qui dit à Kritchek, et donc du 11 mai, du 19 mai, le 19, les terrasses sont réouvertes, j'ai posé un RTT pour le jeudi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont poser des jours maintenant qu'on sait. Hein. Il y a les patrons qui vont avoir personne. Ah oui, c'est réouvert, ça y est, le 19, ouais. J'ai pas écouté Macron, là. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Oh, écoute, on parle peu de ça, j'en ai entendu parler toute la journée. Oh, bah, ça va. Là, vous voyez, je suis revenu avec du blanc pour estomper un peu l'effet. Enfin, avec de la crème mélangée un peu au marronasse, qui était un peu mon truc ici. Tout simplement parce que je trouvais que j'avais peut-être été un peu trop fort sur le sang. Eh ben, c'est pas grave. Voilà. Ça s'estompe un petit peu, comme ça. Il y a Guillaume qui dit « Guillaume ne répond pas sur en MP ouais. ». Il y va, Guillaume. Il hein. fait peut-être dodo. Hein. Il y va. Il lâche pas l'affaire. Il aura de se reposer, cet homme-là, avec toutes les émissions qu'il fait, le pauvre. Malou, elle conseille à Judicaine, tu dois tester et trouver la marque qui te convient, à mon avis. Oui, ouais, c'est ça. Faut pas hésiter. Prends des pots, ce qu'il y a, accessible autour de chez toi. S'il y a des copains avec qui tu peins, qu'est-ce qu'ils utilisent. Voilà, tu tapes là-dedans. Et puis, tu vois, tu te dis, tiens, ça me plaît bien. Parce que franchement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise peinture. Ça, c'est une réalité. Il n'y a que des habitudes qui peuvent se faire avec telle ou telle peinture. Et c'est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'après, à force d'utiliser une gamme de peinture, ben, tu commences à avoir tes habitudes là-dedans. Et ben à ce moment-là, ben, voilà, tu n'as aucune raison de changer. Tant que tu arrives à faire les effets. Mais franchement, le mieux, ça reste encore de peindre un peu avec tout ce qui te tombe sous la main. C'est encore l'idéal. Voilà, j'ai un peu estompé l'effet de sang. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu moins présent, peut-être. Voilà, je pense qu'on va... Voilà, pour l'effet de sang, c'est très bien comme ça. Il y a Corlou qui dit « T'es enceinte, Mathieu ». T'es enceinte, Mathieu? Parce qu'il vomit. Ah oui, peut-être ça, c'est vrai. On n'a pas pensé. Tu te rends compte? Voilà, des petites taches. Il faut varier un peu l'intensité. Ah, coucou, Gwenolan. Il nous fait un petit coucou en passant, il dit. Ah, coucou. On va essayer de varier un peu les intensités, taches de sang, vous voyez, plus ou moins... chargé en pigments, tout ça. J'ai rien voilà. compris d'être fausse. J'explique alors. Là, une on petite, est pas mal. Une petite lélée. Là, tu sens le coup de l'autre et tu lui dis « Tiens, c'est marrant, tu as le même parfum que... » Et t'insères le nom. « Et faut continuer le plus longtemps possible. » Ah, une blague. C'est une blague qui veut qu'on fasse un truc de... Je sais pas, j'ai pas compris. Une petite lélée. Alors le truc, c'est quand vous revenez sur un truc que vous avez déjà dit, moi je m'en rappelle plus, vous dites tous pas mal de trucs,
Donc remettez-moi la première partie que j'avais pas pigée. Ouais, parce que comme... là, quand c'est morcelé comme ça, je sais plus quoi. Ouais, voilà. J'avoue que je suis un peu perdue là. Déjà quand c'est pas morcelé. Ah, tais-toi, toi. Malou, elle dit, je dis qu'elle est, perso, Romain et moi, on a du Prince Auguste et du Citadel. J'ai commencé avec ça, ça m'a bien convenu. Ah oui, c'est très bien. Voilà, Prince Auguste, par exemple, tu vois, je cherchais un... Marc Gervais dit, tu fais quand la suite des figurines jugées? Jugées? À mon avis, ça a été transformé en écriture intuitive, non? Un cri de check, mal de bide, nausée, un Ricard pur. Ben, tu verrais, je vous adore. Adeptus, les lèvres de Zeus, ça me fait ça aussi, la gerbe est fatiguée. C'est gentil. Oh mince, donc là, je vais vous laisser, dit Mathieu Véret. Ouais, écoute, vas-y. De toute façon, c'est enregistré, Mathieu, prends soin de toi surtout. C'est le plus important. Si t'as de l'homéopathie, envoie-moi un message sur Messenger si t'as quelques tubes. Donc je te conseille un peu, mais j'imagine que voilà, c'était pas ton. M'envoie pas à moi, ça sert à rien. Allez, j'éclaircis ma barbe. La barbe de la figurine, bien évidemment. Ils pensaient les gens que j'allais éclaircir ma barbe. Alors et Guillaume, il dit, t'as pas peur que du coup on se focalise sur le ventre plutôt que le visage? Moi, je pense que de manière globale, on va continuer à focaliser quand même sur le visage, non? Vous trouvez pas, vous? Je pense que ça marche encore quand même, la focale visage. Surtout, je vais éclaircir un peu la barbe. Hein, regardez. J'ai pris ma couleur de base, qui était donc celle-ci. Un brun foncé, dans lequel j'ai rajouté un peu de ma couleur cordelette. Ah, vous voyez, la couleur cordelette, c'est une espèce de brun clair. J'appelle ça la couleur cordelette, parce que bon, c'est comme ça. Parce que c'est couleur cordelette. Donc, j'ai éclairci un peu mon truc. Toujours pareil, hein, tiens, un petit peu de petite pointe d'orange aussi, tiens, ça les fera une petite barbe un peu éclaircie au roux. Pas mal ça aussi, tiens, tu as une bonne idée. Allez, je mets une petite pointe d'orange. Le tout, peu importe ce que je mélange là-dedans, hein, c'est que ça monte d'un cran en lumière et que je reste avec une palette réduite. Une fois que j'ai ma petite couleur là, eh bien, je vais venir taper des petits éclaircissements. Alors par contre, ce que je vais faire, avant de commencer déjà, je vais venir un petit poil ombré. Donc là, je prends ma couleur de marron que j'avais tout à l'heure et un peu de noir pour venir faire ces petits trucs là, le tour d'oreille, parce que c'est pas très clean en fait ça. Tiens, je suis en train de m'en rendre compte, je sais pas si c'est qu'à baser ça, mais c'est pas clean du tout. Je pose la question soit parce que je suis très très en retard, donc, et je vois passer une question intéressante, je trouve, de Tissi. Zoz, peut-on te poser des questions en privé sur un retour de peinture ou tu prends 50 boules la question en live? Non, 55. Pas 50. 55. Non, bien sûr, envoie ta question. Il n'y a pas de souci. Alors, soit ici, soit si c'est un peu long ou que ça demande à examiner une photo, tu m'envoies un MP avec la photo du truc. J'ai refait un peu l'oreille, là, vous voyez. C'est des petits détails, mais il faut essayer de bien les faire, quand même. Parce que j'avais oublié l'oreille. Donc là, pour faire mon oreille, j'ai pris juste ma couleur de chair que j'ai utilisée pour mon poulet. Vous vous emmerdez pas à retrouver le mélange exact pour un petit détail comme ça, hein. C'est tellement petit que voilà, juste vous apporter un peu de lumière là-dedans et c'est bon, hein. Voilà, terminé. Hein. Voilà. Bim, l'oreille est faite, hein. Vous voyez pas que c'est pas forcément la même couleur de peau. Hein. Ça en tape le coquillard. Donc je reviens sur ma barbouze et je vais venir taper un peu des petits éclaircies. Hop, hop, vous voyez des petites textures là. Et ben je viens taper un petit peu, pas toutes, hein, mais certaines là, aléatoirement. Voilà, je viens. Les. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je lis pas tout parce que je suis en retard. Mais elle, elle est bonne. Corlo, il dit Mathieu, un doigt dans la bouche et un autre dans les fesses. Et si ça ne marche pas, tu inverses. Oh mon dieu, comment osez-vous? Vous êtes horrible. Voilà. Oh, Adeptus, il dit non, pensez pas, ta barbe, Zoz, elle est déjà bien éclaircie. Hein? Dans le trou de la chemise, on devrait voir la couleur peau du ventre, non? Dit Cambo. Oui, on devrait, mais c'est tellement petit que je ne sais pas si on le verrait véritablement de manière très... On va tenter. Écoutez, on va tenter, c'est pas idiot ce que tu dis. On va tenter, c'est vrai. On va tenter, t'as raison. Allez, juste une petite pointe. Guillaume, il dit, mais en fait, la sculpture de certaines figues veut nous orienter vers certaines parties autres que le visage, non? Mmh. Tu en penses quoi?
Ouais, moi, c'est genre, je trouve toujours quand même important de rester sur un visage en priorité. Enfin, de toujours mettre en valeur les visages. Tu peux avoir plusieurs points focaux, hein, focaux, sur une figurine, tu peux. Voilà, j'ai mis un tout petit peu de rose là, mais voilà, on le voit que quand on regarde la figurine comme ça, vous voyez. Bon, c'est fait, Romain, il dit, mais... un Guillaume, pour mon avis, oui, c'est une obligation que ce soit le visage de point, le point Bah focal. oui, vous voyez là, comme ça ramène un peu de la lumière là sur le haut de mon visage quand je fais juste premier éclaircissement là viteuf. Voilà, je vais venir taper ici un peu Mathieu, les j'espère que ça sourcils. va aller, tu nous tiens au courant, Ouais, bah ouais, le tu penses pauvre. que c'est une indigestion, Mathieu, ou t'es une bonne gastro? Adeptus, il dit surtout si tu veux une réponse, évite le Discord. Il dit je te Qu'est-ce calme. qu'il est méchant. Non, il est réaliste. Qu'est-ce qu'il est méchant! Ah, il devient. Tu vois, dès que tu reviens, j'ai remarqué la méchanceté remonte. C'est fou, hein? Ta présence est liée au retour Oh, de mais la ça y méchanceté. est, dans 2 secondes, C'est c'est de ma vrai, hein? faute. C'est vrai, les gens sont agressifs quand t'es là. Guillaume, il dit, moi, je sais pas, je pense C'est qu'on peut faire vrai, point hein? focal où l'on veut. Guillaume te donne du fil à retordre, Oui, non, toi. mais il a raison. Guillaume, il a tout à fait raison. On peut tout à fait. On peut le Imposer une faire. lecture, c'est-à-dire dire voilà, moi je veux que le point focal il soit Moi, je ici, m'appelle etc. Guillaume Ah oui, non, mais et je dis il a non. complètement raison. Après, moi je trouve intéressant quand même de garder le point focal sur le visage. Pourquoi? Parce que le visage est le reflet de l'âme. Parce que c'est au travers du visage que passent les émotions. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un point focal sur un visage parce que c'est ce qui est chez l'homme le plus expressif, comme chez l'animal, comme chez n'importe qui. Donc c'est en ça qu'on amène souvent le point focal sur le visage, parce que c'est ce qui nous attire. Mais après, effectivement, tu peux décider de mettre un visage dans l'ombre et d'imposer une lecture différente. Mais à ce moment-là, ça marche souvent plus quand la figurine est mise en scène dans un décor particulier, parce que ça justifie effectivement les points focaux que tu fais apparaître. Alors que si elle n'est pas mise en scène dans un environnement particulier, ça peut être très compliqué qu'on retrouve la logique d'une pose de lumière cohérente. Quand tu fais des points focaux qui sont un peu originaux ou inattendus. Mais après, oui, non, tu peux. Je vois pas ce qu'il y a de drôle dans ce que j'ai dit. Parce que C'est essayer de faire une l'être explication. pas, je cherchais à comprendre pourquoi il disait ça. Il dit à Zoz, non, c'est plus que Dame Tipeee lit le chat. Je pense que tu as dû dire ça y est, commence à être méchant ou un truc comme ça. Et il dit juste, bah Ah, non, en c'est fait. juste qu'elle se met à lire Ah le ouais, en fait, ils chat. sont tout le temps méchants. Mais que maintenant on le voit. C'est pas faux, t'as raison. Voilà, bon, mes petits points de barbouze lumineux, allez, je peux en rajouter encore un Thorus petit Horus, il aurait mis le point peu. focal sur le visage du poulet, il dit. C'est vrai, tu peux aussi. Franck Lédier, où trouve-t-on ce pitou? C'est une figurine du jeu de plateau Salomon Kane. Donc si t'as pas le jeu de plateau Salomon Kane, bah, cette figurine va galérer pour l'avoir. Parce que c'est... Ah, surtout la fatigue et un peu de mal à manger, dit Mathieu Verret. Ouais. Bon, enfin, pour que tu vomisses, il y a quand même un loup, quoi. Oui, il faudrait que tu vois ce que t'as quand même, quoi. Ça peut être gastro, ça peut être. Bon, ça peut être tellement de choses. Surtout, prends soin de toi, quoi. Repose-toi. Moi, je sais en général que sur des trucs comme ça, il me faut une bonne nuit de sommeil déjà. Et ça va mieux. Ouais. Prends la bassine, hein, Mathieu, quand même, près du La lit. barbouze, c'est bien. Ce qu'on peut faire, si on veut détailler un peu, on peut tout à fait. Du coup, il a du mal à faire la mise au point maintenant que j'ai fait la Si, barbe. si, il dit, j'osais pas, mais ton Voilà. fichu sur la tête, Zos, pas top. On dirait un cuistot dans un boui-boui. Comment ça? C'est pas beau mon fichu sur la tête? Moi je trouve que ça me donne beaucoup de présence. Je vais prendre un pinceau très fin. Vous voyez? C'est la première fois qu'on prend un pinceau aussi fin là. Et avec ce poil de fion, je vais venir faire des micro-poils dans les poils de la barbe. Adeptus, le vrai point focal, c'est l'entrejambe selon mes rêves cinématographiques. Oh là 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 là. Bravo, bravo les gars. Sinon ça vaut le haut. Ça vaut le haut. Allez, on va voir s'il y a un Oh, intérêt. ça fait une semaine que je patiente pour Zoz, dit Mathieu. Oh. Mon copinou. Bah ouais, Corlo, moi c'est ce que je pense, hein. Ça ressemble à une intox. Sauf si ça dure, évidemment, Bah mais. ça dépend s'il a bouffé vraiment une merdouille. T'as pas mangé un poulet? Critchek, quand tu vois la fille peinte par Zeus, ça donne trop envie de jouer. Et quand c'est moi qui peins, j'ai envie de revendre ce jeu. Tu as mangé dans le boui-boui de Zeus, il dit ici à Mathieu.
dans le bibou de l'aubergiste. Voilà, ça suffit, je pense, hein, sur la barbouze. Bah écoutez, on a fini notre bonhomme, en fait, hein, presque. On rigole, mais... pas grand chose d'autre à faire de plus. Guillaume, il lui dit un coca en haut, un suppôt en bas et au lit. Si on peut gagner un peu en définition, alors on va faire un peu de propreté, ce que j'appelle. Alors je reprends. Pour quand la suite des fessées de la semaine dernière, Marc Gervais? Oui, ah, des fesses, non? Ouais, non, il veut dire des reviews qu'on a fait avec. Ben, prochaine fois, alors pas la prochaine fois encore, parce que je pense que je vais essayer de peindre du Cursed City pour la prochaine fois. Mais après, ouais, pourquoi pas. De toute façon, il faut que je voie avec Fred. Hein, si, a priori, ça avait l'air de le rebrancher quand on fasse ça. Après, je pense qu'il ne faut pas le faire trop, trop souvent non plus, parce que les gens peuvent peut-être se lasser. Moi qui préfère ça à mes sessions de peinture, c'est possible aussi. Hein. Bah, il faut un peu les deux, parce que pour qu'ils puissent s'essayer à tes conseils et aux conseils de, d'autres peintres, il faut quand même qu'ils pratiquent et à la fois qu'ils écoutent les émissions aussi, j'imagine. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort, mon cœur non plus, t'as pas tort dans ce que tu dis. C'est assez pertinent. Tu nous dis des choses. Ah, les choses! Oh, ben oui, il est par terre. Moi, je dis. Mais non, il y a tout par terre, là, qu'on a pas fait. Donc là, voilà, on a. Allez! Il se pourrait que j'ai du renfort dans mes chaussons. Oh mon dieu! On va faire un petit brossage pour faire notre bois, là. Donc, on va commencer. Moi, je vais finir comme Mathieu, hein. Avec un petit marronnasse des familles qui passent là. Non, je suis tard. Ça va pas me réussir. Donc là, je prends un petit marronnasse. J'en profite pour faire mon petit brossage là. Voilà, pour commencer à faire apparaître un peu notre bois. Avec le best-of de Guillaume Herpin, on a rigolé aussi sur dans les premières émissions. C'était rigolo de revoir ça. Oui. C'est vrai. Voilà, donc là, on vient un peu... Quand tu faisais Cobra Kai, quelques éclaircies. Voilà, donc là, on fait apparaître un peu les nervures du bois. Tissi, au fait, Madame Tipeee, ce week-end, je fais du bourguignon, la viande, tu la macères, merlot ou cahors? Arrobas naturo, pato, figure, no, santo, fait tomber le malade directement dans la palette, dis donc. Eh ben écoute, je ne saurais te dire parce que j'apprécie de boire, soyons francs, mais je ne m'y connais pas, donc je ne peux pas te répondre. Mais alcoolique, tu pourrais me faire encore un petit bout de fromage. Ah Jo, t'es comme ta fille, pardon. 3 heures après tu me demandes, pardon. Je t'ai fait plusieurs, tu me dis rien, donc je considère que t'as fini. Pardon, mon cœur. Qu'est-ce que tu voulais? J'ai tout refermé maintenant. Je sais pas ce qui vient, mon pétoune. Je vais prendre mon mal en patience, dis-moi, tu verrais, j'ai mangé chinois midi. Ah bah cherche pas, hein. Ah bah cherche pas, mon gars. Franchement... Honnêtement, Zo, la dernière fois quand on a mangé McDo, Zo, il a pas bien fini non plus. Oui, c'est vrai. Faut être honnête, hein. Ouais. C'est pas. Non, parce mais que c'est rare, hein, le McDo en général, c'est quand c'est même. C'est rare. Je dis pas que, voilà, même si j'aime pas le McDo, je suis pas du genre à dire ça, mais là quand même, ça ressemblait fortement à une intox. Oui, c'est vrai. Ce que t'as eu. C'est vrai. Donc, chinois à midi, à mon avis, Mathieu, franchement, il y a un lien. Il suffit on d'être dit, pas, hein, pas net. Chinois à midi. Trou de balle bouché à minuit. C'est un proverbe assez connu. D'accord. Rémi Tirode. Et c'est pas ton copain, Rémi Tirode? Non. J'ai un Rémi dont je tairai le nom parce que peut-être il ne veut pas être connu, qui est un copain, mais c'est pas Tyrode. Mais ça ressemble pas? Non. Ah bon. Des petites taches de gras sur la chemise, il demande. Ah ouais, on peut aussi. Après, j'ai peur que ça fasse surcharger, mais bon, c'est vous les patrons, alors on va faire. Let's Faos, on parle français, c'est bien rock fort au lieu de hard rock. Alors là, vous voyez, j'éclaircis. Non, vous voyez pas. J'éclaircis, je prends ma couleur cordelette, toujours pareil, palette réduite, vous voyez, ça sert à faire tout, de la corde, du bois, tout. Et j'éclaircis juste le bout de mes planches, ici. Voilà. Juste ici, c'est juste pour l'effet un peu graphique, parce que si j'éclaircis tout, ça va faire trop clair et ça va manquer de progression. Donc juste, vous voyez. Jean-Jacques Olive, il dit en tout cas, il claque fort cette aubergiste Zozo. Il fait très auberge rouge.
Voilà. Ben merci. Donc là, il me faut une peinture assez fluide. Donc je fais juste la dilution pour avoir de la fluidité. Et voilà. Et je vais venir passer. Donne-lui le morceau qui est dans le fond de ta pompe. Qu'est-ce qu'il dit comme truc dégueulasse? Ben oui, parce que tu voulais un bout de plus. Ah oh, oh. Quel enfoiré. Voilà. Ici, ouais, j'ai attrapé juste, voyez, juste les petits interstices du bois. Bon, là, je fais de la, je chipote, hein, mais. Et il réclame les bandes Adidas, hein, je te le dis. Non, je vais pas faire des bandes Adidas sur mon. Bah ouais, hein. Non mais les gars, on va jouer avec, hein. Non, franchement, enfin. Tissi, il dit, j'ai regardé les anciens lives de cet hiver. Mon cadet Malo, 15 ans, se propose de faire un CAP chauffagiste pour vous dépanner. En vérité, il veut devenir Zoz. Oh, je suis à jour, dis donc. T'es à jour du message ? Ouais, je vais pouvoir te faire ton dernier morceau de fromage. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Guillaume, quelle excuse pour dire qu'elle pue pas des pieds. Voilà. Mais non, c'est le roquefort d'hier soir. Là, c'est bueno. On va se faire avec notre couleur de brique de base. On va éclaircir un peu nos briques, mais pas toutes. Voilà, on va se faire un peu les bords de briques. Bon. Là. Allez, je te fais ton morceau de fromage, là. Voilà. J'ai peut-être fini. Je pouvais pas me le dire avant. Mais... Oui, bah pardon. Qu'est-ce que je vais te faire, en plus? Parmesan? Ouais, très bien. On va tous leur donner envie de manger ou de les dégoûter à force de dire que ça pue. Non, à chaque fois je réouvre ça. Ouh. En plus, je crois que c'est le fromage le plus bas de gamme qui pue. C'est quand même incroyable ce truc. D'habitude, c'est les bons fromages qui puent. Voilà, mis en valeur quelques cailloux. Attends, quelques cailloux. Merci mon cœur. Mais je sais. Pourquoi on va faire le bruit pour faire un bon fromage? Les plus courtes sont les meilleures, mon cœur. Bon, bah, on fait ça, on va pas rappeler. Je suis sûr que ça ne va pas, évidemment. Le comique de répétition. Voilà. Hein? Ouais, ça ira très bien. Pizzanet Malo. Mais tu verrais, ça a l'air d'aller mieux d'un coup. Ah ouais? Bah peut-être une fois que t'as fait ce que t'avais à faire, on va dire. Hein. Souvent, ça va mieux. Hein. Le Roquefort, c'est la vie. Il m'en reste un demi-kilo dans le frigo. C'est bon, le Roquefort. Non, pas le Roquefort. Non, j'aime pas le Roquefort. C'est mais pas non, le pas le Roquefort. C'est l'autre, là. Le Comté. Moi, j'adore, mais... Je dis Roquefort, mais je pense Comté. Mon Roquefort, c'est pas... Enfin, si, j'aime bien en sauce, mais j'aime pas en tout seul. Je remange avec vous, dit Marc Gervais. Je savais que j'allais vous donner envie, qu'on allait vous donner envie à force. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, après, on fera une base noire propre. Guillaume, on va se faire la guibole. Il dit, tu pourrais faire un pavé ou deux gris. Non, je chipote. Bah, ils sont un peu gris marronasse. Je suppose que je chiopote, c'est je chipote. Allez, tiens, tu sais quoi? Je vais en faire un peu rouge ici. Vert naturel, ça boycotte Adidas, ça balance sur McDo, The Studio, le premier live peinture militant alternatif. Ouais! Ouais, le vert naturel! Ouais! Ouais! J'ai un taux panda près de chez moi. Il faut juste modif un peu le nom du resto en pandiaré. Critchuk. Oh, le gros dégueulasse. Dis donc, on a été à combien, les gars? Parce que pendant longtemps, j'ai été absente, mais quand je suis revenue, on était que à 66. Bah oui, hein, bah les gens sont venus au fur et à mesure. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, on attend les 100 au moins une fois dans la soirée. On va se faire notre petite guibole, là. Donc, petite base. 2 kilos de Roquefort direct du producteur, offert par une collègue, produit par ses parents. Oh là là, le top. Ah, ça te ferait kiffer, toi, ça.
Tiens, il y a Solomon Kane sur TF1 série, mais ça vaut pas Zoz en live, dit Carl Hart. La série Solomon Kane ? Bah, apparemment. Il y a une série Solomon. Je ne sais pas qu'il y a une série Solomon Kane. Je savais qu'il y avait un film. Enfin, il y a eu même plusieurs films, je crois. Il y a celui avec Hugh Jackman, qui s'est fait un peu défoncer par la critique, mais qui n'était pas si mauvais, en fait. Les effets spéciaux, c'était pas mal, de souvenir. Ah, le film, apparemment, il dit sur TF1 série, mais pas la série. Ah oui, le film, Solomon Kane. Donc celui avec Hugh Jackman. Notre souris, on va prendre un gris neutre cette fois-ci parce qu'on a utilisé déjà le gris vert. Donc je vais prendre un gris basique. Ah, c'est vrai, Guillaume. Guillaume, il dit que c'est quand il a shooté le live avec sa cam que les gars sont partis. Ah oui, mais c'est normal, eh ouais. Quand Bah parce que ça a duré. Bah ça a duré quand même 2-3 minutes, hein, tu perds du monde. Hein. Ah ouais. Ouais. Merde alors. Les gens n'ont pas cru en moi. Qu'est-ce que tu veux ? Pensez que je ne reviendrai pas. Bah c'est-à-dire que s'ils se sont rappelés le dernier pépin. Ils ont dit, tiens, regarde-moi-le, encore le tocard qui sait pas faire marcher sa caméra. Je sais ce que les gens pensent de moi, je sais. Mathieu et Dizos aussi, il a tourné dans Solomon. Ouais, tu vois, Marc Gervais dit ça aussi, c'est le problème de la coupure de caméra. Ouais, ça fait perdre du monde. Tu confonds avec Van Helsing, mon Zoz, dit Fadal. Ah, enfin, oui, non, raison, rien à voir, Van Helsing. Sauf que le mec de Van Helsing, il ressemble tellement à Solomon Kane, niveau fringue. Bah si Mathieu, je te lis, pourquoi il me dit, pourquoi Mistipi me lit plus ? Bah si, je viens de lire ce que t'as mis, Zoz aussi, il a tourné dans Solomon. Non mais il y a peut-être un petit décalage. Ah, peut-être. Il pensait que t'avais pas lu, mais... On verra où le best-of des vidéos, la fin, épisode 3, épisode 4 de la peinture du Marius du délire. Bah je vais la mettre sur mon YouTube, et puis je ferai une publication... sur Facebook, Insta, tout ça. Il t'avait dit OK pour le... Ouais, ouais, il m'avait dit OK, ouais. Pour dire, bah, venez voir ça, les copains, si ça vous intéresse, hein, évidemment, pas obligé de venir. Hein. Et c'est un petit best-of. Voilà. Ah, il y a Rémi Tirotte qui dit, le comté, c'est de chez moi. T'es jurassien, alors, Rémi ? Ben, moi, j'ai une partie de ma famille qui est dans le Jura. On s'en fout. Donc là, j'éclaircis ma souris. Donc là, je prends mon gris. Je rajoute un petit peu de couleur crème dedans. Et je vais éclaircir ma petite souris en attendant que ma guibole sèche. Bon là, voilà. Donc là, on va venir taper. Bah, c'est facile, hein. Les petits volumes qui ressortent. Hop, la petite oreille. J'ai du mal à te suivre. Sous le petit dos. Bim, bam, boum. Ben moi, je viens de revenir, dit Maëlle. Coucou Maëlle. Coucou Maëlle. Merci d'avoir cru en moi, mon retour. Ouais, Taurosaurus, il dit pareil, c'est à cause de la caméra palette. Eh ouais, t'as planté la caméra palette. Ben voilà. Et Maël, il dit comme ça, j'ai pu manger entre temps. Bah, tu vois, nous, on vient de finir le fromage là en live. Mathieu, et alors sinon, vomi, mais bon, pourquoi il y a des vomis ? Oups, j'ai du mal à comprendre, Mathieu. Et sinon, vomi, alors avec les vomis de chinois qui vont sur le vomi en 30 minutes avec des vomis sur le vomi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ouais, je pense qu'il a fait, il a pas fait que vomir, il a dû dégueuler une partie de son cerveau, peut-être aussi. Ouais. C'est possible, hein. Et donc, je me resserre un Porto pour digérer, dit Maël. Eh ben, écoute, à la tienne, Étienne. C'est un de mes alcools préférés, le Porto. Ouais, bah c'est ton alcool préféré, hein. Ouais, bah, t'aimes bien les autres, mais à chaque fois, ton kiff, c'est le Porto, quand même. C'est vrai, j'aime bien. Et Maël, il dit, je sors mes pinceaux sur du Blood Bowl classique. Yeah, man. T'as bien raison. Je vais me faire un Jack, moi, dit Mathieu Véret. Bah, dis donc, moi, ce que tu viens de te vider. On va se faire des petits yeux rouges pour notre rat, là. Petits yeux rouges méchants. Moi, je préfère le chèvre, dit Marc Gervais. Moi aussi, chèvre et brebis, mais j'adore le comté. On adore le comté dans la famille. Roman, J'adore les comtés. C'est très bon. Hein, Romanette ? Oui. Depuis qu'elle est gamine, hein, le comté. Ah oui. Mais elle mange plein de trucs, hein, notre fille. Hein. C'est bien. Hein. Elle mange des artichauts. Ah, c'est son deuxième plat préféré après purée. Saucisse purée. Le fromage, Mathieu Véret, le roquefort. Un mais petit œil rouge. Parle pas trop de ça, Mathieu, tu vas revomir. Oui, tu te rends pas malade. Un bon Sky Single Malt avec du Roquefort, dit Taurosaurus. Et Maël, un autre petit œil rouge. Je sais que c'est ton préféré, mais d'habitude, je m'en sers qu'un. Là, petit œil rouge discret, ça fait deux. Voilà, ça suffit.
On va pas éclaircir. Ouais, on peut éclaircir davantage la petite souris. Voilà, si j'éclaircis davantage la petite souris, par exemple, mais pour le coup, ça fait un petit point focal. Oui, si je fais ça. Guillaume, il dit oui, bien, ils ont vu un bonnet, ils ont cru que c'était un live de Maïté. Mathieu, je vais pas être malade, trop tard. C'est pas grave, on reste entre nous. Voilà, j'ai éclairci un peu le dos de la souris. Vous voyez, quand j'ai éclairci, ça fait un petit point focal sur la souris, du coup, en éclaircissant son nez et son museau. Bon, son museau comme Johan Museau. Allez, je fais la baggy ball. Allez, on remonte en lumière. Si, si, Miss Tipeee ne masse plus en string pendant que Zozo se prend pour un lapin en peignant des santons à coups de ses cheveux alors que Poney l'exorcise. Ils ont craqué complet, là. Hein. Attendez, moi de vous dire que vous avez craqué complet, les copains. Ça va mieux, ouais, Mathieu, je vois. Oh, mais il a dû se vider, et puis il voilà. Il se fait un thé, là. Bon, je travaille dans le frais, hein. Faire plus de temps, on n'est pas là pour rigoler. Bon, les amis, je vous laisse. Je finirai le live en rediff, dit Jean-Jacques Olive. Merci pour votre bonne humeur habituelle. Je vous embrasse tous. Gros bisous, Jean-Jacques Olive. Gros bisous. Bonne nuit. Profitez bien de ta nuit. Fais de beaux rêves. Bis à ta femme et à mes enfants. Rémi Tirode, Haute-Senois. Bah, j'aurais même pu parler. Mais je suis à la limite. À la. Hein? À la mine du Jura. Il y a une petite coquille. À la limite du Jura, je pense. Avec le Comté. Comté. Partirò te più verrai ore la vita. Ah, Frédéric Bonnet, je t'avais pas vu passer. Grosse réussite cette figousse ce soir, ça tabasse. Merci poteau. Voilà, donc on monte nos petits éclaircissements. Ah, tout de suite, ça me donne envie de rejouer mon cœur. Bon, là, je suis surpris. Je pense que t'as dû boire. Ce qui t'arrive. Tu dois pas être en pleine possession de tes moyens. C'est le Roquefort, il est trop fort. Voilà, ça nous fait notre gibol de base. Base, on va se faire un petit cerclage. Guillaume, il dit jeudi à Iggy que vous attendez qu'il appelle. Mais il organise des trucs, Guillaume, il s'en fout. Guillaume, il est comme ça. Guillaume, il dit moi je vais organiser le YouTube game, je suis un peu satin, je vais demander à l'autre de faire son émission. Ben oui, mais il sait est comme ce qu'il ça, veut, Guillaume. Il est comme ça, Guillaume. Il prend des initiatives, il veut ça. Et quand homme veut, homme fait, apparemment, avec Guillaume. Non, quel homme, ce Guillaume? Oui, ben, il est peut-être marié. Hein. Et alors? Il est peut-être en couple, hein. T'as quel problème hein. Allez, on va éclaircir encore un peu notre pied. Le passionné, dit Guillaume. Hop. Bon voilà. Alors. Là, le petit os, là. Donc, Iggy t'appelle? La petite. Bah oui, s'il veut. Allez, allez, faisons ça. Parce que c'est Guillaume qui décide, apparemment. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Ah ouais. C'est qui a peint celui que t'as à gauche? Ça, c'est le modèle pour avoir les couleurs. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. Et t'as pas tout vu d'un petit pied, dit Guillaume. C'est pour avoir les couleurs. Si, mais ça doit être. C'est le peintre officiel, ça doit être. Oh merde. J'ai plus le nom. Bon, le peintre officiel, je sais plus. Je veux rester jusqu'à la fin, dit Mathieu. Ouais, c'est beau, Mathieu. C'est beau, Mathieu. Tant de courage. Voilà, donc on fait monter encore un peu la lumière sur notre pied, vous voyez, sur la mesure. Guillaume, après, si vous voulez pas nous faire plaisir, je dis pas moi. Je vais encore ajouter un niveau d'éclairci. C'est qui le monsieur à gauche, là, dit Mathieu Véret? Ça y est, il a des hallucinations. Oh, ça y est, il a craqué, Mathieu, de toute façon. Par contre, c'est chiant, non, t'as vu, là, on voit le bras de ta caméra? Ah non, c'est le bras de la lampe. Oui, c'est le bras de la lampe, mais c'est pas grave. Ça. Ah, le bras de la caméra aussi. Oui, c'est pas... Bah moi, ça me gêne. Je ferai autrement la prochaine fois. Non, mais... Et oh. C'est encore moi qui décide, non? On va se calmer, là, Miss...
Maël, il dit avec le verre de Porto, une cigarette agrémentée de verdure sans drogue dedans, juste du CBD bio. Ah oui. Il y en a qui prennent ça, hein. CBD. Espèce de drogue. Si Zozo essaie plusieurs accents à peu près. Bedos, Brad Pitt, mais il a souvent celui de Vincent Moscato sans le vouloir. Oh les gars, au piqué. T'as un bonnet chelou, Zoz, dit Mathieu Véret. Mathieu a mis à peu près 3 heures pour s'en apercevoir. C'est là que tu vois qu'il est malade. T'es fort, Zoz, bravo mec, vraiment chapeau pour tes peintures, dit Guillaume. Ah, enfin il est gentil, Guillaume. Ouais. Hein, ça met du temps à hein, arriver à la gentillesse, mais bon. C'est une chaussette taille 52, pas un bonnet, dit Kwitschek. Voilà, allez, encore un petit éclairci. Un dernier pour la route. Et on va se calmer sur cette Guibo. Oh, Guillaume, il s'arrête plus. Guillaume, il a dû picoler d'un coup. Qu'est-ce et votre live est vraiment cool et original. Peinture et déconnade avec Tam Tipeee, c'est vraiment sympa, ça mérite d'être dit. Oh, merci, oh Guillaume, copain. Qu'est-ce que t'as à nous demander? Il va nous demander le du live pognon. Avec Iggy. Non, il va demander du pognon, tu vas voir. C'est gentil, Guillaume. Voilà, le petit os, là, un peu, voilà. Bon, ben voilà, là, on fait des petits points de lumière ici parce qu'il y a des petits trous, voilà, pour dire que la lumière est arrivée là. Bon, bah c'est perfecto, ça c'est bon, la jambe Mathieu, est faite. Mathieu, repose-toi, arrête de divaguer. Donc la jambe est faite, le la rail jambe est devrait fait. Saigner, dit Marc Gervais. Oui, bah ça, calmez-vous les gars, je vais pas tout faire, excusez-moi, je vais pas faire la jambe, là. Donc là, il y a un petit os déjà. Voilà. Alors j'utilise ma couleur de... Dominique Sautelet, je dirais que c'est le pied. Bravo, magnifique. Alors, on va se faire le côté donc, Maël, il dit d'accord avec les dernières paroles de Guillaume, du talent en peinture et en production vidéoludique. Oh, c'est gentil, c'est copain. Cool. En production vidéoludique, en même temps, il n'y a pas grand chose. Mais... J'adore ce prénom, Maël. Je trouve ça joli. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je sais pas, j'aime bien ce prénom. Pour autant, si on avait un deuxième, Maël Vosjkic. Breton avec serbe, ça colle pas. Non, le truc c'est est... breton, Maël, non? C'est breton, non? Ouais, je sais pas ce que c'est. Je trouve ça très joli, mais... Tiens, mon sang, là, je vais réutiliser mon sang, c'est du Tamiya X27. Guillaume, mais comment je suis pas gentil? Je lance des projets, je suis pas méchant quand même, non mais... Non, ouais... Oh, tu casses Zozo souvent, c'est hein? C'est quand même un hein peu agressif, bon, hein, alors... je trouve, hein... Et le monsieur qui peint avait son bonnet tout bizarre, je suis pas bien, dit Mathieu Véret. Mais si je vais dormir, faut attendre une semaine pour vous revoir. Bah oui, mais Mathieu, t'es pas bien. Va te coucher. Quand on n'est pas bien, il faut aller, faut se mettre un peu au vert, plus manger et faire dodo. Il faut plus manger aussi. S'en remettre. Bah oui, surtout quand tu vomis, quoi. Dur. Enfin... Voilà pour la guibole. Oui, moi aussi j'adore, heureusement d'ailleurs, dit Maël. Bah, tu pourrais ne pas adorer ton prénom, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas leur prénom. Voilà. Excusez-moi, j'arrive pas à me centrer, je fais vraiment de la merde. Stop au Zozo bashing, la base du socle est top. La figue est hors cadre et mon écran est trop petit pour voir la caméra palette. De toute façon. Voilà. Allez, ça, c'est fait. Pied, c'est breton, c'est un prénom princier, Maël. Ah, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut... Ça n'a pas vraiment de signification, mais c'était réservé à la fonction princière. Si, il y a les chausses, là, vite fait. Il faut que je fasse la chausse, là, vite fait. Pour deux coups de pinceau, on va faire ça. Quelle couleur, par contre, la chausse? Cambo X27, c'est le rouge translucide. Noir. Oui, c'est du rouge translucide. C'est très bien, le X27, pour faire les effets de sang, parce que ça reste très saturé et satiné. Et en séchant, ça prend de l'épaisseur, ce qui fait que si tu travailles sur un ton long, tu peux créer un peu de matière avec cette peinture. Pas inintéressant. Et ouais, Tissi et Maël, peut-être que vous n'êtes pas bien loin l'un de l'autre. Parce que Christian Tissi, il est de Bretagne aussi. Je suis gentil de regarder les personnes âgées qui se déguisent en Maïté sur YouTube. Sale enfoiré, les personnes âgées. C'est pas gentil, ça. C'est Guillaume, évidemment. Je suis pas âgé.
J'ai à peine 34 ans, hein. Donc ouais. Calmez-vous, les gars. Purée, mon cœur, on va bientôt avoir un an de plus. Petit filtre de bleu, très léger, regardez. Oui, je vais m'en mettre un peu là dans le creux. Critché qui dit Zos, tu n'as pas quelqu'un de psychologue dans ta famille? Question sérieuse. Non. Non, mais dans la mienne, oui, mais... Dans la sienne, oui, du côté de ma femme, oui. Vous voyez, j'ai fait un petit filtre de bleu au niveau du talon. Enfin, au niveau du... Comment ça s'appelle? Le tendon. Vous voyez, ce petit filtre de bleu, qu'est-ce que ça fait? Ça donne un petit effet cadavérique. C'est très léger. Je ne sais pas si vous voyez, au niveau du tendon, du pied. Il est à Brest, même. Allez, je vous le refais une fois que c'est sec. Il reste encore la casserole à faire, dit Marc Gervais. Oui, ben ça va, mais calmez-vous. Voilà, petite pointe de bleu ici. Voilà, ici. Voilà. Dominique Sautelet qui dit mais voilà. Sérieux, cette figue elle a vraiment un air azose. Ça fait un petit cadavre. Ça fait peur quand même. Bah, j'ai pas la même moustache quand même. C'est vrai que ça ressemble un peu quand même. Romain, je remarque que ça fait 20-25 minutes que ça ne parle pas du tout de peinture. Bon, bah si. Mais si. On vient de dire que ça ressemblait à Zoz. Puis tu viens de dire que pour le pied, le tendon, je sais pas quoi là. Bah oui, non. Puis, de temps en temps, on dit un truc de peinture. C'est vrai que. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Ah, il est né à Douarnenez. Attends, Douarnenez, est-ce que c'est là où mes parents... Alors là, c'est fait. Le pied, c'est fait. La souris, c'est fait. Les chaussures. Ah, je vais y arriver, bordel. Base noire, éclaircie avec un peu de gris. Je crois qu'on va rester là-dessus. Hein. Chausse noire, éclaircie avec un peu de... Ou noire, éclaircie avec un peu du marronasse. C'est peut-être une bonne chose, ça. Non. Ouais, on va faire ça. Noir. Je prends un peu de noir que j'ai sur ma palette. Excusez-moi, je peins. Hein. Monsieur, vous en foutez, mais... Non, Kritchek, psy sur Bordeaux, non. Pourquoi, il y a un Voschkick sur Bordeaux? C'est pour ça que tu dis ça? Ah, d'accord, c'est pour ça que... Je sais pas, je suppose. Ah. Je sais pas. En tout cas, de mon côté, mon père était psy, mais pas sur Bordeaux. Non. Guillaume, je m'attendais à ce rouge sang sur la chemise, c'est trop prononcé, ça suggérerait qu'il vient juste de couper la jambe. Ouais, bah, dans Salomon Kane, en fait, quand le personnage apparaît, je vais pas vous spoiler, mais vu les conditions dans lesquelles il apparaît, il est assez logique qu'il ait du sang frais sur lui. Donc ça choque pas trop dans le scénario où il apparaît. C'est même assez cohérent que le sang soit frais. Eddie Fada, salut, ça critique encore les vieux comme hier chez Iggy. Un critique qui dit oui, donc pour Voschkick, je pense. Alors le psy, ah, d'accord. C'est rigolo, marrant ça quand même, t'en as pas croisé. Ouais, c'est des noms assez rares en plus, hein, Voschkick. C'est marrant. Je souffle pour faire sécher la chaussure. Je vous signale que j'ai lancé un débat peinture et qu'on n'a pas lu ni pris en compte mes avis d'amateur. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai raté encore? Qu'est-ce qu'il a dit? Faisons-le, qu'est-ce qu'il a dit, Guillaume? Ouais, Sud Finistère, Douarnenez. Écoute, Maël, Douarnenez, ça me parle complètement. Je ne sais plus si mes parents y allaient à une époque ou si ma mère, parce qu'elle a des origines bretonnes, ça... Donc, je sais plus. Mais Douarnenez, ça me parle complètement. Carl Hart, c'est Zeus qui ressemble à la figue ou l'inverse? Je comprends plus. Lol. Si, si, allez. Madame Tipeee, j'ai un accent sud-morbihan, mais invite. Donc Maëlle en live préparer les traducteurs. Ah ouais. Et oui, parce qu'on va faire des, je vais essayer de les faire d'échanger avec eux via le le Discord. Non. Voilà, ouais. C'est ça. Eh ben ça te fera aller sur le Discord. Tu sais, en mettant l'option micro comme ça, et on pourra apprendre des gens c'est cool. En live. On entendra leur voix. Ouais, ça va être rigolo parce que... Je vais essayer de faire ça pour moi, la j'ai toujours fois. Cette impression qu'on parle, du coup, même si je fais que les lire, c'est marrant. Ça va me faire bizarre d'entendre les voix. Edirne, le beau-père est psy, il a dû faire un drôle de tête quand il a découvert le gendre. C'est marrant, je les avais tutoyés direct et toi, ça t'avait surpris. Ouais. Je sais pas pourquoi je les avais tutoyés tes parents direct. Parce que tu tutoies facilement, toi. C'est vrai, c'est déconné, hein. Ah, Malou a dit Guillaume, si on t'a lu même que Romain t'a répondu, mais tu l'as snobé. Ah. Et bim.
Voilà, on a fait les choses, les petits nœuds sur les chaussons. Guillaume, le débat sur les points focaux. Bah si, on a lu les premiers, Guillaume, mais après vous échangez... J'ai dit que tout le monde était un peu d'accord avec toi, et Zoé est revenu dessus. Mais il t'a pas entendu une partie, Guillaume, ou bien? Peut-être, mais peut-être qu'il n'en a pas été suffisamment, hein, on peut continuer. Non, les points focaux, effectivement... Non, mais parce qu'il dit ça, parce que j'ai pas tout lu. Parce qu'après, ils ont échangé dessus, mais ils étaient d'accord. Et c'est ce que t'avais redit ensuite, en disant que tu étais tout à fait d'accord avec lui, que ça dépendait de la figurine. Oui, ça dépend de la figurine. Tu peux choisir des points focaux. Et après, en fait, t'en fais plusieurs des points focaux. C'est-à-dire qu'ils ont différentes intensités. Tu vois, par exemple, quand tu fais un petit point de lumière sur le bout de la chaussure, c'est un point focal. Tu vois, c'est déjà là, tu fais des points focaux. Tout le temps, fais tout le temps, en fait, des points focaux quand t'éclaircis. Et après, il y en a juste que tu pousses plus que les autres. Tu avais dit, je disais que quand une figue lève haut son épée, c'est pour focus la peinture sur l'épée. Ouais, par exemple. On est d'accord. C'est vrai. Mais c'est comme Zoé l'a redit, en fait, j'ai pas relevé vos échanges parce que comme je suis en plus à la ramasse, que je suis un peu en retard. Bon, et puis finalement, j'ai pas à me justifier. Non, mais et puis quoi encore? Mais si, tu as mon service. Tu dois justifier ce que tu dis. Voilà, là c'est fait. Fou, dit Mathieu. La guibole c'est fait. Je pense éteindre un petit peu mon sol qui est un peu présent encore. Donc je vais refaire un petit lavis d'Agrax. D'accord? Je sais, c'est pas sérieux. Si, mais... j'ai mal compris aussi. Le père de Zosette est psy. Oui, il était psy, mon papa. Il est à la retraite, mais il était psy. Psychothérapeute. Guillaume, peut-être j'ai pas entendu. Oui, t'as pas entendu, Guillaume, c'est pas bien. Hein, tu nous schnacks, mais en fait, on avait répondu. Il y a Mathieu qui dit « Je vous vois, moi, sauf les gens plus jeunes ». Il y a Kretche qui dit « Je vais nous noyer ». Hein, voilà. J'ai mon Fredo 73, coucou. Je refais un petit peu de la vie... Ça me permet d'unifier mon socle, vous voyez, au niveau des coloris, et de l'estomper un peu, parce que je trouvais qu'il était un peu trop clair. Là, il va un peu plus disparaître, ça m'intéresse davantage. On va faire la casserole. Allez. Mathieu, il dit, si je dis que mon père a un rôle religieux, ça va choquer? Pas du tout. Non, mais on est curieux. Ah, pas du tout, moi ça m'intéresse, moi. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il faisait, ton père? Exactement. Est-ce qu'il a fait des exorcismes? Moi, ça me plaît, ça. Obsédé, toi. Ouais. Guillaume, et les peintres qui font un feu au sol et un OSL de rouge dégradé, on focus pas sur le visage, si? Ah si, tu peux. Non, mais tu peux avoir plusieurs points focaux. Hein. Il n'y en a pas qu'un. Mais je pense que le visage, c'est toujours important quand même à faire apparaître. Mais après, effectivement, tu peux en avoir plusieurs. Le fait est que si tu en as trop, après, ça devient plus des points focaux. Puisqu'il n'y a plus de focale, puisqu'il y en a trop, des points focaux. Donc je pense que 2, 3, effectivement, ça marche. Tu regardes, par exemple, les figurines de Cursed City ou... Il y a un peintre là, un japonais américain là, qui fait des tutos qui sont bien faits hein, d'ailleurs, sur Cursed City. Il fait un éclairage rouge un peu par en dessous, comme suggère un peu l'iconographie du jeu. Et puis après, par ailleurs, il fait un éclaircissement normal de la figurine avec souvent un point focal quand même sur le visage. Bah, t'en as deux, tu vois, t'as cette contre-lumière rouge qui attire évidemment, parce que c'est un contrasté très rouge, et t'as aussi le visage. Je pense que tu peux en avoir 2, 3 des points focaux. Mais après, voilà, si tu en as trop, tu perds en lisibilité. Je pense. Hein. C'est très compliqué à garder une figurine lisible si tu fais trop de points focaux. Et après, ça dépend de la taille. Tu vois, ici, c'est un petit point focal, ce petit point blanc-là. Donc, ça attire sur le tranchant, là. Là, ça monte vers le visage. On pourrait peut-être monter plus en lumière sur le visage. Je te l'accorde. Hein. C'est peut-être vrai aussi. Hein. Moi, j'ai préféré, plutôt que de monter encore en lumière en visage, éteindre un peu le bas, tu vois, ici. Et d'ailleurs, on peut éteindre encore davantage. Hein. Si on trouve que c'est trop lumineux, tu vois, les lavis, ça sert à ça. Hein. Alors, par exemple, je reprends moi aussi mon lavis. Ici, si je trouve que ça, c'est un peu trop voyant, hop, tu vois, je refais un petit lavis ici. Voilà, tu vois, je le fais disparaître un petit peu. Il dit Fada, il dit, comme avec Fred du culte sur les points focaux, vous en avez parlé pas mal. Ouais, ouais. Non, mais c'est important d'en faire, en tout cas, ça c'est vrai. C'est important de donner une lecture à ta figurine. Chez Mofredo 73, pourquoi il a un sac en toile de jute sur la tête, le père Zoz? Ah, il y a les cheveux qu'on n'a pas bien vu. C'est une longue histoire, chez Mofredo. Là, ben non, c'est pas un toile de jute. Voilà, là, on a fait un peu estomper. Bon, on va faire les casseroles, et puis idéalement, il faudrait que je fasse les cheveux derrière aussi, un petit peu.
Bon, je vais faire les casseroles. Allez. Ah, Guillaume, avoue. Il dit, je suis allé me chercher mon dessert 5 minutes. C'est vrai, mais à coup de pas. Ah, t'as peut-être pas entendu à ce moment-là. C'est à ce moment-là que t'es parti, petit salopard. Ah, son père est pasteur, bah, tu verrais. Oh, excellent. Il est mignon, on peut passer à la casserole, dit Dominique Sauté. Ton père, il est pasteur, c'est rigolo, ça. Enfin, c'est rigolo. C'est quoi la couleur pour la casserole? Alors là, c'est du Mordfond Brown. Ça va être ma couleur de base, mais je sais pas du tout comment je vais me démerder pour essayer de faire du cuivre. Je pense que... Comment je peux faire du cuivre? Si, si, t'es sûr que t'allais parler d'exorcisme après la phrase de Mathieu Véret aussi. Je pense que peut-être en le montant au rose, je suis en train de regarder un peu la couleur de l'artworks là. Je pense qu'avec du rose, c'est jouable. Je prends une couleur chair. Donc je vais monter mon Mordfond Brown avec de la chair. Ça va manquer un peu de jaune peut-être. Donc je vais mettre une touche de jaune pour le côté brillant. Allez, on fait ça. Donc j'ai fait Mordfond Brown, jaune et un peu de chair. Allez, on part là-dessus. Pour faire un premier éclaircissement, et je vais me refaire un petit jus à côté de Mordfond Brown pur si j'ai besoin d'y revenir. Guillaume, comme les femmes en fait, deux points focaux sur le buste, puis un sur le visage. Je te jure. Bien vu, mec. Bien vu. Je vais regarder sur le replay, dit Guillaume, pour voir tout ça, et on en reparlera à la review fig chez Guy du Mordor. Alors voilà, ici. Mon père est évêque. Bah, je comprends pas, il est pasteur ou il est évêque? Ah, ça change à chaque fois. Dis-moi, tu verrais. Donc là, pour suggérer bien la forme, ici, ça s'élargit. Oh, Bonnie Corleau. Bisous, bisous. Et ici, ça s'affine un petit peu. Voilà. Il y a des ploplous, ça, dis-moi, tu verrais. Il y a des ploplous. Il y a des ploplous. Des gros ploplous. Après, là, le dessus, évidemment, ça prend de la lumière. Elle est bien dégueulasse, sa jambe par terre, là. Ouais, bah oui, hein, c'est fait beau. Hein. Bah oui, mais ça marche bien, parce que de loin, ça fait crado. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait le dessus de la casserole. Oh, cette fois aussi, dit, enfin, certaines n'ont que le visage comme point focal. Et bim! Bien envoyé, mec. Ah non, son père est pasteur, il dit. D'accord. C'est quoi la différence d'ailleurs? Je sais pas, je sais juste que les pasteurs ont le droit de se marier contrairement à nos curés. Mais là, je suis avec de la chair. Mais je sais pas les différences. Je m'y connais pas. Moi, je commence à fatiguer mon corps. Donc là, voilà, j'ai fait ça avec de la chair. Ah bah, Valentin, tu vois, Valentin, on va aller se coucher tous les deux. Hein. Bon, faut bosser demain, il dit bonne nuit. Eh ouais. Bisous, Valentin Lecointre. Bisous, bonne nuit. Bah, Valentin aussi, j'aime bien ce prénom. Mais Valentin, faut que je dis que ça va pas plus. Hein. Mais qu'est-ce que t'as T'as envie de changer de prénom, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, je dis si jamais on avait un deuxième. Je parle des prénoms qu'on a sur le chat. Un deuxième quoi? Un chien. Chat. Hein. T'entends? Il y a des petits oiseaux dehors, c'est rigolo. T'entends pas? Ah, les pop orthodoxes aussi ont le droit de se marier. Ah, tu savais, toi, oiseau? Bah oui, bah dans le chevalier du zodiaque. Le grand pop, il se marie. Non? Tu me pourrais un freine sur la casserole, t'es fal, dit Guillaume. Guillaume, t'arrêtes de casser les coucouniettes. Alors, mais Guillaume, toi, t'es il organise des lives, il veut des friandes. Non, mais il est fou, ce mec-là. Il est complètement taré. Hein. Voilà, donc ça fait ça. Et je pense qu'il faut partir avec un blanc, maintenant, là-dessus. Donc, on va le faire avec un blanc. Frédéric Bonnet dit, il faut vraiment que je revoie le début de cette session. J'adore vraiment ce schéma de couleurs que tu as utilisé sur ton pitou. Ah, c'est gentil. Mathieu, si vous aviez un deuxième enfant, ce serait Jésus. Non, Jésus, je ne me vois pas, non. Maël, c'est facile à porter et c'est court, donc pas de surnom. C'est vrai, mais bon, Maël Voschkik, ça colle pas quand même. Hein. Jésus.
Guillaume, les gens ont eu une info. On a eu une info sur les os. Un petit en projet. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je pensais au prénom ce soir particulièrement. Craquer. Non, mais c'est peut-être parce qu'on a été encore avec la petite voisine, tu sais. Il y a une petite voisine qui est née 4 mois. Donc voilà, du coup, ça me fait penser au bébé, forcément. Et puis, il y a une petite voisine qui a aussi eu un bébé chat. Donc, voilà. C'est pour ça. C'est un peu trop clair. Hein. Elle marche avec induction, la casserole, dit Torosaurus. C'est un peu trop clair, il faut que je dégrade tout ça, les copains. Il n'y a que chez les catholiques que l'union avec les mineurs est tolérée. Adeptus. Oh, ça, on rigole. On peut plus rigoler. C'est vrai, hein. Le monde est tendu. Hein. On peut plus rigoler de rien. Si, si, après la naturopathie, bienvenue sur la chaîne Histoire des religions. Bienvenue sur l'histoire des religions. Solène, ce soir, super, j'ai le générique des Chevaliers du Zodiaque dans la tête. Ah bah ça. Ce soir, nous allons parler de la religion. Nous recevons Michel. Jésus, je suce, mais je vole pas. Je suce, mais je vole pas. Si vous Maria Voschkik. Non, et puis Marie, ça me gêne. Non, je pourrais pas. Hein, toi non plus, ou quand même. Maria, c'est Marie, quoi. Marie, ouais. Un peu... Je sais pas, ouais. Le bébé chat, c'est moins d'emmerde, c'est clair. T'en tires pour moins longtemps, quoi, finalement. C'est ça, oui. C'est ça qu'il faut voir aussi. Solène, si tu aimes le trip Chevalier Zodiac, tu peux aller voir la chaîne Games Custom sur YouTube, dit Guillaume. Games Custom ? Games Custom sur YouTube. Arrêt tous les jeudis soir, dit mec. J'ai Maël, deux gamins, ça va, c'est pas mal. Un seul, c'est trop peu. Et plus que trois, c'est beaucoup trop, c'est clair. Ouais, deux, c'est bien, mais bon, on est vieux maintenant. Elle a un agneau noir, Marie. Un bébé chat ou ça? Ouais, il est trop mignon, ce bébé chat. Tu l'as vu, Zo? Parce qu'elle l'a sorti, la petite, hier, un tout petit peu, pour nous montrer. Et aujourd'hui, elle l'a sorti. Ah non, j'ai pas vu le bébé chat, moi. Ouais, il est trop chou. Bah, c'est la même que Maya, en fait, que sa sœur d'adoption. La même en petit. D'accord. C'est trop mimi. Je kiffe les petits chats, dit Mathieu. Ah ouais, bah, nous aussi, qui aime pas les bébés d'animaux? C'est trop mignon. Voilà, ça... Bon, je pense que... T'as trois enfants, Guillaume? Je me rappelais pas. Ou trois chats. Trois enfants, hein. Je pense que là, pas trop mal. Ouais, j'en ai eu 5 pendant 4 ans. 5 d'un coup, ça fait du taf. Et tous les âges en plus, j'ai juste évité les couches. T'en as eu 5 pendant 4 ans? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Petit filtre jaune. Ah, reconcubinage, non, Maël? Voilà. Bon... Ça marchouille. Ça fait un peu casserole en cuivre là, non? Bonne nuit, Rémi Tirode. Fais voir. Ouais. Ouais, moyen. Ben, ça brille plus le cuivre. C'est très mat là. Tu crois? Ah ouais. Je rajoute un peu. Ou alors, bon, on considère que c'est une casserole, hein, pourquoi pas? Bah oui, j'ai pas envie non plus que ce soit trop brillant. C'est quand même une casserole d'aubergiste dégueulasse, quoi. Non, ça pas. Sort pas de Ikea, quoi. Il manque un petit... Ça fait un peu faux. Je trouve. Oula. Mon Dieu. Et là... Peut-être avec un peu plus de rouge. Elle fossile adore les chats. J'aurais dû prendre des exemples de casseroles en... En cuivre. En cuivre, ouais, en visuel. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Ah, bah elle, il aime ni les bébés animaux, ni les animaux tout court. Ah bon? J'ai rajouté un peu de rouge. Est-ce que vous pensez que ça marche mieux? Ça marche mieux, hein, comme ça. Ouais, ça marche mieux avec un petit filtre rouge. Non, tu trouves pas? Fais voir. Oui. Voilà, il y a cet effet de reflet, de brillance qui est mieux. Voilà. Ouais. Bon, bah, la casserole est faite. Voilà, on a fait notre casserole en cuivre. C'était pas facile, hein.
Ouais, Maël, je me suis pas trompée. Il a eu l'idée de tomber amoureux d'une femme qui en avait 5. Oh là 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 là, Maël! Guillaume, oui, 3 enfants, 20 ans, 10 ans, 4 ans bientôt, 5, comme votre pétoune. Oh, Oh, purée. super. C'est bien, il y a pas mal d'écart, hein. Vous devez quand même bien en profiter. Et eux aussi, quoi, chacun profite de papa et maman et profite des frères et sœurs, je trouve. C'est bien, je trouve, des écarts comme ça. Le manche devrait être en couleur fonte, dit Cambo. Couleur fonte, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas Belle bien casserole, là. dit Marc Gervais. Pourquoi pas une couleur métal citadelle, dit Dominique Sautelet. Ah, la queue, Mais j'aurais dû ça la le faire fait, j'aime rose. beaucoup. Ça marche pas, une série de demi-cercles de plus en plus petits vers le centre. Sous la casserole, tu veux dire? Sous le cul de la casserole? Ah oui, pour la casserole, il l'a mis après. Pour faire un peu type casserole induction, j'imagine, un truc dans le Bah genre. ouais, mais bon, les gars, c'est une vieille casserole, ils avaient pas la plaque induction avant. Maëlle, pour finir sur les animaux, en fait, c'est pas que je les aime pas, c'est que j'aime pas le concept d'animal de compagnie. Voilà, Ah j'arrête le oui. 36-15 ma vie. Non, mais attends, ça se Non, respecte mais aussi, hein. pourquoi pas? Ça se respecte, hein. Moi, j'aime pas les animaux en cage, donc je en cage, bocal, enfin voilà, je me verrais pas avec un poiscaille dans un bocal, un oiseau dans une cage, ça me fait de la peine. Mais justement, le chat, j'aime bien parce qu'il est assez indépendant, il Ouais, fait moi vraiment sa aussi, vie, j'aime hein. bien le côté indépendant du choix. Il fait vraiment sa vie, je peux te dire que le nôtre, c'est quand il veut, où il veut, et vas-y que je t'ouvre les portes si c'est fermé. Voilà. Oui, pardon, filtre rouge, très bien, dit Guillaume. Ouais, c'est ça, ça se rapproche du cuir avec le filtre rouge en fait, je suis en train de m'en rendre compte. C'est mieux avec le rouge, dit Marc Gervais. Voilà. Deux mamans différentes aussi, dit Guillaume. Ouais, je me suis un peu douté avec l'écart, ouais. Après, ça arrive hein, qu'il y ait des écarts sur un couple qui dure, mais bon, autant d'écarts avec les trois, ça, je me doutais un peu. Voilà les copains pour la casserole. Ah, Mathieu Véry dit j'ai 18 ans d'écart avec le dernier de mes frères, ça me fait un peu chier moi. Bah parce que 18 ans ça commence à faire beaucoup quoi. Mais jusqu'à 10. Là c'est bueno, là c'est bueno. Les petits cheveux, je continue mes petits éclaircissements. Une casserole de cuivre est toute en cuivre. Bah oui, il est fada. Bah il dit je crois que c'était la phrase à dire. Hein. Je déteste les poissons en bocaux, dit Mathieu Véry. Bah ouais. Bonne nuit, Obi Maquette! Voilà, là je fais juste un petit effet de lumière, vous voyez, sur les cheveux. Je vais pas pousser beaucoup plus loin, ça suffit, je pense. Ah, ton petit type du jeudi est fait, dit Obi. Oh, c'est trop gentil, Obi Maquette, merci, hein. Obi Maquette fidèle de la première heure. Tissi, des questions. Le Ever Metal, tu t'y es frotté? Je kiffe ce style de peinture. Je n'y arrive pas sur les lumières. Je prends un cours chez Trovarion. Trovarion, je ne sais pas comment on dit. Tovarion, ouais, je crois. Ah, Ouais. il y a un TR. Je crois que c'est ça. Ouais. Où on peut se faire une session pour moins de 150 dollars. Le heavy metal, c'est ça, il a dit? Bah, Ivier, c'est écrit Eavier. Eavier, ouais, ça doit Il être y a le peut-être une style heavy copie. metal, non? Hein? Oui, c'est peut-être. Moi, je dis le style heavy metal, c'est le style. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est le style Games, en fait, quoi. Alors, je te redirai quand Le il a style Games répondu. Workshop. Adeptus, Où on éclaircit vraiment les. Ah, tu veux répondre du coup? Je croyais que tu Non, attendais sa non, réponse. non. Non, il va préciser, mais je pense que ça doit être ça. D'accord. Adeptus, on en profite, ce sont surtout les enfants qui profitent des parents, oui, c'est ça l'engeance. Je vous aime quand même, mes amours, mais putain que vous êtes chiants, parfois, souvent, c'est clair. C'est vrai. On découvre le côté alf de Zoz, le chat, lol, dit Dominique Sautelet. Je tiens plus là, je t'y pourrai pas ce soir, je vais pisser, bonne nuit. Mathieu, si tu enchaînes avec le dodo. Elle déchire ta figue, dit Eddie Fada. Merci mon pote. Très sympa. T'es du sud, Eddie, pour t'appeler Eddie Fada, non? Oh, Fada. Oh, Let Faos, voilà. Mathieu, 18 ans, pas mal, 24 ans de différence pour moi. Waouh. Ah ouais. Avec sa femme? Non, on parlait entre frères et sœurs. Mathieu Ah. disait qu'avec le plus jeune, 18 ans. Et là, Let Faos, 24 ans. Ouais, ça fait un gros D'accord. écart, hein, là. Je m'aperçois que tous mes postes ne passent pas, dit Guillaume.
tous tes posts ne passent pas. Bah, moi, je te vois passer des messages, en tout cas. Hein. Bah, si. Alors, je lis pas toujours tout, Guillaume, hein, parce que j'ai du mal. Il faut que je fasse du tri, parce que je suis souvent à la ramasse. Dès que Zo répond, je prends du retard et... Ouais, reposte, hein, s'il y a un truc qui est passé ouais. là. Quand je vois que ça repasse plusieurs fois, je comprends que la personne nous, on insiste, rien, hein. On va dire. Et donc, voilà. On censure que dalle, il n'y a aucun filtre. Non, je fais un filtre juste, comment on peut dire, technique sur le timing, en fait. C'est tout. Vous êtes libre, la parole est libre. Oui, heavy metal, dit ici. Oui, ah ouais, non, j'ai jamais trop essayé ce style-là. Bah déjà, c'est pas moi, c'est pas ce que je préfère. Alors, c'est très beau hein, quand Games le fait, mais c'est pas ce que je préfère, moi, en style. Donc, du coup, tu t'orientes souvent sur ce que t'aimes faire. Et donc, je m'y suis jamais trop essayé, mais je vois ce que c'est dans l'idée générale, c'est déjà, tu le principe de base, je crois, hein, sans trop me tromper, que c'est tu ombres les creux, tu éclaircis les volumes, déjà, et tu es sur un éclairage global, c'est-à-dire, t'as pas trop de lumière orientée dans le style heavy metal. Mais attention, hein, comme ils le font chez Games, c'est maîtrisé à la perfection, hein, avec des linings, des... Enfin, c'est assez... ce que Games fait, c'est assez ahurissant niveau... au niveau où ils le poussent, quoi, tout simplement. Mais non, c'est un style que je... Mais tant mieux si tu arrives à l'apprendre, si quelqu'un peut te l'enseigner, c'est top. Guillaume, il rigole sur Fada, je lui ai dit la même chose hier soir. Et dit Fada, non de La Rochelle, je suis juste un peu Fada. Oh Fada! Le gueule! J'ai Mofredo, il dit, il y a un mec qui a fait une figurine Hugo Pratt en style bande dessinée assez incroyable, je sais pas si tu l'as vu Zoz. C'est quoi Hugo Pratt? Je sais pas, mais ça me parle de nom, moi, c'est vrai. Ouais, moi aussi. Voilà, je donne un peu de la texture à la bourse, je sais pas si vous voyez, hein. Je fais des petits... Ah, Letfaos, il dit, j'ai eu le même souci, Guillaume, censure auto de YouTube. Ah ouais? Ah bon? Parce que moi, j'ai pas mis de bot, j'ai rien mis du tout. Hein. Donc, Ah bon? Guillaume, il dit, non, j'ai vu sur le déroulé en fond noir qu'un de mes posts n'est pas passé. Ah bon? Pourtant, il y a... Ah si, affiché! On a raté les affichés. Ah. Oui, parce que je regarde sur le... Tu regardes sur le téléphone. Je regarde sur le téléphone, merde. Il faut regarder sur là. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que en fait, il y a des affichés, mais comme on n'a pas les yeux sur le chat... Il y a YouTube qui demande, en fait, dès qu'il y a des gros mots, des ceci, de cela. Il me dit si je veux afficher ou pas. Et je regarde pas sur le chat, je regarde sur mon téléphone. Moi, d'ailleurs, je voudrais l'enlever, ça. Moi, je m'en fous. Moi, je voudrais que tout s'affiche. Mais je sais pas si on peut mais régler ça. Mais je pense pas. Ah ouais, papa. Bah non, parce qu'en fait, t'es après un peu responsable de ce qui est dit, quoi. Ah ouais, ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Letfaos il dit heavy metal, franchement je saurais pas faire, mais j'aime pas trop clair pour moi. Non, après c'est super classe hein, le heavy metal hein. Au point où Games le fait, c'est bon, après c'est des tueurs les mecs hein. Mais c'est vrai que c'est pas un truc vers lequel je me suis naturellement Hugo orienté. Pratt c'est un Corto Maltese. Ah putain, oui. Oui, oui, je me disais que ce nom-là, ça y est, ça, je vois tout à fait. Et il y a un mec, je vois pas de quelle figurine tu parles, alors je l'ai pas vu, mais j'aimerais bien la voir, ouais. Un marin romantique un peu pirate, dis même. Ouais, bah de toute façon, il y en a, ils arrivent à faire des trucs très impressionnants hein, en reproduisant un style BD ou un style... là, il y en a qui commencent à faire des trucs... Enfin, qui commencent. Ça a toujours été, mais... Ah oui, Letfaos, c'est pareil que Guillaume, tous les deux, ils disent, en fait, ils avaient mis des gros mots, quoi. Ouais, bon... Et c'est pas passé... Voilà, bon, voilà. On a fait, je crois qu'on est pas ça, là. Ça, quand non, on commence à travailler les bourses, ça censure, dit Dominique Sautelet. Ça y est, voilà. Là, c'est bon. L'éclairage, il est correct. Parce qu'il faut que je mette la main derrière pour avoir une bonne lumière. Guillaume, oui, c'est mieux de filtrer, à mon avis. Bah ouais, parce qu'on n'est pas à l'abri quand même de quelqu'un ouais, non, qui dirait clair, des ouais. trucs pas nets, quoi. Je pense que les gens, ils sont la plupart du temps bienveillants. Alors, des gros mots, c'est une chose, mais bon, des propos déplacés, ça en est. On va faire notre bord de socle noir. Hein. On va quand même faire ça correctement. On n'est pas des chafouins. Donc je te l'envoie, dit Gémofredo. Ah ouais, moi je veux bien, parce que je suis curieux de voir ce dont tu me parles, là. Envoyez ça a l'air quoi, classe. J'y suis plus là. La figurine ah avec oui, un style parlais, de... Ah oui, d'accord. Donc, bord de socle noir, beau petit bord de socle, là, pour bien finir tout ça. C'est la pose des lumières multi-orientées qui me chagrine. Pas les 10 000 postes GW sur comment peindre, c'est la compréhension des lumières. Ouais, ben c'est souvent... De toute façon, c'est toujours pareil. En peinture, le plus difficile, c'est de comprendre.
C'est beau ce que je dis. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, il y a des cours, moi, je suis pas très fan quand on court, un prof te dit, bah, regarde, tu fais ça, ensuite tu fais ça, et tu vas obtenir le même résultat que moi. Je vois pas l'intérêt parce qu'une fois que le prof il est plus là, bah, l'élève il est perdu, quoi. Je trouve ça plus intéressant d'essayer de lui faire comprendre, déjà je pense de pas lui faire un cours pour qu'il peigne comme toi, mais de faire un cours qui corresponde à ce qu'il est en train de développer et le style vers lequel il veut aller. Si tant est que tu puisses lui apporter des choses dans ce style-là, ce qui n'est pas forcément simple. Hein. Mais bon, si quelqu'un est débutant, tu as toujours en général plus de compétences que lui sur le sujet pour l'orienter dans la bonne direction, pour se rapprocher de ce style-là. Attention, le moniteur va s'éteindre dans 10 minutes. Ah oui, c'est pas grave ça, je rallume. Et donc, je préfère un prof qui plutôt te dit « fais ci, fais ça, fais ci », puis après tu vois les deux figurines collées l'une à l'autre, et puis ils te disent « vous avez vu l'élève, ce qu'il a fait ?» On n'arrive pas à différencier la figurine de l'élève du prof. Bah ouais, mais bon, en gros, t'as appris un singe. Enfin bon, je sais pas si vous voyez mon raisonnement, mais... En gros, il a fait comme toi, super, tu lui as dit fais ci, fais ça, mets du rouge là, mets du bleu là, mets du jaune là, prends telle couleur, mets là. Mais est-ce qu'il a compris ce qu'il a fait, tu vois? C'est-à-dire qu'il a reproduit, mais est-ce qu'il a compris? Alors peut-être qu'au niveau pédagogique, il y a un intérêt à le faire. Mais à ce moment-là, ce serait un cours parmi d'autres, quoi. Mais si en cours avec un prof, tu fais que ça, bref. Je préfère plutôt quelqu'un qui va essayer de te faire comprendre, t'apprendre à analyser une figurine et que tu comprennes pourquoi et où faut aller, mais naturellement, quoi. Voilà, bon. Dominique Sautelet, franchement, elle est magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup, les copains. Mathieu Verret, il a tenté des trucs d'éjection de mouton, vomi troll, j'ai pas été censuré, là, bizarre. Guillaume, c'est super, bravo, et on a vu une figue jusqu'au bout. Je suis content d'avoir lancé une autre idée, car c'est moi qui avais demandé de finir cette figue, tout à fait. Fameuse figue, il y a 7 ou 8 lives. Il y a pas 7 ou 8 lives, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, bah, il dit ça. Cambo, superbe figue, le socle, j'adhère complètement. Voilà, le socle, vous avez vu, on l'a éteint un peu. On a rajouté un peu des briques rouges pour casser l'uniformité d'un sol gris. Et Guillaume, il dit, t'as vu que c'est une bonne idée, les pavés de couleur de sang. Ouais, mais très bien. Non, mais vous avez des bonnes idées, les gars. Et c'est bien la preuve que ça n'a rien à voir avec le niveau de peinture, vous voyez. C'est juste un peu, on peut avoir une bonne idée, qu'on soit bon peintre, mauvais peintre. D'un seul coup, on se dit, tiens, ce serait pas mal de faire ça. Et c'est pertinent, vous voyez. Alors, pour rebondir, Tissi dit « Je ne parle pas espagnol, Banshee me propose un mois de tuto pour X dollars, mais je préfère apprendre que copier. » Ouais, alors après Banshee, tu vas pas copier, justement. S'il y en a un qui est intéressant, c'est Banshee, justement. Donc moi, là, sur Banshee, tu tomberas pas dans ce travers-là. Il va pas te... Tu pourras faire comme lui fait, mais il a, moi, je trouve... Tiens, je vais afficher. Il y en a un autre... Moi, j'avais pris un cours avec Banshee, et justement, c'est quelqu'un, c'est un prof qui t'apprend à réfléchir sur ce que tu fais. Et ça, c'est intéressant. Et s'il fait la même chose dans les tutos live que ce qu'il fait en formation physique, enfin, moi, je vous parle d'une formation que j'ai fait avec lui il y a... Ça va faire quoi? Un peu moins d'une dizaine d'années, mais... Bah, pas long, puisque Roman, elle a 5 ans... C'était avant Roman. Donc c'était il y a longtemps. Et franchement, c'était pas du tout le côté fais comme je dis, fais comme moi, mets du rouge là, mets du bleu là. Pas du tout ça. Carrément pas. C'était au contraire, mais réfléchir à la pose de lumière, l'interaction des couleurs, et essayer de te débloquer, de t'enlever des verrous, ou alors au contraire de t'ouvrir sur certaines choses et de te dire ah putain, d'accord, je comprends la logique. Peindre en conscience. Bah ouais, non, mais un côté, je sais pas comment l'expliquer, mais un côté où tu t'appropries les choses parce que, non pas parce que tu reproduis ce qu'il t'a dit, mais parce que t'as compris là où il veut te faire aller et t'as compris une logique, une mécanique, une interaction, voilà. Et notamment la lumière, c'est hyper important, les couleurs aussi. Et puis dans les premiers cours qu'on avait fait avec lui, parce que nous on avait fait sur 2 jours, les premières heures, c'est vraiment te décomplexer sur le pinceau, etc. Mais à aucun moment donné, il nous a dit tu utilises du bleu, du rouge, du machin, du... Pff, sûrement pas. Et d'ailleurs, personne n'avait absolument la même figurine que lui. Et c'était pas le but du tout. Et je trouve que c'est une manière, là, pour le coup, plus intéressante d'apprendre la peinture sur figurine que de reproduire... Alors après, il y a sûrement une vertu thérapeutique. Une vertu... artistique. Pas artistique, mais didactique, d'apprentissage, à reproduire. Pédagogique. Voilà, pédagogique. Il y a sûrement une vertu pédagogique à la reproduction. Mais je pense qu'il ne faut pas faire que ça.
Voilà, c'est peut-être pas mal de faire un cours avec un prof de reproduction. Voilà, faire un cours de reproduction. Clairement, la compréhension de ce que tu fais est mieux que de faire l'imprimante. Il y a des tutos. Exactement. Pour faire ça. Exactement. Voilà. C'est pour ça que souvent on me dit, mais quelle couleur t'as utilisé là? Mais on s'en branle. Par exemple, là, tu vois, savoir que j'ai utilisé le Red Brown Valero 10. Non, un marron rouge, parce qu'on sait que le cuivre va tirer vers le rouge. Bon, ben voilà. N'importe quel marron rouge fera l'affaire. Et puis, si t'as pas de marron rouge, tu prends du marron, tu mélanges avec du rouge. Et puis, si c'est pas ce marron rouge là que t'en prends un autre, c'est pas grave. Ça restera juste. C'est la tonalité qui est importante. C'est l'interaction des couleurs. C'est pas d'avoir la teinte exacte au millimètre près, quoi. On s'en fout. Complet. Marin Doug, magnifique cette figurine, comme d'habitude. Cluba, salut, salut, j'espère que je suis pas trop en avance. Non. Très belle pièce, bravo, dit Romain. Eh bien, merci beaucoup, les et copains. Diane, sur cette belle figurine, je vous souhaite une bonne nuit, encore plus à vous, madame. Bonne nuit, Diane. Bah oui, bonne nuit, Diane, merci, les copains. Netflix, très jolie, on imagine bien l'auberge autour du gars. Ouais, après, ça manque un poil de jaune, mais comme j'étais pas parti sur le jaune dès le départ, sinon, c'est pas inintéressant, effectivement, si on voulait créer un éclairage un peu jaune, de venir avec des filtres jaunes, mais bon, voilà, c'est une figurine de jeu, faut savoir s'arrêter. On se reparle en privé plus tard si tu es dispo. Marc Gervais de la Fond, on fait quoi la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, on va peindre du Cursed City, je pense, parce que en ce moment, c'est un peu la hype. Et du coup, c'est bien de peindre ça. Ça me permet peut-être d'avoir des nouveaux abonnés. Ouais. Warhammer Cursus. Gemofredo 73, affiché. Ça y est, je te l'ai envoyé, la capture de la figurine. Ah, j'irai voir. Tu m'as envoyé sur quoi? Guillaume, la barbe pas trop grise, pas plus de noir dans les creux? Non, non, parce que le noir, si tu veux, je le réserve plus. Si tu veux, ma couleur la plus sombre. Pareil, tu vois, c'est un principe un peu où je vais hiérarchiser mes trucs. C'est que les traits les plus sombres, je vais les garder pour dissocier mes différents éléments. Chemise entre la peau, tu vois, entre la peau et la chemise, entre la ceinture et la chemise, pour garder le côté graphique et la lisibilité. Donc après, si je viens réutiliser une couleur aussi sombre que ça, de manière trop souvent, notamment dans la barbe, je risque de créer un contraste un peu trop fort et de perdre en définition. Et souvent, vaut mieux raisonner en volume sur une barbe. C'est-à-dire, il vaut mieux garder ici un côté clair, ici un côté un peu plus sombre, et faire quelques poils comme ça, plutôt que de détourer chaque mèche une à une avec le trait sombre tout autour. Il va y avoir un côté trop répétitif, trop mathématique et pas naturel. Tu vois, regarde, si tu regardes ma barbe, par exemple, bon là, on ne voit pas en lumière naturelle, mais on aurait tendance à avoir, tu vois, un peu plus clair ici, un peu plus foncé en dessous, et ainsi de suite, quoi. Eh ben, il faut que j'essaie de reproduire ça un peu, mais plus avec des touchés, tu vois, des petits touchés pictures. Bah tiens, le meilleur exemple, c'est les cheveux. On se fait chier sur la barbe, mais tu vois, regarde. Ici, si je trace mes petits traits noirs entre chacun de mes cheveux, si je trace des petits traits noirs entre chacun de mes cheveux, je vais perdre la lisibilité. Ce qui m'intéresse, c'est de rendre compte de la pose de lumière et de l'ondulation du cheveu. Et si tu regardes bien, c'est trop petit pour aller faire du mèche à mèche. Tu te rends compte si je fais du mèche à mèche, là? Je perds la lisibilité complètement. Non, c'est pour ça qu'ici, je vais avoir des touches claires ici, sans séparer les cheveux, hein, parce que c'est une masse, et l'écart entre les cheveux est tellement faible que ça ne justifie pas un trait noir. Tu vois, c'est trop fin. C'est trop fin, donc c'est un volume à part entière. Donc c'est pour ça que je vais avoir plutôt une bande claire avec quelques mèches marquées, tu vois, mais sûrement pas toutes, parce que ça me permet de rendre compte, c'est l'illusion un peu, hein, ça me permet de rendre compte du mouvement du cheveu. Donc effectivement, il y a des cheveux, voilà, donc je fais quelques traits pour montrer cette séparation, mais je ne vais pas faire mèche à mèche. Ce qui m'importe le plus, c'est de marquer des taches de couleur claire placées tout du long ici, pour que on ait cette illusion, si tu veux, de mouvement de cheveux. Voilà, c'est ça l'important. Il ne faut surtout pas dissocier mèche à mèche, parce que là, le volume est trop petit, ça n'aurait pas de sens. Et au contraire, tu fais du mèche à mèche, tu perds la lisibilité complètement. Le plus important, c'est la lumière. Voilà. Impressionné par la chemise, c'est hallucinant, dit Guillaume. Ouais, la chemise, alors c'est pas très compliqué. Alors la chemise, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de glacis aussi, tu vois. Si tu fais beaucoup de glacis, et puis surtout d'hiérarchiser, c'est-à-dire de bien se dire, voilà, si je mets du clair là, ici, un peu moins clair, et surtout, je remets pas du clair ici, comme je l'ai mis là. Je pourrais te tenter de le faire ici. Et d'ailleurs, dans l'école Heavy Metal,
tu vas avoir tendance à avoir cette éclaircie-là très poussée, bah, à le retrouver là, là et là, sur tous les volumes. Plus un volume est marqué, plus tu vas l'éclaircir. Mais du coup, tu perds cette progression de lumière. Et moi, ça m'intéresse plus de voir ce dos creusé, parce que je trouve que d'avoir une lumière ici, c'est plus réaliste, tu vois. C'est-à-dire que ma lumière, elle commence sur les épaules, elle se continue sur les cheveux, elle revient sur les épaules ici. Et encore, j'aurais dû augmenter du lumière encore ici sur le bras, pour bien faire. C'est-à-dire de retrouver la lumière qu'il y a là, sur ces petits points-là, j'aurais dû la remettre là, pour bien pousser le travail. Ça manque de loin, je vois pas de près moi, mais de loin... Ouais, ici ça manque d'une lumière, ouais. Ici c'est trop plat, mais bon, bref. Et d'autant que c'est de la chair, et que la chair elle est plus satinée que du tissu, qui absorbe la lumière, donc je peux pas avoir quelque chose qui soit moins poussé en lumière là, sur de la chair qui est plus satinée que sur de la chemise. Ah. Oh putain, je remets mon moniteur. Il dit que c'est bien maintenant d'avoir des vidéos de peinture. Quand j'ai commencé, il fallait se démerder pour partager les techniques, que si on croisait un autre peintre, exactement, la galère. Exactement. Mais là, l'important, j'ai plus mon retour. Elle est vraiment stylée, ta figurine, dit Fredo. C'est gentil, les copains, merci. Genre, beaucoup. C'est pédagogique si on n'a pas la caméra palette, Solène. Qu'est-ce qu'elle est vilaine, Solène. Elle parle pas souvent de temps en temps, elle envoie un petit pic là. Bonne nuit ici. Et donc, oui, comme je vous disais, ce qui est plus important, c'est la pose de lumière ici. Et moi, pourquoi je préfère ce style-là que le style heavy metal, c'est parce que j'aime bien pouvoir creuser mes ombres ici et ne pas ramener de la lumière partout. Ici, j'en mets pas de la lumière, vous voyez, dans les creux du dessous. Et dans le style heavy metal, alors peut-être je me trompe, hein, mais je pense que tu dois avoir tendance normalement à tout éclaircir selon un éclairage global. Alors que je trouve que ça rend toujours impressionnant d'avoir un éclairage un peu naturel, parce que c'est ce qui permet de dégager des masses. Ici, de voir un dos puissant, parce que je creuse ce dos-là, et que ces plis-là, je les traite pas. C'est-à-dire que je garde ma lumière la plus haute sur le haut, là. Enfin, bon, c'est un... Guillaume dit, super explication, la barbe, merci beaucoup. Solène, elle dit, et je pense que c'est très important à dire, il faut poster l'annonce du live en avance, Zoz. Oui, c'est vrai. Pas 3 heures avant. Ouais, c'est vrai. Tu devrais le refaire 3 heures avant, mais ça peut pas être la seule, l'unique. Ouais. Non, je sais, je suis pas bon encore. Ouais, t'es pas bon là-dedans. Ouais, je suis pas bon. Une barbe d'ex-premier ministre, dit Adeptus. Ouais. Il dit Fada, il faut mieux pas lui dire que sa bouffe est dégueulasse à ce cuistot. C'est clair. Petit poney, dit Mathieu Véret. Oh, bon, tout le monde a craqué. Bon, bah écoutez, les gars. Un pote de Jean-Pierre Coff, dit Eddie Fada. Mais vous avez raison, sur les lives, je vais essayer de poster avant. Bien dit, mais n'hésitez pas à me conseiller, les copains. Vous êtes là pour me soutenir, ça fait plaisir. Donc, ça. C'est hallucinant, les techniques de lumière. Génial de t'écouter, bravo, merci Guillaume. Arrête, hein, c'est louche. Ouais, c'est louche. Et des petites techniques aussi, ouais. On profite un peu. Bonne nuit, Malou. Après, on va se coucher. Mais voyez, la petite trace de bleu que je mets là, c'est que dalle. Mais cette petite trace de bleu, ça donne une info, comme quoi le corps, c'est un cadavre. Juste parce que j'ai mis une petite pique de glacis bleu à cet endroit-là. Tant que j'avais pas fait cette petite piste de glacis bleu, je sais pas si vous l'analysiez comme ça, mais ça faisait jambes fraîchement coupées. Le simple fait de mettre ici une petite pique de bleu, là, c'est ce bleu-là que j'ai fait, hein. Je vais pas le refaire parce que ça ferait trop marqué, sinon il faut que ça reste discret. Eh ben ça donne un côté un peu... ça apporte une lumière froide, donc froid, un peu cadavérique, un peu viande froide, voilà, d'où l'utilisation de ce petit glacis bleu. Et vous voyez à quel point... Le diable, comme on dit, se cache dans les détails, c'est que le petit glacis bleu, il est là. Il n'est pas partout, il est juste là. Et ça suffit à suggérer, si vous voulez, cette mort, ce côté viande morte, sur toute la jambe, alors que j'en ai juste mis là. Voilà. C'est des petites choses comme ça, en peinture sur figurine, mais c'est pour tout, en dessin, en tout, c'est-à-dire que les petits détails, voilà, un petit glacis là, un petit, voilà, ici par exemple, une petite veine, vous voyez, un petit liseré là, un peu de couleur un peu différent, voilà, c'est pas compliqué, on prend un pinceau un peu fin là, on se fait un petit trait un peu bleu chair, et pouf, ça nous fait une petite veine, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, mais là, c'est, voilà, il y a des petites astuces comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout, voilà, on va pas passer un filtre bleu sur toute la jambe, ça suffit, on donne de l'information, voilà, j'ai mis un petit filtre bleu là, je donne l'information, c'est de la viande froide. Voilà, à partir du moment où on voit un petit coin de filtre bleu, ça suffit. On peut en faire trop. Si, il y a du levette dans l'explication, les 3 minutes des 6 heures de live. Je suis d'accord. On garde que la fin. Alors, bon, ben merci les copains.
Je vous fais de gros gros bisous. Portez-vous bien. On va reposter pour un prochain live. Donc jeudi, c'est sûr. Frédéric Bonnet peut-être dit non, mais en même temps, c'est tous les jeudis à 21h les lives. C'est pas comme si ça changeait tout le temps, non ? Oh, il est là, lui. C'est toi, n'importe quoi. Pas, donc Frédéric, il veut dire que bon, on peut reposter. Oui, certes, non, mais, avant, mais non, là, mais il n'y a pas que des habitués. C'est pour les non-habitués. Bah, ouais. Ça permettrait de faire c'est venir, ça, le truc. Voilà. Guillaume, depuis que toi et un ou deux autres peintres ont parlé de ces styles de peinture avec les lumières, je fais ça sur certains de mes marines et ça marche super bien, merci, je déconne pas. Non, mais c'est bien, mais tant mieux, le but c'est ça, moi c'est de partager. Marc Gervais dit juger nos figues une fois par trimestre. Ouais, ça serait pas mal ça. Ouais, ouais, ça peut être une bonne idée. Hein. Avec du sang sur le revers de la main, tu racontes un truc marrant, genre il a mis un revers au gars et il est dans le mur avec la jambe restée sur place, trop regardé, invincible. Ouais. Et dit Fada, j'en ai appris plus sur les lumières en quelques vidéos sur ta chaîne, merci et bonne. Ah bah c'est super, oui. Bah, si vous en avez appris, voilà, c'est génial. Le but bonne c'est nuit, ça. Guillaume. Bon, je vous fais de gros bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc, on n'oublie pas, voilà, vous pouvez liker, tiper, partager. Qu'est-ce qu'on dit ? Liker, tiper, partager, je crois qu'on a tout dit. Ouais. Commenter, ouais. C'est ça. Mettre des pouces, voilà. Mmh. Et puis voilà, puis je vous dis à bientôt, à jeudi prochain. Bisous tout le monde. Et puis voilà. Bonne nuit, Cluba. Et puis voilà. Bonne nuit, tout le monde. Alors là, bonne c'est nuit, arrêté. Toi, bonne nuit, bonne nuit, tout le monde. Portez-vous bien, les copains. Ça nous a fait super plaisir. À petite musique de fin avant de se quitter. Ah, c'est fini. Attends, je clique là. C'est bon. Ah oh là là. Bon. Allez, dodo. Je leur dis des trucs. Mais de toute façon, je sais pertinemment qu'il n'y en a aucun qui comprend ce que je dis. Ils sont trop débiles. Ils ont. Gâche pas tout. Mais non, mais tu vois bien qu'ils n'ont pas un brin d'intelligence. Et l'autre qui vomit pendant mon live. C'est poli, ça. Tu vomis, toi, chez les gens. Moi, je. Moi, quand je suis invité chez quelqu'un, je vomis pas chez lui. Quand même. Ah non, mais je te jure, moi. Dis pas d'attention, on vous voit. Non, mais il dit n'importe quoi, c'est coupé, mon cœur. Il sait pas, à chaque fois, tu essaies de me faire croire qu'on est encore en ligne. Je sais très bien quand je coupe, quand même. Je maîtrise la technologie. Là, on n'est plus en live, on peut se permettre de dire des vérités. Il y a des vérités qui font pas bémer. Mais il faudrait que quelqu'un leur dise, hein. C'est des tocards, c'est des tocards. Et puis moi, tu sais quoi? Ah oui, alors tous les trimestres, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder leur croûte. Bon, là, que ça a foutre de regarder les croûtes. Non, mais franchement. Non, c'est pas coupé, Eddie. Eddie, tu ne nous connais pas encore. Voilà, mais franchement, hein. Tiens, ils sont couillons, je te jure. Je peux plus me les blairer, tiens. Voilà. Peut-être le dernier live que je fais. Bah, ça, je leur ai pas dit, mais. Bon, puis j'espère qu'ils vont envoyer des ronds, je te le dis. Hein, parce que, ça va bien. Hein. Ils vont me faire chier tous les jeudis soirs, alors je pourrais regarder ma série tranquille.